2020, les boomers du catch. De retour pour cette deuxième édition de bien beau dimanche soir qu'on vous fait passer en notre compagnie. Vous êtes, bien sûr, sur la chaîne C'est ça le catch. Vous êtes déjà près de 300 avec nous en live. Ça fait hyper plaisir. Je suis votre hôte. Je suis Norbert Feuillant, at Norbert Feuillant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, les copains, à me suivre, bien sûr, ainsi que mes comparses pour l'émission d'aujourd'hui. Je vais présenter dans un tout petit instant. Je rappelle que Sturi a une revanche à prendre cette semaine après la rabitada de la semaine passée. La victoire de Rabi 7 à 6. Même formule aujourd'hui, on va faire un Feuillant Invitational. On va faire également 3 Lani Pofo, les copains. Et on va parler un petit peu de certains points d'actu. Alors niveau actu, à part WrestleMania, il n'y a pas grand chose. J'ai quelques questions à poser à mes compères. Petit point pour Toonami. Il n'y a pas eu d'émission la semaine passée, vu que le contexte actuel, on ne prononcera pas aujourd'hui le vilain mot, ni les vilains mots. On dira contexte actuel, je pense que c'est pas mal. Et puis on va pas vous rabâcher les oreilles avec ça non plus. Il n'y a pas eu d'émission AEW avec Alain Mistrangelo et moi-même sur Toonami. On rattrape tout ça ce mardi à 19h15. Les deux derniers épisodes de Dynamite à huis clos, commentés par Alain Mistrangelo et moi-même à distance. J'étais à Bordeaux. Il était à Strasbourg, on a fait comme on a pu, notre ingé son que Sturi connaît, on y revient dans un instant, Fred a fait des miracles, donc Alain Mistrangelo pour la première émission sera au téléphone, pour la deuxième depuis sa salle de bain, vous entendrez l'écho qu'il a, mais en tout cas, on a fait ce qu'on a pu, on est content de vous retrouver, c'est mardi à 19h15, les deux épisodes d'affilée de AEW Dynamite sur Toonami, les copains, j'accueille un de mes premiers invités, comme d'hab, un des autres boomers du catch. C'est Sturi, c'est at Sturi Kane sur les réseaux sociaux. Salut Sturi, bienvenue à l'émission. Notre portelé. On va mettre le soupe ce soir. Là, je veux voir le chat YouTube s'enflammer et donner tout de suite. Là, voilà, là, je veux voir les messages d'encouragement pour Sturi. Allez, allez, on est parti là. Allez, on se donne là. Vas-y, je me chope. Je vous entends pas le chat. Vous n'allez pas entendre le chat. Le chat n'est pas audible, mais moi je vous entends. Moi je vois chacun comme ma tardive. Il voit le public même quand il n'y a pas de public. Voilà. Je fais exactement la même chose. J'entends le son, j'entends les vibrations. Rabi, tu vas passer un sale quart d'heure. Ah, on me dit qu'on n'entend pas Sturi. Qu'est-ce qui se passe avec ces saloperies? Mais si, on me dit qu'on ne t'entend pas. Le micro n'est pas resté fort, on me dit. Vas-y, parle. Oui, moi je t'entends, mais je vais regarder ce qui se passe. Peut-être que c'est moi. Alors attends, parce qu'on a. Hey, tu as dit, Sturi, en plus sur les internets, tu as dit. Oui, pas de problème technique aujourd'hui. Je pense que c'est raté. Alors, comment ça se fait qu'on n'entende pas le Sturi, nous? Laisse-moi regarder mes petits réglages. Bien, ok. Alors, laissez-moi un instant, les amis, c'est les boomers du catch. Dès qu'il y a trois fils, voilà, c'est le bordel. Pourtant, moi, je t'entends. C'est ça qui est étonnant. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Si, je sais ce que je vais faire. Tu crois que c'est mon OBS qui merde? Ben non, parce que... Non, Sturi pense que c'est mon OBS qui. Mon OBS n'est que sur une piste, tu vois ce que je veux dire? Tout est sur le Micox parce que tout est relié au U-Control, tu sais, au soft. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Quand je parle, tu m'entends.
Moi, je t'entends. Ah oui. Ah, vas-y, parle. Mais comment ça se fait? Il n'y a rien qui rentre en fait dans ma table quand tu parles. C'est vrai. C'est vrai. Il n'y a rien qui rentre dans ma table. Hein, eh, je vous remets le générique, les copains, hein, pour patienter. Hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu tout à l'heure, le générique d'ailleurs, parce que peut-être pas. Hein. J'en sais rien, je me pose la question maintenant. Est-ce que vous, dites-moi sur le, comment ça s'appelle, le chat si vous avez entendu le générique. Alors, lecture, ok, haut-parleur. Ah, attends. Si je désactive ça. Vas-y, cause un coup, Sturi. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Eh ben, pourtant, ça rentre dans mon PC quand tu parles. Vas-y, parle. Ça rentre dans le PC. Attendez. J'envoie le générique. J'espère que vous allez l'entendre, les copains. On va voir. Oui, c'est parce que je pense que c'est. On dit qu'on t'entend de loin. C'est peut-être parce que. En fait, ton son, Sturi, ce que les gens entendent, c'est ce qui sort de mon casque. Non, non, je t'entends parfaitement, hein, Sturieux. Non, mais les gens vont avoir cette entrée-là. Vérifiez bien que dans les entrées qu'il y a, le micro, c'est bien l'USB ou le casque qui rentre à l'intérieur. Sur mes paramètres de PC, tu veux dire? Dans OBS, oui, dans OBS, c'est bon. Dans OBS, c'est bon. Normalement, tout le monde nous entend. C'est ça qui est étonnant. Allez, c'est ce qu'on va faire. On va voir si ça ne vient pas de chez toi. On va accueillir Rabi. Tu vois, on va prendre le risque d'accueillir Rabi. Rabi, est-ce que tu es avec nous? Vas-y, parle un coup. Eh non, on n'entend pas Rabi, hein. C'est le bordel, hein, les copains, je suis désolé. Hein. Eh ouais, c'est n'importe quoi. Ouais. Vas-y, parle. La dernière fois, au moins, c'était arrivé au bout d'une heure. Là, c'est arrivé. Oui, ça arrive tout de suite. Ouais. On va perdre tous les gens tout de suite maintenant. Au moins, c'est réglé. Alors, attends, comment ça se fait? Laissez-moi réfléchir un instant. Bien, datatata. Ok. Bah, c'est mon OBS, tu crois? Non, c'est simplement. Non, il n'y a rien qui rentre dans ma table, en fait. Il n'y a rien qui rentre dans ma table. Alors, je meuble un écho par là. Alors, si je rentre, on est d'accord. Ça, c'est le main output qui va directement dans le input. Ok. Ça rentre. Là, je n'ai plus rien entendre. Parle, Sturi. Non, mais il y a... Tu ne rentres nulle part. Hein. Alors, attends, vas-y. Je vais peut-être activer l'audio du bureau. On va voir si c'est ça qui fait tout déconner. Hein, peut-être. Hein. Je vais être obligé. Hein. Parce que Norbert m'entend. Alors là, normalement, on t'entend. Mais ce qui est bizarre, c'est que je comprends pas comment ça marche. Vas-y, Sturi. Vas-y, ça va. Là, je bouge dans la petite barre OBS. Oui, tu bouges dans l'audio du bureau. Mais la dernière fois, j'ai tout mis sur Micox et ça fonctionnait. Bon, en tout cas, c'est réglé. Hein, pour le moment. C'est bizarre, mais toi, tu vas peut-être repasser en double de ce fait. Peut-être que les gens vont t'entendre en double de ce non, fait. Non, je pense pas. Parce que là, j'ai coupé la piste. J'ai coupé ma piste de, qui était censée vous être allouée. Ouais. Voilà. Donc, eh bien, j'accueille Sturi sur Feuillant Live, les boomers du catch. Salut, Sturi. Bonsoir à toutes et à tous. Là, cette fois-ci, c'est bon ? C'est bon. On va s'en tirer une ou deux. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, comment ça va, les amis ? Bon, apparemment, là, ça va. Là, vous m'entendez ? On a lancé ce live depuis combien de temps, là, maintenant ? Ça fait 9 minutes. 9 minutes au lieu d'une heure. Hein, voilà. Voilà. Merci à tous pour votre patience. On est désolé, mais je ne rentre nulle part. Norbert Feuillant 2020. Oui, c'est. Ouais, non. Je vais dire titre de ma sextape, mais non, hein, pas tout à fait. Sturi, donc, tu as une revanche à prendre sur Rabi. J'avais fait une intro. Personne ne l'a entendu, quoi. Ah non, elle était impeccable. Elle était impeccable, cette intro. Hein oh. Voilà. Bon. Est-ce qu'on entend? Est-ce que le chat? Oui, le chat t'entend. Oui, le chat t'entend. Oui, le chat t'entend. Est-ce que vous allez me soutenir pour aller affronter Rabi? Est-ce que vous allez rester fort avec moi? C'est incompréhensible parce que j'avais le même setup que la semaine passée. Hein, donc je sais pas. C'est peut-être dans mes paramètres de Windows. Hein, je sais pas. Oui, mais on est des boomers, donc on comprend pas bien la technologie, les trucs. Alors imagine le jour où on va devoir faire apparaître nos gueules à l'écran.
Parce que moi, je vous vois, là, on se voit tous là sur Skype. Nous, on se voit, on se voit sur Skype. Mais alors, si on doit apprendre en plus de ça, Norbert à faire une capture écran Skype et à la remettre sur le truc les boomers, ça va être compliqué. Oui, ça va être très compliqué. Ça va être compliqué. C'est moi l'ultimate boomer, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, il est boomer et demi, c'est l'heure de présenter le grand vainqueur de la semaine passée. Je rappelle que c'est le vainqueur. C'est @Sturikane pour suivre Sturi sur les internets, sur le Twitter. En ce qui me concerne, c'est @NorbertFeuillant. Je suis également sur Insta, Sturi aussi est sur Insta et sur Facebook. On accueille Rabbi Mentor, @RabbiMentor, vainqueur 7 à 6 de notre grande soirée la semaine passée. Salut mon Rabbi. Salut les gars, salut les filles, salut à tous. Bonsoir Norbert, bonsoir Sturi. Le grand vainqueur est là. Oui, si, le grand vainqueur. N'exagérons rien, mais soyons tout de même lucides. Le grand vainqueur. On nous dit, on n'entend pas Rabbi, on nous dit. Ah bah merde. Alors pourtant c'est bizarre parce que toi tu rentres carrément dans le truc là, c'est bon. Hein. Vas-y Rabbi, parle. Moi je rentre partout. Non, c'est pas normal qu'on t'entende pas. Moi je t'entends, dans OBS tu fais du truc et tout, non c'est bon normalement. Ils font des blagues là. Ils font des blagues. Ah, on m'entend ou pas? Parce que moi, je parle pas pour rien. Non, si, on t'entend, c'est des blagues, c'est du troll. Là, il n'y a aucun moyen qu'on t'entende pas. Ouais. Là, c'est du troll. Ah oui, absolument. Je ne supporte pas le troll. Ah oui? Ça me fout en l'air le troll. Donc, à un moment donné, pas de troll. Hein. Donc, bonsoir à tous. Bah, écoutez, très content de vous retrouver encore une fois en ce dimanche soir, ce dimanche saint. Et peut-être sûrement encore une belle partie, en tous les cas, entre Sturi et moi. À voir, peu importe qui gagnera, sauf si c'est moi, bien évidemment. Vous êtes 600 avec nous, les amis. Merci beaucoup d'avoir supporté les problèmes techniques pendant 5 petites minutes. Tout roule, en tout cas, pour le moment. Rabbi, une remontada incroyable, la dernière fois. T'étais très mal parti, t'avais 2 points de retard la plupart du temps. Oui. Et puis, voilà, la magie a opéré, la Rabbi Evolution en force, 7 à 6, un Sturi en PLS qui avait quand même, comme on dit en anglais, coupé des promos à ton sujet pendant le cours de cette émission, et donc tu as bien pu lui coller bien profond en fin de soirée. Un sondage que j'ai lancé aujourd'hui sur Twitter, @NorbertFeuillant, un sondage qui ne prédit pas ta victoire, bien au contraire. C'était une grosse victoire de Sturi. Je suis en train de rechercher le sondage, je crois qu'on était à 65-35, les copains. Ouais, 65-35, j'ai essayé de le retrouver le sondage, je ne l'ai pas préparé devant mes yeux. D'ailleurs, ce sera Sturi qui sera avec nous aujourd'hui pour Twitter. Le hashtag, c'est Feuillant Live, les amis. 65% pour Sturi qui, selon nos followers, va gagner ce soir. 35% pour Rabbi Mentor. Alors Oui, bon, et alors, pardon, Norbert. Ah, oh. Attends, bon. Le vainqueur en prums, le grand vainqueur même. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'était quoi mon point? Oui, on sait très bien qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Norbert, Philippe, vous savez très bien que les sondages, ça vaut ce que ça vaut. À savoir, pas grand-chose. Bien évidemment, moi, je viens juste de passer l'an 2000 sur Twitter. Sturi Kane, mais dans le futur. Il est à l'an 9000 ou il est over 9000. C'est vrai. Donc grâce à vous, merci à tous. Déficit de couverture, déficit de... comment dirais-je, je couvre moins. Moi, je suis le réseau H+. Sur les portables. Oui. Sturi, c'est la 5G. Voilà. Bon, c'est normal. Mais si on parle là-dessus, Rabbi, c'est juste une question de popularité sur les réseaux sociaux. Rémi Gaillard aurait remporté la mairie de Montpellier. Voilà. Hein ? On est d'accord ? Il a fait 9%. Malheureux. Je sais pas du tout ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous racontez, les copains ? Ça fait aucun sens. Rémi Gaillard, il a plein de followers sur les réseaux sociaux. Il s'était présenté à la mairie de Montpellier, et il a fait 9%. Eh ben dis donc. Si c'était la popularité, il aurait gagné la mairie de Montpellier. Donc là, il dit, j'ai 9000 followers, donc c'est pour ça que les gens votent pour moi. C'était faux. Raisonnement par l'absurde, je t'en fous. Attention, Rabib regarde comme le professeur Raoult, là. Il a mis la moustache et tout, il va... Hey, on va se calmer.
Attention, hein, là, la mâchoire, hop, clac, bam, bam de nouveau. Petite pause de 2 secondes, j'essaie un nouveau setup pour le son, les amis, juste un truc. Non, juste un truc. Attends 2 secondes, garde en tête, Ravi, ce que tu allais dire. Ok, 1, 2, très bien, parfait, allez-y, continuez les copains. Ravi, tu avais un truc à dire. Mais j'ai oublié, ah oui, Rémi Gaillard, voilà, excusez-moi, c'est alors, mon PC, à chaque fois, ça fait 2 dimanches qu'on fait ça, ça fait 2 dimanches qu'il me dit, il faut redémarrer. Donc là, j'ai dit non, je veux pas redémarrer et il m'a coupé Skype. Voilà. Bon, bah, très bien. Ok. On voit tout de suite un petit peu déjà comment on veut. Encore une fois. Et alors Rémi Gaillard à la mairie de Montpellier, c'est ça? Il voulait. C'est ça, ouais. Oui, ben mon cul. Voilà, ça a rien à voir. Comparez ce qui est comparable, Philippe, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous mettez en position Rocky en caméra parce que les gens ne vous voient pas, mais là vous êtes en mode Rocky. Me cherche pas, parce que sinon, moi, je vais chercher quelque chose aussi. Il n'y a que toi qui vas me voir et Norbert aussi. Et tu vas... Bon, très bien, je vais la chercher. Tiens, les j'ai gens changé la caméra. Sturi, j'ai changé le setup. Donc là, je suis revenu au setup que je voulais. Donc, c'est cool. Vous êtes tous pour te dire sur le Mic Aux, mais ça me permet de régler votre volume indépendamment, plus facilement, avec ma table de mixage. Tout le monde est sur la table de mixage maintenant. Si vous trouvez que c'est trop faible pour Sturi et Rabi, indépendamment, hein, parce que Sturi et Rabi sont sur la même piste, hein, je pourrais pas en mettre un plus fort que l'autre. Hein, voilà, les copains, vous me dites. Hein, sur bonjour. Le chat, Sturi, tu as quelque chose à dire? Non, je voulais savoir qui est le plus fort entre moi et Rabi. Pour tes réglages son, pour les derniers. Qui est le plus fort en termes de voix? C'est ouais. Toi qui parles un peu plus fort que Rabi. Je parle un peu plus fort? Non, oui, tu sors un peu plus fort, ouais. Alors, je vais descendre, je vais descendre un peu. Je vais descendre parce que j'aimerais pas me mettre à un niveau supérieur aussi. Hein. Oui, il y a un bruit de fond là, mais on n'est pas, ça va. Hein, c'est du home material. Hein, ça c'est, va, c'est, voilà, c'est ça va les boomers? Là, c'est mieux? Oui, là, c'est mieux? Oui, c'est pas mal. Rabi, cette casquette Carrefour. Ah, ben oui. Parce que, alors, Carrefour délicieuse. Alors attends, je vais raconter ma vie quand même viteuf. C'est parce que généralement, quand je gagne au jeu, hein, que ce soit au Lanipofo, au Rabi Vintage ou quoi, j'ai le Rabi une sorte de... Hein, j'ai dit Rabi. Oui, évidemment, tu gagnes au Rabi Vintage. Oui, c'est moi qui pose la question. Qui est le meilleur catcheur du monde, Charles Michaels. Oui, bravo Rabi. Formidable, donc, super bonne réponse. Logiquement, j'ai un pyjama porte-bonheur. Et là, il est au sale. Donc, j'ai choisi de mettre, d'avoir un nouveau porte-bonheur, à savoir une casquette champion. Je la prends en photo, je vais la mettre sur Twitter, @NorbertFeuillant, vas-y. S'il te plaît, voilà. Alors, attends, hop. Que t'es beau, t'es superbe. Voilà, merci. Donc, j'ai ma casquette Carrefour, et là, je veux dire à un moment donné que si on n'est pas Rabi sous le Babi, ou Fanny sous le Rabi, voilà, comme vous voulez. Voilà. Je tiens à dire quand même que le Gouin Maillot, donc ce bon vieux Flo, a parié son PEL sur toi, Philippe. On t'entend plus. Il sent BALEK, hein, complètement. Moi, le PEL, moi, le PEL, oui, tout à fait. Voilà. Et moi, il y a Audiovisuel quand même qui a parié sa femme et son futur enfant sur moi. Hein. Donc, ça met quand même beaucoup de responsabilités sur nous hein, ce soir. Voilà. Mais on ne sait pas ce qu'il y a sur le PEL de Flo. Et on ne sait pas non plus ce qu'il y a sur la femme de Audiovisuel. Voilà. Non, mais. Très bien. Donc, allez. On ne sait pas ce que ça vaut réellement. Oui, mais ça fout quand même la pression. Ça met une pression, c'est sûr. Mais en même temps, si on ne s'affrontait pas sans pression, puisque là, on est obligé de boire la canette. On peut pas avoir la pression, hein, voilà. Donc c'est très bien. Je suis le seul qui est alcool free ce soir, moi. Eh bien oui. Moi je bois une Skol Iceberry. Moi, c'est dégueulasse. Moi c'est une Heineken, hein, parce que bon, parce qu'on est pauvre. Voilà. C'est exactement ça. Bien. La Corona, je l'ai acheté, mais c'est vraiment pas bon du tout. Sturi. Non, c'est dégueulasse. On a bien sûr un quatrième invité, hein, mais Rabi m'a dit tout à l'heure qu'il n'était pas dispo immédiatement. On l'aura plus tard dans l'émission. Il squatte toujours chez toi, Rabi? Toujours. Ok, donc insupportable. On l'aura un petit peu plus tard, mais on va commencer tout de suite par l'Anipofo. Sturi, c'est à toi. Non, mais il faut que tu fasses le truc. Hein. Tu sais, Ah oui, pardon, excusez-moi.
Ladies and gentlemen, it's time for the first Lanny Poffo of the evening. Tonight, waiting in his corner, it's Rappy Montor, is the winner of the last challenge. And his challenger is nul autre que Sturi, the Sturricane, qui est prêt à tuer des mères, bien entendu, et à remporter cette victoire du Lanny Poffo. Norbert Feuillon, le présentateur, les règles s'affichent sur l'écran. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, moi je suis prêt. Ben moi aussi. Eh bien, très bien. Allons-y. Here we go. Le on a plus, là, on a plus Norbert. C'est normal, c'est normal. J'ai mis la musique. D'accord. D'accord. Là, tu m'entends voilà. Quand même, Sturi. Là, ça y est, t'as mis ta musique et on t'entend plus à nouveau. Les questions interdites. Ils comprendront après que je parle seulement des règles du Lanny Poffo. C'est le petit générique qui fait peur. Les questions interdites. On n'a pas le droit de demander s'il est membre du Hall of Fame. On n'a pas le droit de demander s'il est vivant ou décédé. On n'a pas le droit de demander sa couleur de peau, son appartenance ethnique, sa présence dans un pay-per-view spécifique, le nom d'un clan ou d'une faction spécifique, le nom du championnat à remporter. Et je rappelle que dans l'histoire de WWE et WCW, le titre Hartmore n'existe pas. On n'a pas le droit de demander le motif de la fin de carrière. On n'a pas le droit de te proposer plus de 3 réponses fausses. Les règles sont annoncées, mesdames, messieurs et tout ce qu'il y a entre les deux. Sturi, en tant que grand perdant de la semaine dernière, tu n'as pas le droit de prendre ou de laisser la main. C'est Rabi qui va choisir. Rabi, tu prends ou tu laisses la main? Je laisse la main. Oh, pour c'est le... rare. Est-ce que c'est pas la première fois qu'il me laisse la main depuis qu'on s'affronte dans plein de trucs? Faux. Tu m'as déjà laissé la main? Oui. Une fois peut-être. Bah, ouais, je sais pas, je m'en rappelle pas, mais c'est déjà arrivé, bien sûr que si. Une fois en combien d'années? Bon, et ça commence direct. Il n'y a même pas eu encore un truc. J'ai une très bonne question de Edukua Clem qui dit quid du titre 24-7. J'aimerais qu'on l'ajoute avec la validation de Rabbi Mentor, bien sûr. La règle, le titre hardcore n'existe pas. J'aimerais que la règle officielle soit le titre hardcore WWF, le titre hardcore WCW et le championnat 24-7 n'existe pas. Le titre hardcore WCW, il n'a pas un palmarès non plus exceptionnel. Bah, de toute façon, c'est Norman Smiley ou Ming. Norman Smiley, Ming, Brian Knobs. Finlay, Brian Knobs. Ouais. Ouais, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Hein. Jimmy Hart, il avait pas eu. Hardcore Hack. Ah oui, putain, Sandman, oui. Sandman, bien sûr. Le Sandman qu'il avait eu aussi. Bam, il y a eu Story Patch là, dans la décharge à bagnole, là. Oui, putain, qui était bien. Bachat de Beach 99, superbe. Bachat de Beach 99, le fameux. Quoi. Ça, faut qu'on en parle de ça, hein, parce que tu m'avais dit que c'était compliqué hein, pour les strikes, même sur Twitch, Sturi. J'aimerais bien qu'on se fasse une journée Bachat de Beach 99, une après-midi où on le regarde tous ensemble avec les copains sur un chat, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. À la limite, on le diffuse pas, on leur donne un clap, tu vois, un top. Toi, on le regarde sur le network, on leur donne un top, ils regardent en même temps que nous, on fait pas pause, quoi, tu vois. Ouais, mais il y a moyen de faire quelque chose. Ouais, on s'invitera sur Skype et on le regardera ensemble. Bien, Rabi, tu allais laisser la main à Sturi. Sturi, tu peux poser la première question. Je rappelle que le jeu a commencé, c'est le premier point de la soirée qui est en jeu. Rabi. Norbert, j'ai changé d'avis, je garde la main. Oh, le mec. Donc, est-il actif? Non. La même question, est-ce qu'il est passé par le ECW original? Non. Bon, voilà. Tout ça pour ça, hein. Ça aurait été exactement la même chose dans l'autre. WWF. Non. Ah bah, je suis foutu. Eh, ça va. WWE. Oui. Voilà. T'es pas foutu. Ah, bon, ça va alors. Ça, les gens de moins de 30 ans pourront jouer. Sur le chat. Oui, mais bon, oui, c'est vrai, t'as raison. WCW. Non, monsieur Mentor. Très bien. Bon, ma casquette me pique. TNA ? Non, pas de TNA. Je vais vérifier. J'ai un doute, mais ça m'étonnerait. Je vais regarder. Non, pas de TNA. Pas de TNA. Très bien. J'arrive chez WWE en 2004. Non.
J'arrive chez WWE après 2010. Non, monsieur. Très bien. Je sors de Tough Enough. Pas que je sache. Non, non, non. J'ai catché en équipe. Oui, monsieur, de Tipsterie. Très bien. Alors attends, parce que j'ai pas entendu la question de Sturi qui était 2010. En... Non, non, c'est l'avant. J'ai catché après 2010, il m'a dit non. Non, non, pas... t'as dit je suis arrivé chez WWE après 2010, j'ai dit non. Fallait pas me corriger, Norbert, je voulais l'embrouiller. Non, mais et je suis arbitre, hein, je suis impartial. Hein. Alors ça, c'est ça, très bien. On la joue à la tolarde, très bien. Alors, maintenant, très bien. J'arrive en équipe. N'est-ce pas? On est d'accord? Oui, Rabi. Ouais, bon. Voilà, okay. C'est une question. Sturi. Je ne suis pas états-unien. Je ne suis pas états-unien. Si, tu es états-unien. Je suis états-unien. Mais pas que. Enculé. Ah, le respect que je vous dois. Ah. À une époque, avec mon thème respect, a été plus dois. Over que moi. Le thème a toujours été très over, plus over que toi. Je pense que c'est exagéré. Il est peut-être, mais c'est pas. On retient pas ça, quoi. Non, non, d'accord. Okay. Il a des, là, il est sur déjà des pistes, Rabi. Que j'étais champion à la WWE. Oui. Alors. Est-ce que... Restez poli. Je vous en prie. Parle-je français? Non, pas que je sache. Très bien. Alors, petit point, Becherel. Parlais-je français? Parlais-je avec un E accent aigu. Quand c'est un verbe du premier groupe et qu'on veut dire ça, on met un E accent aigu. Chantais-je? Est-ce que je suis en train de chanter? Parlais-je? Suis-je en train de parler? Merci, de rien. À deux. Ben non, on vient de commencer. Ah oui. Ah. Ah. 786 personnes en live avec nous pour ce premier point des Boomers du Catch 2e édition. Le champion défendant Rabi vient de poser une question. Sturi. Ring of Honor. Non, monsieur. Non, monsieur. Oh. Ah oui. Très bien. Alors là. Alors très bien. Et est-ce que je suis une femme? Non, Rabi, très bonne question. Est-ce que je suis un catcheur de seconde génération? Oui. Je la tente. Vas-y. Tous. Pardon? De Juice et Domino? Non. Une proposition pour Sturi. T'en reste oui. Deux. Bien, ouais. Est-ce que je débarque à Ra? Oui. Est-ce que j'ai affronté John Cena en 1 contre 1 à la télévision? J'en sais foutre rien, mais ça m'étonnerait très fort. D'accord, ok, merci beaucoup. Alors. Ah! Ah oui. Est-ce que... Attends. Alors. Mais ce qui me... Non. Bon. Ah, parce que t'as mis du temps à répondre à ce que je suis de la deuxième génération. Donc, ça m'enlève en fait mon truc de... Ouais, parce qu'il n'aurait pas hésité. Il y a plein de mecs sur lesquels il aurait... Non, ça. J'ai hésité peut-être pas dans le sens que vous imaginez. Ouais, ah, t'as peut-être réfléchi à troisième, ok. Ah, je t'ai aidé, Rabi. C'est Rabi. Non mais, et à quelle heure
tu crois que j'avais pas deviné. Apparemment à 20h36. Bien. Eh ben voilà. Ah, très bien. C'est, merci. Toi, t'es factuel. Toi, ce que j'aime chez toi, Norbert, c'est ton côté factuel. Bah, je suis un bon arbitre. Voilà. Hein. Je suis un arbitre. Hein. Alors, très bien. C'est excellent. Alors, j'ai toujours pas posé ma question. Toujours pas, non. Donc, est-ce que est-ce que mon père a putain, attends. Parce que j'ai une idée, mais j'ai pas envie de poser une question de sac. Est-ce que j'ai eu une feud avec DX? Ah non, bah je sais pas. Non, t'en as pas eu. Non, pardon, autant pour moi, non. Pas du tout. Ok, très bien. Au moins, il y a deux catcheurs éliminés. Au moins. Alors. parce que la réflexion était assez intéressante et que je vais me porter sur un autre choix. Oui. Bien symbolique. Deuxième proposition. Non, mais là, je vais déjà essayer de faire une petite pichenette. Est-ce que j'ai catché pour la MLW? Non. Ok. Je rappelle qu'on a dit qu'il était plus actif, le Gonzin. C'est vrai. Bah oui. Bien vu. Mais oui. Et c'est ça tout le problème. C'est ça qui me, qui me trouble. Comprenez? Je suis arrivé en équipe. Mais attention, Sturi, tu as ouvert un truc. Mais est-ce que Rabi connaît bien MLW? Ah, ça, c'est... Non. Alors je réponds tout de suite. Je coupe court au suspense qui n'existait déjà pas. Non, je ne connais pas. Putain, alors attends. J'arrive entre 2006 et 2010 alors. Oui. Non. Tu n'arrives pas entre 2006 et 2010, non. Ah oh, putain, casse les couilles lui. Ça veut dire qu'il arrive avant, hein, obligatoirement. Effectivement. Là, il faut vraiment bien étudier la géographie, là. Ok. Qu'il arrivait à... Pardon ? Il a dit qu'il arrivait à Raw. Oui. Et ? Je l'avais déjà dit, tu peux poser une autre question. Hein. Déjà dit, hein, c'était juste pour vérifier. Il arrive à Raw. Ok, il a peut-être pas la nationalité, ok. Ah, eh bien, il a la nationalité américaine, mais je dis pas que. Américaine, mais peut-être pas que. Est-ce qu'il a été lié de près ou de loin à NXT? Aucunement. Zer. R. Zer. Cud. J'arrive avant 2004 alors. Oui, monsieur Mentor. Sturi. Putain. Je pense qu'il a fait WWF, mais il était en développement. Est-ce que c'est une question? Non, c'est je pense. C'est pas une question. J'ai été actif dans. Enfin, j'ai été retenu pour mon travail dans deux équipes différentes. Oui, Sturi. Ok, c'est Rosie. C'est Rosie. Une belle victoire de Sturi qui marque le premier point de la soirée sur le visuel. C'est le monsieur à gauche, Rosie, de 3-Minute Warning, en équipe avec Jamal, à savoir Umaga. Les copains des deux catcheurs nous ont quittés, ne sont plus avec nous sur la planète Terre, du moins corporellement parlant. C'est un point pour Sturi qui ouvre le score. Je me souviens plus qui a ouvert le score la semaine passée. Comment te sens-tu, Rabi, après avoir laissé filer un point qui pourtant est largement dans tes cordes? C'est ta période, ça, 2002-2003. Ouais, mais en fait, j'ai pensé à ça il y a 10 minutes. Hein. Mmh. Mais c'est le deuxième génération, je sais jamais. Et puis après, je me suis dit, bon, si ça se trouve, je connais pas le... Je sais pas, moi, Jamal... Enfin, Rosie, pardon, d'où... C'est le fils de qui? Alors, je sais pas, c'est l'oncle d'Afa, ça c'est sûr. Je sais pas le fils de qui il est. C'est le frère de Roman Reigns. Hein. C'est le frère de Reigns. Donc, c'est oui, le. Voilà. Ouais, c'est, je sais, là, je vois, dans ma mémoire en tout cas, c'est noté que quelque part qu'il est l'oncle, le neveu, pardon, de Afa. Je sais pas si son père était connu, mais bon. Le daron est caché aussi. Voilà, donc j'ai dit oui, parce que là-dedans, de toute façon, on sait jamais trop comment ça se passe hein, chez les Samoans. Oui. Samoans et américains pour notre ami Rosie. Et donc une victoire de Sturi pour ce premier point. 1-0, mais on l'a vu la semaine passée, rien n'est joué, rien n'est fait.
Rabbi. Mais je vais me permettre quand même de dire à Rabbi que j'ai pris l'avantage dans cette soirée et que tu vas passer toute une soirée à essayer de me rattraper. À propos... Ah là là. À propos de Lani, du Lani Pofo, un gros bisou à Firzel qui s'est proposé en MP sur Insta, Norbert Feuillant, pour organiser un grand tournoi de Lani Pofo avec vous tous. Il pensait à 32 catcheurs et peut-être 64 si jamais, pardon, pas catcheurs, participants, voire 64 je crois si c'est la folie furieuse. Sturi, Rabi et moi avons validé l'idée. Firzel, je reviendrai vers toi demain ou mardi pour qu'on mette ça au point. Mon idée était que Firzel fasse son petit tournoi dans son coin et que le Final Four, les 4 derniers, nous retrouvent pour une édition spéciale de Feuille en Live, les boomers du catch, afin de couronner un vainqueur. Et ce vainqueur affrontera Sturi et Rabi à l'antenne. On a peut-être d'autres détails à vous donner sur des enjeux éventuels à la victoire, en plus de la gloire. Ça, on y reviendra quand on aura pris une décision pour sûre avec Sturi et Rabi. Merci à Firzel. Ça arrive très bientôt. Un grand tournoi pour toute la communauté, c'est ça le catch, des de la Nipofo. Sturi, tu voulais peut-être prendre la parole, oui. Oui, merci. À Firzel Live. Last, non, c'est prendre... Last. Firzel Last. Ah, pardon ? C'est Firzel Last ou Live, je sais plus. Bon, Firzel. Live, je crois que c'est Firzel Live. Ouais, ouais. Live ? Mm-hmm. Ouais, je crois que c'est Live. Mm-hmm. Bah, merci à lui. Mm-hmm. Merci d'organiser ça. Je sais que ça en parle déjà sur le Discord de la chaîne CSL Catch. C'est pour ça que là, je viens de rouvrir les vannes pour 100 invitations supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à essayer d'y aller parce que je pense que tout va s'organiser là-bas. En tout cas. Ou là où tout est neuf et tout est sauvage, hein, bien sûr, hein, Sturi. Hein. Bien entendu. Mm. Et on se tiendra informé, bien entendu, parce que la semaine prochaine, je pense qu'on ne fera pas de Feuille en Live, puisque ça sera la grande soirée de WrestleMania. Oui. Donc, Et je pense que j'en serai pas. D'accord. Et on tentera de faire tout ça pour le dimanche suivant. Enfin, en tout cas, de faire avancer tout ça, parce que je pense qu'on est parti pour. S'amuser encore en confinement pour les quelques semaines à venir. Après, on peut faire un Feuille en Live samedi ou un truc comme ça avant le avant voilà. Il y a WrestleMania aussi samedi. Ils sont chiants, ils font les deux jours. Oui, bon, ou vendredi, on peut faire un boomer du catch quand même la semaine prochaine. On verra, on décalera la date. Suivez-nous bien sur les réseaux sociaux, on vous tiendra au jus. Bien, on va parler d'un petit peu d'actu. On va faire un vrai ou faux. La vache, un AVC, les gars. Je vais lancer une affirmation. Sturi et Rabi à tour de rôle me diront vrai ou faux sans développer. Les copains sur le chat, faites de même. Après, les deux, Sturi et Rabi, développeront. S'ils sont pas d'accord, vous nous direz qui gagne le débat dans le chat. Première affirmation. Je sais que Sturi a beaucoup de choses à dire là-dessus. T'en as parlé dans une vidéo cette semaine sur la chaîne. Donc, je vais te laisser dire vrai ou faux en premier. Il y a des matchs qui vous hype à WrestleMania 36. Sturi, vrai ou faux? Les copains, répondez aussi. Vrai! Rabi, il y a des matchs qui vous hype à WrestleMania, vrai ou faux? Attends, je vois s'il y en a plus de 1. Ah, parce qu'il y a dit D. Ouais. Bon, on va dire oui. Très bien, donc Rabi, je vais te laisser développer en premier. Il y a des matchs qui te hype à WrestleMania cette année. Oui, alors, si on prend vraiment juste... Dans le sens de l'oubli, vu que c'est là, on est plus ou moins hypé. Moi, j'aurais été plus hypé que ça n'y soit pas, à WrestleMania, on est bien d'accord. Mais vu que c'est là, bon, autant profiter du truc, voilà. Oui. Enfin, là, tout de suite, j'ai que Daniel Bryan, Sami Zayn, vraiment, qui me... Alors, je suis aussi hypé que déçu. Hein ? Parce que... Enfin, si tu veux, l'affiche me hype, mais je me dis que quand je vais voir le match, je vais me dire, mais quel dommage que c'est pas été gardé pour juin ou juillet ou peu importe, quand ils auraient pu faire ça devant des gens, quoi. Bien sûr, bien sûr. Faire un dream match, parce que honnêtement, c'est un dream match. C'est peut-être pas un dream match dans le sens de The Rock John Cena ou ce que tu veux, mais Daniel Bryan, Sami Zayn,
à WrestleMania pour le titre intercontinental, qui historiquement est quand même le titre des catcheurs qui savent bosser, quoi, des work horses, comme on dit, hein, dans les années 80-90. Je me demande, Ravi, si on n'est pas complètement dans, nous, le fantasme qu'on a du titre intercontinental qui nous vient des années 90, tu sais, où c'était Santana, Perfect, Brett, en gros les trois, Michaels un tout petit peu plus tard. Là, on retombe complètement dans ce truc-là, hein, dans ce côté où c'est le championnat des workers, hein, avec Zayn et Bryan en tout cas. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, hein, de façon aussi flagrante. On a quand même deux des cinq meilleurs workers de WWE quand même dans ce match. Clairement. Clairement. Là, on retombe vraiment dans le truc. Avant, faut voir que le catcheur qui était avant, c'était Nakamura. Bon, bien sûr. C'était Strowman, mais il y a eu Nakamura. Bon, Strowman, ça vaut ce que ça vaut. Franchement, il y a eu pire, hein, que Strowman, mais c'est pas un workhorse, un mec qui peut avoir des bons matchs avec tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, le Zayn Bryan, bon, Même avant Nakamura, c'est Baylor. Hein. C'est Finn Balor, oui. Baylor qui fait la jonction avec Lashley, Ambrose qui l'avait un petit peu avant ça, et qui faisait la jonction aussi avec Rollins. Sans déconner, c'était loin d'être déconnant. Hein, c'était un petit peu le championnat. Ça reste le championnat qu'on voit, nous, qu'on entrevoit comme le championnat du World Crate. Je suis d'accord avec toi. C'est juste que WWE s'en fout et le met au second plan, au troisième, au quatrième. Et ben, c'est exactement ça tout le problème. C'est qu'en fait, là, tu mets le titre intercontinental, ou pas, c'est la même chose. Honnêtement, c'est juste que nous, ça nous fait fantasmer parce qu'on est justement des boomers et qu'on a connu l'ère où le titre intercontinental voulait dire quelque chose. Mais après, cela dit, sinon, dans la carte en soi, il y a des matchs qui sont plutôt pas mal sur le papelard, mais Bryan Zayn, voilà, c'est le top du top pour moi. Après, le reste, à voir. Moi, je suis pour qu'on balance aucun spoiler, par contre, parce que je suis pas au courant du remplacement, par exemple, de Roman Reigns. Je sais qu'on en parlera peut-être. Enfin, je sais pas si on en parlera après ou pas de cette histoire-là. Mais je sais pas et je veux pas savoir. Mais c'est vrai que le reste de la carte, bon, est pas mal, mais se dire que ça va être fait devant trois caméras, bon. Sturi, les matchs qui tu as par WrestleMania, tu as dit vrai. Il y a des matchs, ouais, j'ai dit vrai. Par exemple, je pense que dans le cadre exceptionnel qu'on a actuellement, John Cena contre le Fiend, je suis très... Est-ce que c'est de l'hype ou est-ce que c'est vraiment de la très grosse curiosité? Mais je me dis que oui, ça aurait été avec du public, etc. Ils auraient tenté de faire des choses kitschouilles, que ça serait un petit peu mal passé comme le PowerPoint il y a deux ans. Ah la vache, quel enfer! Tandis que là, apparemment, ça va être le grand cinéma. Ça va être ce sur quoi TNA a surfé pendant ces dernières années. Même après le départ de Matt Hardy, ils ont continué de faire ce genre de délire-là, très cinématographique, avec notamment Scott Steiner. Là-dessus, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'un petit peu chouette, un peu culte, et qui va être, en plus de ça, voilà... mis encore plus en lumière avec l'onde de WrestleMania. Donc pour moi, le film contre John Cena, il y a vraiment moyen d'avoir un truc un petit peu bien perché et dans le bon sens du terme, si bien entendu Vince McMahon n'est pas le seul à rire, hein, voilà, du résultat final. Il y a plusieurs personnes sur le chat story qui nous parlent bien sûr de Edge Orton. Moi, ce qui me fait peur, la storyline est du matériel pour WrestleMania comme pas permis. C'est génial. Les promos sont super. Le fond est super. Tout est génial. Orton Wyatt aussi, hein, la storyline était géniale. Hein, souvenez-vous. Là, on va quand même assister pour le match à une hit de Randy Orton sans public. J'ai un peu peur. Non, et puis honnêtement, un last man standing match sans public aussi, ça veut dire qu'il va y avoir des putains de pauses. Quand l'arbitre va compter jusqu'à 8-9, qu'il va y avoir des faux finishes et des trucs comme ça. Sans l'ambiance de la foule, juste entendre l'arbitre qui va compter jusqu'à 8 dans un silence de cathédrale. Et franchement, Edge Orton, c'est le massacre de l'année. Tu vois, autant Zayn Bryan, c'est juste le match parce qu'il n'y a aucun build-up, il n'y a rien, mais c'est juste l'affiche qui est plutôt cool. Edge Orton, c'est terrible. Moi, je suis Edge, franchement.
je me dis, non mais... putain, j'ai bien choisi mon année de retour, quoi. J'ai un programme qui tient la route, comme il n'y en a pas eu depuis je ne sais pas combien de temps chez WWE, où tout le monde a investi, où critiques et fans à l'unanimité disent que c'est top, et les gonzes, ils vont nous faire un last man standing devant personne, quoi. C'est triste. Dans la grosse hype, même si là on peut être déçu qu'il n'y ait pas de public, là encore, mais comme pour tout le monde, hein, c'est un peu trivial ce que je dis. Lesnar et McIntyre, je pense, vont bien s'en sortir de la situation sans public. Parce qu'on se doute que ça ne va pas être un match qui va dépasser les 6-7 minutes. C'est ça, ouais. Ça va être un format qui va être, je pense, suffisamment digeste avec... De toute façon, dès que Lesnar est là, moi je suis un peu happé, hein, je me dis... ma curiosité est piquée comme pas possible dès que ce mec est en action, que ça fasse des matchs d'accord. De 1 minute... ou 8-9 minutes, qu'il y ait du public ou qu'il n'y ait pas de public, peu importe. Là-dessus, moi, je reste quand même méga hypé. Alors voilà, on l'a dit la semaine dernière et je le répète à chaque fois, McIntyre, qui va probablement avoir son grand moment devant personne, ça fait mal, ça fait très mal. Ça fait très mal, mais ça me hype quand même malgré tout. Ça fait partie de ces matchs qui me hype. Et pour la division féminine, vu que j'ai vu que le chat parlait également de la division féminine, Charlotte va replay, même si j'ai peur que la disposition... de huis clos jouent pas du tout en leur faveur et notamment pas du tout en celle de Rhea Ripley. T'imagines un match de Charlotte Flair, on va pas entendre la foule faire wouh, c'est chaud quoi. Et puis tous les catcheurs sont pas aussi superbement adaptés à jouer sans le public. Là on l'a bien vu avec le New Day, les Usos qui se sont affrontés à SmackDown. Eux, ils ont pas fait du catch pour des gens pour un non public. Bryan et toute la clique à Zayn, etc. Eux, ça allait mieux, tu vois. Je trouvais qu'ils avaient trouvé une petite routine intéressante. Asuka, elle sait se rendre intéressante. Mais il y a d'excellents catcheurs qui ont pas ce capital divertissement quand ils sont face à une foule à huis clos. Et là, on va en découvrir toute une tonne pour WrestleMania. NXT, pour moi, par exemple, s'est planté mercredi. Je vais rester là-dessus. Il y a beaucoup de bons catchs, de très bons catchs. Il n'a pas plu parce que voilà, l'ambiance NXT qui disparaît. Même Matt Riddle. Moi, j'ai aimé, Riddle et Strong, moi. Ah, j'ai trouvé ça fade, malheureusement. Et peut-être pas là, qu'il était au sein d'un show où il y a déjà eu beaucoup de choses que j'avais trouvées fades. Donc, j'ai pas réussi suffisamment à me mettre dedans. J'ai beaucoup aimé Austin Theory et Tyler Breeze. Du coup, si t'as vu NXT, où j'ai trouvé que là, on mettait l'accent sur beaucoup de storytelling avec des catcheurs qui étaient très présents vocalement, qui se rendaient l'appareil, qui se répondaient les uns les autres. Moi, c'est un peu ce genre de catch-là que j'attends pour un WrestleMania où il n'y a pas de public. Non, mais après, c'est assez personnel. Moi, Austin Theory, ça me laisse de marbre, terriblement. Terriblement, et je regardais NXT quand il y a Roderick Strong, en gros. Quoi. Voilà, moi, je suis toujours un énorme fan depuis Generation Next, et dès qu'il y a Roderick Strong, j'essaye de checker ça. Après, c'est très personnel, hein. Je ne parlerai pas d'NXT parce que je ne regarde pas assez ces derniers temps. Rabin, est-ce que tu as autre chose à ajouter avant de passer au hashtag Feuillant Live avec Philippe de Marcignac? Bah ouais, après je sais pas si t'avais une question ou pas sur le fait que ce soit invraisemblable que WrestleMania se tienne. Non, parce que oui, on peut en parler, mais Sturi, on a tellement beaucoup. Oui, on n'a pas eu ton avis là-dessus, Rabi. Vas-y, en effet. Avant de passer à Sturi et le hashtag, dis-nous ce que tu en penses, Rabi. Mais moi je rejoins Sturi à 10 000%. C'est. Le mec, il vit quand même dans une dimension parallèle, quoi. Il se rend pas compte de ce que le monde entier, sans vouloir faire... mais c'est la vérité. Le monde entier vit un truc qu'on n'a jamais connu dans une époque contemporaine comme la nôtre. Quoi. Et le mec, il faut quand même qu'il enregistre WrestleMania. Quoi. T'as envie de lui dire, mais on s'en tape. Déjà d'une, ça risque d'être quand même un peu pourri parce que il a pas cette approche moderne que certains... certaines promotions pourraient avoir justement via les circonstances complètement exceptionnelles qui se passent, ça va être monstrueux. Regarde, rien que le fait qu'il ramène l'autre footballeur américain à la con, là, Rob le Gronk, ou je sais pas quoi, là, qui est insoutenable. Oui. Le mec sans public, il va faire quoi? Quand il est arrivé, là, qui dansait avec Mojo Rawley ou je sais pas quoi, là, non mais il n'y a personne. Il n'y a personne, les gars. Vous faites quoi? Quel est le problème? C'est fun. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il va faire, Vince McMahon? Il va mettre une piscine
pour pousser les gens dedans et faire « c'est le truc le plus drôle du monde ». Parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour Vince McMahon, c'est le truc le plus drôle du monde, c'est de pousser quelqu'un dans une piscine. Oui. C'est vrai, c'est pas une blague. Hein. Pour lui, c'est la définition même de l'humour, c'est le truc le plus hilarant de la planète. Un jour, Marc Mercier, je crois que c'est Marc, qui m'a poussé dans une piscine. C'est soit Marc, soit White Storm, soit Napoléon, je sais plus. Et j'avais, je crois, beaucoup de cash dans mes poches. C'était un grand moment. C'était très apprécié. Voilà. Bah ouais, mais bon, enfin, tout ça pour dire que, à un moment donné, et je pense qu'il va y avoir aussi un énorme backlash. Faut voir aussi plus loin que WrestleMania. Alors, backlash, pas pay-per-view. Hein. Va y avoir un retour de dans sa gueule à Vince McMahon, parce que je pense que les catcheurs, ils vont ça, ils sont en train de se dire non, mais sérieusement. Vraiment, ils s'en branlent tant que ça, quoi. C'est. Il faudra voir les gaziers qui étaient fidèles s'ils vont pas se dire à un moment donné, mais lui, il nous a mis quand même dans une situation supra périlleuse. Il y a déjà Rey Mysterio, Dana Brooke, Brian, il est en quarantaine aussi, non ? Alors, Brian, apparemment, parce que moi j'avais eu l'information que Brian, selon sa femme, a été placé également en quarantaine, c'est-à-dire que là, il n'est pas reparti voir sa femme depuis qu'il a catché récemment. Mais voilà, la grosse question, c'est est-ce qu'il a bien pris part à WrestleMania ? Parce que là-dessus, on n'a pas plus d'informations, donc Brie Bella ne s'était pas prononcé là-dessus. On sait juste que depuis le 26 au soir, Brian n'est pas reparti auprès de sa femme et de sa fille. Sa femme qui est enceinte, en plus de ça, que Brian est parti s'isoler en quarantaine. Donc, il a probablement pris part à WrestleMania. Et c'est peut-être par sécurité que Brian s'est mis de lui-même en quarantaine pour protéger sa famille, parce que voilà, il a navigué dans un univers où il y avait plein de catcheurs qui étaient potentiellement touchés ou qui étaient des porteurs passifs, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est le meilleur des réflexes à avoir si vous avez pris part au WrestleMania. Pour tous les catcheurs, protégez vos proches, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé là-dedans. On a su que le Miz a peut-être bossé malade, que Cesaro n'était pas des plus frais non plus. C'est complexe, très très compliqué. C'est incroyable. Et juste pour finir, parce qu'on pourrait tenir deux heures hein, là-dessus, tellement c'est incroyable. Il a fallu que ce soit Roman Reigns. Je suppose que tu en as parlé voilà, déjà longuement, Sturi. Hein, c'est pour ça que je vais faire. Déclenche des réactions. Mais il faut que ce soit Roman Reigns qui dise bah, finalement, peut-être que je vais rester chez moi. Quoi. Le mec, il est prêt à envoyer au front un mec qui s'est remis d'une leucémie il y a à peine un an. Quoi. Sa deuxième. Il fait ouais, c'est bon, non, mais hey, oh, quand même, tu vas affronter Goldberg. Tu te rends compte? Quand même, c'est un moment. Enfin, c'est pour ça que tu vois, si je prends un côté où j'enlève tout ça, bien évidemment que l'idée de voir Brian Zane, je suis content et tout, mais même sans l'idée de se dire ok, il n'y aura pas de public, ça va être horrible, rien que l'idée que ça se tienne, et que Vince McMahon, ok, il y a les actionnaires, ok, il y a ci, il y a ça. Mais à un moment donné, putain, elle est cotée à combien, WWE ? À 3 milliards, 4 milliards, ou je ne sais plus combien en bourse. Ils ont des contrats télé de bâtards, ils ont l'argent sale de l'Arabie Saoudite, c'est bon. Viens pas me dire qu'ils n'auraient pas pu le reporter pour la sécurité de tout le monde. Bref, c'est incroyable. Et c'est vrai que oui, ce sera à regarder. Je pense que ça va être un peu comme quand tu regardes un match de Chris Benoit. Entre guillemets, tu vois, peut-être que dans l'avenir, va y avoir des catcheurs qui vont tomber malades. Si ça se trouve, il y en a qui vont avoir, je sais pas, tu vois, des trucs graves. J'ai pas envie que ça arrive. Hein. Bien sûr que mais à regarder, ce sera bizarre. Ce sera très bizarre à regarder en se disant, putain, les mecs, quand même, ils se font du contact, ils se font des câlins, tout ça, alors que bon, et donc, ça reste très étrange, franchement. Et même pour AEW et tout le monde, hein, tout NXT et compagnie. Hein. Je trouve ça très étrange de continuer à faire des trucs comme ça. Sturi, une dernière chose. Ouais, je disais, une semaine, c'est méga loin. Hein. Là, on est dimanche, donc WrestleMania, là, c'est samedi, dimanche qui arrive. En une semaine, nous, on voit bien en France comment la situation évolue. On voit bien en Europe comment elle a évolué en très, très peu de temps. Là, les États-Unis, aujourd'hui, sont dans une situation où c'est encore plus. Ça commence à être très délicat pour eux aussi. Dans une semaine, en effet, il y a des choses qui peuvent évoluer. Et le fait que tous ces catcheurs. Et eu pas mal de contacts ensemble, on n'est pas à l'abri qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Après, voilà, comment l'information va être partagée ? Est-ce que des gens prendront la parole face à Vince McMahon en étant sous contrat, en oseront dire qu'ils ont bossé dans ces conditions sans véritablement l'apprécier ? Il y a beaucoup de
rumeurs qui sortent. Il y a une rumeur d'altercation entre Brock Lesnar et Vince McMahon, qui est un petit peu folle, qui est sortie sur pas mal de dirt sheets. C'est complexe. Je suis très curieux de savoir si WWE va nous sortir un épisode de 24/7. Non, pas 24. Si, ouais, 24, ouais. WWE 24 Network, sur les coulisses de WrestleMania, comme ils font chaque année. Avec une petite dose, toute petite, excusez-moi le terme, de négationnisme, pour dire on a tout fait pour mettre des sourires sur des visages et faire en sorte que ce WrestleMania soit le plus grand de tous les temps. Trop gros pour tenir sur une seule nuit. Voilà, on l'a fait et on en est tous très fiers. Donc voilà, il y aura quelques yes men qui vont être interviewés. Et je pense que la caméra se détournera un petit peu quand on verra Roman Reigns à l'écran ou Brock Lesnar ou d'autres mecs qui ont eu un petit peu de poigne pour exprimer leur mécontentement. Sturi, hashtag feuille en live pour enchaîner, s'il vous plaît, messieurs. Feuille en live, j'enchaîne. Les amis, merci à Norbert d'avoir partagé la magnifique casquette que abordait Rabi tout à l'heure depuis qu'il a perdu la première manche du Hippofo. Bien entendu, il l'a enlevée. Audiovisuel qui me dit, Sturi, tu te calmes tout de suite. Je m'excuse, mon cher odieux. Je m'excuse, mais je ne me calmerai pas puisque là, ça fait 1-0 et ça va s'enchaîner 2-0, 3-0, 4-0, 6-0. Et 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6, oui, 7-6. C'est marqué un peu. Hein. Voilà, donc 1-1. Et après, 2-1 pour Sturi, 3-1, 4-1. Pour ça en même temps. Dans notre pays. Galette Saucisse qui nous dit « Aujourd'hui, il y a pile 10 ans, c'était WrestleMania 26 et Shawn Michaels a affronté pour la deuxième année consécutive l'Undertaker pour ce qui sera son match d'adieu. » Une réaction, Rabi ? Chez. Quoi, chez. Une réaction, ben, je m'en rappelle très bien. On était à Mérignac, on l'a vu à Mérignac, il me semble. Ouais. Ouais. Et c'était la grande tristesse, mais en même temps, j'y croyais pas une demi-seconde, vu qu'on avait été très bien habitués par quand même plein de catcheurs à revenir de leur retraite. Et ma foi, eh bien, c'est le seul à n'être jamais revenu catcher. Si, il a catché à Riette là-bas, tu sais. Il me semble que c'était à Riette. Non, je sais pas de quoi tu parles. Riette, il a jamais recatché. C'est Riette de Tours. Avec une bête et beaux cheveux. Ah hein. Oh, putain. Et tu sais que je l'ai toujours pas vu, ce putain de match. Mais moi non plus, d'ailleurs. Je le regarde, j'aurai jamais. Il n'existe pas, t'inquiète pas, Rabi. Voilà. Oh là. Toto, sur le hashtag Feuillant Live, qui nous dit « J'aimerais une critique constructive de Fozzy par Norbert Feuillant, sans utiliser « c'est bien » et « c'est de la merde ». C'est de la merde, j'y arrive pas. Toi, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Eh, continuez à envoyer vos candidatures à AnamistRangelo, @Anamist, à propos de Frogzy. Hein, son projet continue, donc malgré le confinement, on peut envoyer à Alain des candidatures pour rejoindre son groupe de reprise en français de Fozzy, Frogzy. Et je sais qu'il prépare quelque chose d'un peu sérieux en vrai, sans blague. Et donc, n'hésitez pas à envoyer pour être chanteur, bassiste, guitariste ou batteur de Frogzy. Pour ceux qui suivent AEW sur Toonami, vous savez que malheureusement, j'ai pas tenu le deal d'AnamistRangelo et je ne peux pas chanter dans Frogzy. Je suis bien triste. Sturi, hashtag feuille en live. Hashtag feuille en live, toujours avec Konat qui nous dit Rhea Ripley pour moi va gagner face à Charlotte. Elle va donc peut-être obtenir la plus grande victoire de sa carrière sans public. Je trouve ça super triste. Ça reprend un petit peu tous ceux qui vont remporter des victoires devant un public vide. Ça fera un peu super triste pour tout le monde. Mais bon, ça met des sourires sur les visages. À un moment. Est-ce qu'il vaut mieux gagner devant personne ou perdre devant tout le monde ? J'ai pas entendu, Norbert, excuse-moi. Mieux vaut-il pas gagner devant personne ? Est-ce que c'est mieux de gagner devant personne ou de perdre devant tout le monde ? Je pense que c'est mieux de perdre devant tout le monde. Ah oui ? Dans le cas. Il sait bien, il y a bien que dans le catch, oui. Ça vaut la peine de perdre devant plein de gens. Et c'est peut-être là la force du catch et tout son intérêt, les amis. Merci, Norbert, en tout cas, de m'avoir tendu une perche pour cette ouverture philosophique. Que je trouve particulièrement pertinente. Le 29 mars 2020, à 21h05, souvenez-vous de cette phrase, il est plus important, c'est mieux de perdre. On peut pas tromper. Tout le monde que de gagner devant personne. Voilà, bravo. Ah, j'ai fait elle. Hein. Que dans le catch. Ouais. Que dans le catch. Très bien. C'est tout pour moi. C'était bien. Hein. Ok.
On va faire une première session invitational. Avant ça, je rappelle que pour AEW sur Toonami, il n'y a pas eu d'épisode la semaine passée. Les deux épisodes à huis clos qui viennent de se dérouler sont commentés par moi-même et Alain Mistrangelo. Mardi soir, 19h15, les deux épisodes d'affilée seront diffusés sur Toonami. Pour le replay YouTube, ce sera exceptionnellement. Donc, il n'y aura pas ce lundi, donc demain. Mais le premier épisode à huis clos sera sur YouTube lundi 6, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et le suivant, mardi 7, deux jours d'affilée sur la chaîne officielle Toonami sur YouTube. Bien, Norbert International. Yeah. Sturi, tu as une balle de break. Est-ce que tu laisses la main ou est-ce que tu prends la main? I take the end. You take the end. Bonne chance à tous les deux, que les odds soient en votre faveur, tout ça. Alors, on commence tout doux, hein, ok? Point commun, alors c'est pas vraiment un point commun. Bon. Je vais vous donner une liste dans le bon ordre. Il faut me dire de quelle est cette liste. Hein, qu'est-ce que c'est? D'accord? Davy Boy Smith. Pardon? Okay. La liste est dans le bon ordre. Oui, oui, dans cet ordre. Davy Boy Smith. William Regal. Triple H. De quoi parlons-nous, Sturi? Davy Boy Smith. William Regal. Triple H, cette liste est dans l'ordre. De quoi parlons-nous? Quelle est cette liste? Alors, elle n'est pas complète. Cette liste, elle n'est pas complète. Il y en a d'autres après. Mais, dans cet ordre, Davy Boy Smith, William Regal, Triple H. Qu'est-ce que c'est? Le plus de règne de champion européen. Non, Sturi. Rabi. C'est une excellente question. Je te remercie, Norbert, de poser des belles questions. Ah bah oui. C'est très bien. Davy Boy Smith, William Regal, Triple H. Eh bien, est-ce qu'on est obligé de faire des propositions ou on peut poser des questions? Tu peux poser des questions, c'est oui ou non, c'est un peu le même principe que oui, les Nipofos. Oui, mais, voilà. Mais il n'y a pas cette idée de trois propositions seulement, autrement il y aurait zéro oui, content. Oui, hein. Oui. Oui, alors très bien. Alors, attends, j'ai oublié d'enlever le chat. Hop, voilà. Quel beau joueur sur Abby. On peut pas dire de lui que, hein, là, voilà, quel beau joueur, quel beau mec, très beau mec, très beau mec. Est-ce que c'est un rapport avec des titres? Oui, monsieur Mentor. Une proposition? Non, alors, pas de proposition, non. Non, aucune. Sturi. Les trois plus longs règnes de champion européen? Non, Sturi, Rabi. J'ai l'impression que ça a un rapport avec le titre européen. C'est un point commun pour tous les trois. Ouais, mais... Attends. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends. Je sais pas. Mais par contre, c'est une liste dans l'ordre. C'est ça le truc. Oui, elle n'est pas complète, mais elle est dans... Ouais, enfin, mais bon, alors, c'est les trois premiers. Attendez. Laissez-moi un instant. Quelle est ta question, Sturi? Rabi, pardon. Ce sont les trois premiers de la liste. Oui. Merde. Vous êtes, mais dans un état de brûlure. Est-ce que c'est les trois premiers de la liste. Est-ce que ça concerne seulement le championnat européen? Oui, Sturi. Putain, la vache. Ce sont les trois premiers catcheurs à avoir défendu le titre européen en pay-per-view. Non, je sais pas, c'est pas ça. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas moi, mal. Un demi-point. Non. Bon. Parce que c'est pas les trois premiers champions européens. Non. Il y a Michaels. Ah, il y a Michaels. Le meilleur champion européen d'ailleurs. Pelleté avant Regal. Pardon? Il y a une pelletée de champions avant William Regal, avant qu'il soit champion. Ah oui. Eh ben oui. C'est bien ça le problème. C'est que ça fait. Tiens, on va réfléchir à deux. Ça fait Bulldog, Michaels, Hunter,
De Hunter, on passe à quelqu'un d'autre. C'est... Ça doit être peut-être X-Pac. Non, ou c'est Shane Owen. McMahon. Je crois que c'est Owen. C'est pas Owen. C'est Owen Hart. C'est Owen Hart. Je me pose la question. Ouais. Je vais vous dire ça. Owen Hart, il doit perdre contre X-Pac, qui doit perdre contre Shane McMahon, qui doit perdre après. Ça non, fait Dilo. Ça alors Bulldog, oui. Michaels, Hunter, Owen, Hunter, D'Lo Brown. D'Lo Brown. D'Lo Brown. Il doit y avoir. Test, c'est plus tard. Bon, bref, on revient à la question, les copains, oui. S'il vous plaît. C'était c'est autour de. Je sais plus. Je sais c'est plus. À moi. Figure-toi. Tu crois que c'est à toi, Sturi? Ah ouais, c'est à moi. Très bien, t'écoute. Je te fais confiance. Ça sent la carotte. S'il trouve là-dessus, Sturi, je pense que Rabi va hurler au scandale. On n'a pas fini de l'entendre. Moi, je vous le dis. Ce sont les trois plus longs règnes combinés. Ce sont les trois plus longs règnes. Nombre de jours combinés. Oui, tout combiné. Bravo, Sturi, qui fait le break à 2-0. Ah oui, 4 championnats pour Régal européen. British Bulldog, 253 jours. William Regal, 179 jours. Triple H, 160 jours. Ça, c'est la liste des jours en vrai. Reconnu par WWE, ça ne change pas l'ordre. 249 pour British Bulldog, 173 pour Guillaume et 149 pour Triple H. C'est une victoire de Sturi qui fait le break. Sturi, t'as l'air très surpris. Hein 2-0. Non. Je suis surpris parce que justement, c'était une de mes premières questions, mais j'étais persuadé, intimement persuadé, puisque j'ai révisé toute la semaine le championnat européen avec le petit manuel du championnat européen pour les nuls. Du championnat par Europe. Hein, voilà, champion par Europe, pour les nuls. Et j'étais, mais alors persuadé qu'en effet, Régal était devant. Et bien moi, ce qui m'a surpris, c'est que Régal y soit en fait. Parce que moi, c'est vrai que dans mon idée, le titre européen, il s'arrête un peu après X-Pac, tout ça quoi. Vous voyez. Ah non, il continue bien. Hein, le championnat il est unifié, le championnat européen, avec le championnat intercontinental à Monday Night Raw dans un combat face à Rob Van Dam. Si je dis pas de bêtises. C'est Rob Van Dam qui unit un petit peu tous les titres. Il unit le championnat hardcore et il unit le championnat européen. Donc je sais qu'il y a Regal, je sais qu'il y a, je crois, Jeff Hardy pour le titre hardcore. Ou c'était Tommy Dreamer. Ou non, Hardy le prend à Regal. Je crois que c'est Jeff Hardy, peut-être le dernier champion européen. Eh bien, je vais vérifier ça. Il y a des gens qui disent « Oui, Sturi, il triche, il a le chat. » Alors, déjà, ce qui est marrant, c'est que… Attends. Juste un truc. Comme ça. Ce qui est marrant, c'est que Rabi dit « Je triche pas » et personne dit « Ok, c'est cool. » Tout le monde dit « Bon, s'il le dit, c'est bon. » Alors, personne ne le voit. Moi, je les ai en vidéo. Et Sturi tourne à moitié… Enfin, il est trois quarts à l'écran quand il fait le Norman Invitational. C'est la vérité. Non, c'est… ouais, c'est ça. C'est Rob Van Dam qui unifie. C'est ça, c'est Jeff Hardy, Rob Van Dam contre Jeff Hardy. Ouais, oui. C'est ça. Je viens de penser à une chose. Là, à l'instant. Rabi, ça fait 2-0. Tu es en train de te prendre une méga carotte. Le break est fait. Le championnat par Europe. T'as mis en PLS par le. Une réaction de Rabi avant de passer à une deuxième question de Norbert Invitational. Rabi. Il y a Johan qui a dit que c'était à moi. Donc logiquement, ce point n'existe pas en fait. Est-ce que, en toute honnêteté, tu aurais proposé ça? J'en sais rien, peut-être. je peux pas savoir vu que j'ai pas eu le temps de poser ma. Je crois que j'ai vraiment pas posé ma question. Mais après, si le New Story Order doit tricher pour avoir un avantage de 2 et perdre à la fin, parce qu'on sait très bien. Mais on sait comment ça finit, Monsieur Marcignac. Arrête un petit peu. Donc arrêtez, bon, très bien. On va passer à une deuxième question du Norbert Invitational pour me suivre sur les internets @NorbertFaillon sur Twitter, également Insta et Facebook. Pour Rabi, @RabiMentor. RabiMentor est sur Insta, mais très rarement. Il n'est pas réellement sur Facebook non plus, c'est Twitter pour lui, @RabiMentor. Sturi, c'est @Sturikane sur Twitter. Et sur Insta, je crois que c'est Sturikane316 si je me trompe. Pas, hein, il y a la chaîne, c'est ça le catch que vous pouvez suivre également sur Facebook. Bien, deuxième question du Norbert Invitational. Mais je garde le chat pour la peine. Non, je déconne. Sturi, qu'est-ce que tu fais? Oui, pardon? Qu'est-ce que tu fais, Sturi? À part, tu prends ou tu laisses la main? Je vais prendre la main, je la sens bien, j'ai des bonnes mains en ce moment, donc je vais la prendre. Je vais la garder, cette petite main qui, pour l'instant, je trouve, me porte chance. J'ai pu très vite embrayer sur le championnat européen et j'avais quand même donné
une balle d'égalisation à Rabi facilement. Je suis un peu déçu qu'il ne l'ait pas chopé au vol. Il y a Yacine qui nous dit sur YouTube, Rabi est un râleur comme Bret Hart, MDR. C'est pas faux. Tiens. C'est pas ma faute si c'est de la bullshit. À un moment donné. Le confinement screwjob. Ouais. Bien, ouais, attention, ça peut plus du cul pour toi, Rabi, hein, s'il fait 3-0 là, si tu veux, hein. T'inquiète, il y a 13 points. On peut faire 10-3. Hein. Un point commun de nouveau. Entre 4 catcheurs, quel est le point commun entre Lance Archer, Jay Lethal, Christian et Loki? Sturi. Lance Archer, Jay Lethal, Christian et Loki. Ils ont tous les quatre été champions par équipe de TNA. Peut-être, mais c'est pas ça que j'attends. Je refuse la réponse, Rabi. Bon, non, ils l'ont pas été tous les quatre. Lance Archer, je crois pas. Hein. Ah, avec Kid Cash? Peut-être bien, peut-être. Dallas et Kid Cash, ils ont été champions par équipe, il me semble. Rabi. Oui, très bien. Si tu, merci. Effectivement, ça risque de faire 3-0. Lance Archer, Jay Lethal, Christian et Loki. Oui. Eh ben alors. Eh ben, c'est très intéressant. C'est alors on t'a comparé à Bret Hart et là il y a Oscar qui dit Rabi nous fait des caprices à la Shawn Michaels. Eh ben. Eh ben voilà mes deux catcheurs préférés. Écoute, tourne dans l'ordre. Donc, très bien. Alors, le point commun entre Jay Lethal, Lance Archer, Christian, Loki, c'est que les trois, quatre, les quatre. T'as déjà pas compris les règles, mec. C'est bon. Titre de ta sextape. Bien vu. Les quatre catcheurs ont. J'en sais rien. C'est alors, est-ce que c'est un lien avec des promotions? On peut dire ça, oui. Oui, oui. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Très bien. Sturi. Est-ce que moi je savais plus vite ma question. Est-ce que c'est un est-ce qu'ils ont un lien avec du catch par équipe? Non. D'accord. Mais c'est évident ça, par contre. Ah bah non. Pourquoi? Ah si. Ah si. Ah non. Ah si. Alors c'est à dire qu'en fait vraiment. Ok. Bon, c'est pas grave, mais ça m'a déconcentré, tu vois. J'avais une super question. Merde, putain, avec cette question à la con, j'ai oublié. Bah oui. Non, ce que je voulais dire, c'est... mais j'ai un doute sur Lance Archer. Bon. Ils ont, tous les quatre, détenu des titres. Non. Très bien. Sturi. Je récapitule parce qu'il y a Jay Little, il y a Lance Archer, il y a Christian. Oui. Et le quatrième c'est Loki. C'est Loki, on le dit depuis 10 minutes. Loki. Oui. Loki. Tu casses le jeu. Et c'est en lien avec des promotions. C'est en lien avec une promotion. Est-ce que c'est en lien? Est-ce que c'est en lien avec New Japan Pro Wrestling? Non, Sturi. Rabi. Mais bien sûr que non. Putain. Eh, il faut. C'est compliqué. Hein. Non. Ah, le lourd. Oh, putain. Alors, non, sans rien. Loki, Lance Archer. Christian. Christian. Et merde, j'en oublie un. Et je me fous de la gueule. Loki, Lance Archer. Lance Archer. Christian. Loki et. Jay Lethal. Et Jay Lethal. Ils ont tous, ils sont tous arrivés. Non, c'est pas ça. Ils ont tous catché chez TNA en 2005. Je sais pas. Attends. Est-ce que c'est pas impossible? Attends, 2005. Attends, parce que peut-être que c'est un énorme indice. Peut-être. Que Jay Little, attends. Bah, Jay Little, il était pas déjà. Si, il était. Non, je sais pas. Ah, peut-être qu'il faisait des pitchs parce qu'il était chez Ring of Honor à ce moment-là. Alors, c'est pas la réponse que j'attends, hein, les copains, hein, bien sûr. Oui, oui. Mais moi, je me base sur Christian.
Christian. Christian, il arrive quand chez 2005. Il arrive, vas-y. Fin 2005 ou début 2006, ouais. Son contrat, il s'arrête en 2005 chez le WWE, c'est sûr. Après, j'ai pas la date exacte de quand il arrive chez TNA, mais ça doit être automne 2005 ou début 2006. En tout cas, vous vous rapprochez très sérieusement de ma réponse. Je me rapproche. Oui. Voilà. Suri, donc, pardonnez-moi, j'ai roté. Rabdo. The Butcher. J'ai envie de manger. Ouais, moi, j'ai pas. Ouais, j'aurais bien bu une bière, moi, tu vois, j'ai rien là. J'ai les mains en vrac hein, avec ces histoires de faut se laver les mains, je sais pas quoi. Ça t'as dit. J'ai le pot de serpent. Je sais pas quoi. C'est 2005, c'est ce que t'as dit. J'ai dit que 2005, ça vous rapprochiez là, très très franchement de ma réponse. Mais c'est pas, ouais. C'est pas la bonne année que j'attends. Il y a un truc avec ça, mais c'est pas ça. Un lien avec une année, ok. Ouais, non, ça pas. Pardon, non, rien à voir avec quitter. Allez, bras. Allez. Merci beaucoup d'être venu. On se retrouve d'ici 30 secondes quand j'ai posé une question de merde. Ils rejoignent tous TNA en 2006. Et brah, non, parce que Loki était avant. Mais. Ah non, Loki, il y a Pidot. Aïe, aïe, aïe. Et oui, oui. Et non, non. Rabi, une question pour R. C'est duré. Wow, la que routine. R. Putain, c'est pas en lien avec Kitté. Essayez de trouver le domaine du point commun, quoi. Ça, vous y rêvez pas, ça, hein, à chaque coup, hein, faut le dire. Hein. Et, Mais non, parce que punaise, et va chercher un point commun entre Lance Archer et Loki, non, quoi. Essaye de trouver ce que j'attends, moi. Vous me connaissez. Ça, quand on connaît son quizmaster, on gagne les quiz. Bon, si tu veux, tu les gagnes. T'as gagné le dernier. Affronter Kaokada. Pardon. Bah, ils ont tous les quatre affronté Kazushi Kaokada. J'en sais rien, c'est pas mais ça. Je te connais, Kaokada. Alors, oui. J'ai grillé une question pour rien. Oui, mais c'est pas grave. C'est en lien avec une année. Non, pas non plus. C'est plus précis que ça. C'est plus précis que ça. Ouais. Alors, on attend de la précision, Philippe. Est-ce que c'est en lien avec un match? Oui, Sturie. Si tu proposes ou c'est à moi? J'ai pas de proposition. Rabi. Mais non, mais c'est pas ça. Bon, si je dis quand même. Ah, ouh, putain. Oh, Rabi, attends, je sens que ça vient. Je te connais comme si je t'avais fait. Je sens que ça vient, Rabi. J'ai deux trucs là qui sont. Je sens que ça vient, Rabi. Putain, mais ils se sont affrontés les quatre chez TNA. Putain, j'ai. Attends. Mais ils ont dû partir. Ils ont dû. Alors, c'est le Final Four de la Reverse Battle Royale. Je sais pas. C'est une connerie. Il y a une saloperie dans le genre. Non, mais je l'accordais à Rabi. Ils ont tous participé à la Reverse Battle Royale. C'était ma réponse. Bravo, Rabi, qui va marquer. Pardon? Première Battle Royale, la première Reverse. À la première Reverse Battle. Ils étaient nombreux. Hein. Rabi qui marque son premier point. 2-1 pour Sturi. Une déclaration avec l'effet. Ou pas du tout. Pour qui? Pour Sturi, vu que t'as perdu, tu fais pas ton effet là, j'imagine. Hein. Non. Hein, tu. Erreur système, je suis déconnecté. Je ne ferai pas d'effet pour répondre gentiment à Rabi. Bravo Rabi, tu as gagné. Ah ah ah, mais ça fait 2-1. Yopi, lol lol. 2-1 pour Sturi Rabi, ça va? Tu respires un peu? Bon, j'ai toujours respiré. Je serai en apnée quand il y aura 7-0. Il y a parce Steve qui avait trouvé la Reverse perdu, Battle Royale sur le chat. Steve, je sais pas si c'est le premier, mais c'est le premier que j'ai vu. Hein. Bravo Steve. Feuillant une vitesse. Notre toujours troisième question. On peut faire une égalité pour le rabbin ou nouvelle balle de break pour le Sturi Kane. Attention, un point commun. Rabi, tu prends ou tu laisses? Mais je prends. Parce qu'à un moment donné, moi aussi, je texte the end. Hein. Ils ont tous les trois fait la même chose. Qu'est-ce que c'est? Chris Jericho en 97, Shane McMahon en 99, Tajiri en 2001. Chris Jericho en 97, Shane McMahon en 99, Tajiri en 2001. Ils ont tous fait la même chose. Quoi donc? Rabi, on t'écoute. Vous êtes 934 avec nous pour Alors, faire une Invitational. C'est incroyable, une Norbert Invitational. Après,
On reviendra, il y a des gens qui demandent qu'est-ce que c'est la Reverse Battle Royale. Alors, allez écouter notre fabuleuse histoire du catch américain sur Vince Russo. On vous explique juste après ce que c'est. C'est génial. C'est le pire match de l'année. Et regardez aussi le top 10 2006. Des stipulations improbables dans le catch. Ouais. Ils ont tous battu Sean Waltman pour une ceinture. Oh Rabi, oh quel point, ah. Oh quel oh, point, ah, ah, oh Rabi, oh, ouh là là, Roberto Carlos le coup franc, oh là là dans la lucarne, oh Rabi, même qui pas besoin d'enlever le chat, ah bra, voilà c'est tout. De partout, j'ai même pas eu le temps d'enlever le visuel de ta victoire tout à l'heure pour mettre, incroyable. Ils ont tous battu Sean Waltman pour une ceinture. Eh ben, on peut le rabier. Mais quel beau gosse, quoi. Oh là là, putain. Oh y... Chris Jericho pour le championnat des Cruiserweight chez WCW. Shane McMahon en 99 pour le championnat européen. Taijiri, championnat Cruiserweight ou Light Heavyweight, je ne sais plus, là, le Lineage, comme on dit en anglais, mais bref. Rabi, très beau point. Sturi, comment te sens-tu? Vous allez me croire, ou non? Bah non. T'allais dire ça. J'étais en train de chercher le lien. J'en étais dans ma tête à Shane McMahon. Le seul truc qu'il a fait de notable en 99, c'est de battre X-Pac pour une ceinture. Mm. Et j'étais là, je me disais, mais merde, Tajiri, il a unifié le championnat Cruiserweight et la Heavyweight de WWF aussi contre X-Pac en 2001. Alors les réactions déferlent. J'étais en train de réfléchir à Jericho, justement, pour voir si c'était bien ça, quand tu l'as dit. Il y a RCRG10 qui dit Rabi en mode tueur à gage. Quoi qu'il en soit, mais bravo. Bravo, deux partout, des petites Rabitada. Il y a des Rabi, je t'aime, quel but incroyable, Rabitada. Il est parti, Sturi, pour l'interrogation. Oh Rabi, fais-moi l'amour, Rabi. Hein, il apex, qui je rappelle, de la Fuyant Foundation au départ, attention. Il y a des GG de partout, encore une réponse pour le zapping. Bon, bref. Le smash de l'Espagne, de l'espace, pardon, de l'Espagne. Qu'est-ce que je te dis? Non. Alors, il est joli, il est très joli. Non, mais à un moment donné, bon, c'est les IM Globetrotters. Voilà, moi, j'aime le spectacle. Moi, c'est tout ce que j'aime. Je rage, parce que les vrais Harlem Globetrotters, j'étais censé aller les voir là, dans 2-3 jours à Gravelines, et je peux pas aller les voir, c'est mon cadeau de Noël. Eh ben, tu les as en face. Il y a les Harlem Globetrotters à Gravelines. Ouais, sans déconner, ils venaient T'es le premier sérieux à Gravelines. Ouais. Je crois que c'est là que j'ai perdu... La virginité. Non, ça c'était un peu avant, ça c'est quand j'avais 5 ans, la virginité. Attends, à Gravelines, je crois que j'ai gagné ou perdu un truc des incollables quand je faisais les incollables à l'école primaire. Parce que oui, je suis champion dans Pas-de-Calais des incollables 92 en CE2. C'est pas vrai! Quatrième en France. Et ouais, quatrième en France. Mais je crois que l'année d'avant en CE1, on a perdu. Non, c'est à Boulogne-sur-Mer qu'on avait perdu, il me semble. Mais on avait gagné les quarts à Gravelines. Je sais plus. Bon, bref. En tout cas, un souvenir à Gravelines, mais je sais pas s'il est bon ou mauvais. Ça nous aide. On est content. Merci Norbert. À demain. Alors, on va passer à un peu d'accueil. Hein. On va faire un petit vrai ouf. Hein. Comme on dit, pour l'instant, il y a 2-2 hein, pour Rabi. La suite là, de ce qu'on va faire maintenant ne compte pas. Hein. Dans les points, je tenais à rappeler que Rabi a égalisé. On est à 2 partout. Alors, question, vrai ou faux, vous allez me dire vrai ou faux, sans développer, le chat vous me dites vrai ou faux également, et s'ils ne sont pas d'accord, on fera un petit débat, et vous nous direz qui gagne, hein. Ça ne comptera pas pour les points bien sûr. Hein. WWE yep. Devrait profiter de la situation pour réfléchir à un gros reboot au sortir de la crise. Rabi, vrai ou faux? C'est grosse question là. Un gros reboot. Moui. Donc vrai quoi, vrai. C'est vrai, c'est un peu vrai, mais en même temps c'est peut-être plus vrai que faux, mais il y a du faux quand même dedans. Sturi, vrai ou faux? Non, faux. Faux, très bien, le débat est lancé. Vous nous direz sur le chat à l'issue du débat qui a raison entre Rabi et Sturi. Sturi, je vais te laisser la parole en premier. Faux, pourquoi? Faux parce qu'il y a eu un seul reboot marquant dans l'histoire du catch, c'est WCW qui l'avait fait à l'époque en 99 quand ils avaient dit on met tous les titres vacants, tous les trucs à plat, et pour moi c'est ça l'image du reboot. Hein. C'est de un matin, Vince McMahon il démarre Monday Night Raw en disant voilà. J'entendais un petit peu ça. Voilà. Tous les titres sont vacants. On redéfinit tout. Il n'y a plus les heels, il n'y a plus les faces, comme vous le savez. On a un don de Soul First pour 2,02€. Merci beaucoup. Et nous dit faux. Merci à lui.
Merci à lui. Mais pour moi, c'est la pire des conneries qu'avait fait à l'époque WCW. Ok, ils ont tenté, mais ça les a menés nulle part, à part plus les mettre dans le trou. Bah, ils ont fait du brin quand même avec ça. Hein. Voilà, pour moi, c'est clairement se dire, si tu rebootes tes storylines, tout ce que tu as entrepris au sein de ta compagnie, ça veut dire quoi? Que tout ce qui existait avant n'existe pas? Qu'on ne doit pas en tenir compte? Alors, comme d'hab. Aujourd'hui, tu as l'impression que tout est fait de brick and broc. Mais pour... Ce rabbi, tu me fais rire, pardon. Tout le passé doit servir justement à construire l'avenir. Et là... Oh là là, c'est du Macron dans le texte, ça. Tout le passé doit réussir à servir l'avenir. C'est ça que t'as dit? Ouais. Waouh. Alors ça, tu écris les discours des plutôt que faire ton catch, là. Enfin, écris des discours pour les politiciens. Ah, waouh. Il est un peu content. Attends, il est un peu content. Je le vois, sa tête, là, sur la webcam. Ok. Patrick. Bon, t'as pas entendu. Nous sommes en... Mais tout va bien. Et on est en guerre quand même. Non, c'est pire que ça. Nous sommes en guerre. Ne cédons pas à la panique. Nous sommes en guerre. Ah, ok, merci Frangin. Sympa. Très bien. Donc voilà, grosso modo, mon point de vue, voilà, j'ai pas besoin de détailler beaucoup plus. Pour moi, c'est une connerie, une aberration. Il faut pas faire ça. Il faut absolument pas faire ça. Et je ne sais pas ce que va nous dire Rabi, à part tout et son contraire, comme d'habitude. Ça tire à balles réelles, là. Hein, Ah, le cheap shot absolu, quoi. J'ai encore rien dit, mais c'est pas vrai. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, mais Michel Bougenot, j'ai encore rien dit. Non, mais ce Sturricane, ma parole, je te jure. S'il n'existait pas, eh bien, faudrait l'inventer, ma parole. Bon, alors. Tu as dit. T'as pas dit un gros vrai, t'as dit un petit vrai, mais t'as l'air quand même, je pense que t'as pas le même avis que Sturie. Ben. Mais c'est-à-dire que je vais à peu près dire la même chose que lui, mais moi, ce sera pertinent. C'est-à-dire qu'en fait... non, mais en plus, je suis d'accord. C'est-à-dire que j'ai dit oui parce qu'en fait, ça fait pas loin de 2 ans que c'est de la chiasse absolue. Le bleu, faut être sérieux. Je regarde moins depuis 6-8 mois, voilà, machin. Mais je me rappelle que quand on faisait les faire live show... C'était un sacerdoce de regarder les trucs. Franchement, c'est dur, quoi. C'était dur. Fallait choisir entre les deux. Je prenais SmackDown parce que c'était généralement un peu mieux et plus court. Mais les faux, j'ai regardé Raw, quoi. Mais j'avais envie de mourir. Donc, faire un reboot, je suis d'accord avec Sturie sur le fait qu'il faut se servir du passé pour faire l'avenir. Oh, très belle phrase, putain. D'ailleurs. Ah ouais, super. Cela dit, c'est vrai. Mais en plus, c'est vrai dans le catch. C'est toujours plus... rewarding, c'est tu te sens plus récompensé quand t'as suivi un truc pendant gratifiant, voilà, c'est gratifiant quand t'as des petits détails, par exemple les Omega Okada. Ah, j'ai montré à Claude pour la première fois la semaine passée. Ouais, et elle a bien aimé. Ah oui, elle a trouvé ça super. Mais bien évidemment, c'est normal. Mais voilà, c'est gratifiant quand t'as suivi tout un truc, ou même dans des séries, ou des trucs comme ça, où t'arrives à la saison 3 et puis un petit détail qui te rappelle la saison 1 et tu fais « Ok, c'est gratifiant, j'ai suivi la saison 1 et je comprends mieux ce détail-là de saison 3. » Chez WWE, ça n'existe plus. Ça n'existe que si ça a été fait il y a 15 ans. Honnêtement, leur truc du passé... Merci d'avoir été attentif. Pardon ? Te remercie pour avoir été attentif. C'est ce que dit souvent Brian Alvarez. Oui, ben voilà. Mais chez WWE, ça existe par exemple avec Edgerton, où il te parle de Rated RKO, que ça a été fait il y a 13 ans. Voilà. Mais les trucs qui ont été faits il y a 2 ans, ça n'existe pas chez eux. Donc c'est pour ça que quelque part, un reboot, très honnêtement, ça coûterait quoi? Dans les storylines moisies qu'il y a eu depuis 2 ans, si ça pouvait rebooter Baron Corbin et l'envoyer ailleurs, ce serait pas mal. Et effectivement, après, j'ai dit faux aussi. Oui, mais non. Parce que WCW avait fait du grand caca à l'époque. Mais qui était à la tête de WCW à l'époque? Vince Russo et Eric Bischoff sont en sérieux 2 secondes. Sont en sérieux 2 secondes. Même nous trois à 18 grammes, après une soirée arrosée, on aurait fait mieux que le reboot WCW qui était absolument aberrant. Bah, c'est-à-dire qu'on a inventé de la nipofo à 18 grammes. Donc c'est bien la preuve qu'on est meilleur que ça, quoi. C'est ça. C'est à un moment donné, faut se rappeler quand même comment Sid Vicious rend la ceinture de champion du monde. Il perd toute son Inverness rien qu'en la rendant. Imaginez Steve Austin qui donne la ceinture à Vince McMahon. Il se fait humilier au mic, il fait rien.
Voilà, c'est en gros, Sid Vicious, c'est ce qu'il avait fait. En plus, avec ce con d'Eric Bischoff qui avait fait une inside joke sur les ciseaux avec Arn Anderson, la fameuse histoire des ciseaux avec Arn Anderson, je ne rentrerai pas dans le détail, mais où les gens étaient... Hein, et genre, Eric Bischoff, il avait dit, heureusement qu'il n'y a pas de ciseaux, hein, Sid. Sauf que les gens, à l'époque, n'avaient pas trop Internet. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il dit, l'autre con là? Bon, bref, ce genre de truc était horrible à l'époque. Ce que je veux dire, c'est qu'un reboot, si c'est bien fait, ça peut être quand même assez intéressant dans l'absolu. Après, on n'a que WCW pour s'en rappeler. Mais il faut se rappeler que c'était des putains d'incapables qui ont fait ce reboot. Après, il faut se rappeler que si aujourd'hui un reboot était fait, ce serait Vince McMahon qui le ferait. Il nous ferait un reboot pour faire la même chose. Il redonnerait le titre à Brock Lesnar. Et il nous repoucherait Roman Reigns jusqu'à la lit. Bon, voilà, il ferait exactement les mêmes choses parce qu'il a une façon de marcher, sauf qu'il a oublié laquelle c'était, qu'il nous fait autre chose depuis 10 ans et qu'en fait, bon, c'est un peu pérave, quoi. Donc, oui, mais non. En gros, un reboot, pourquoi pas, une fois que Vince fera autre chose. Mais ça, on sait que ça n'arrivera que malheureusement le jour où il sera mort. Je souhaite absolument pas sa mort. Hein. Mais il sera là jusqu'à... S'il vit jusqu'à 95 ans, il donnera son avis jusqu'à ses 95 ans. Ça, c'est sûr et certain. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag Feuille en Live. Après ce petit point débat, Sturi ira voir Twitter pour voir vos réactions à ce sujet. Vous pouvez commencer à nous dire dans le chat qui gagne le débat entre Sturi et Rabi. Sturi, est-ce que tu as autre chose à dire? Non, mais ça Rabi a dit exactement comme moi, hein, le reboot. Ça a été mieux dit. Finalement. Alors attention. Il y a Phil qui nous dit petit point culture musicale. Sid Vicious, pour interrogation, le chanteur des Sex Pistols. Non, Sid Vicious était le bassiste des Sex Pistols. Le chanteur, c'était Johnny Rotten, qui d'ailleurs, après Sex Pistols, a fait Public Image Limited. Pile, allez écouter ça, c'est hyper bien. Sturi, pardon. Sid Vicious aussi, qui avait un écureuil. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Non. Quel est le point commun entre Sid Vicious et la caisse d'épargne? C'est une légende urbaine du catch, l'écureuil de Sid Vicious. Sid, apparemment, à un moment dans sa carrière, il se baladait sans arrêt avec un écureuil. Il avait un petit écureuil, etc. Il l'amenait backstage, etc. Et, il se baladait pas avec le Warcraft, en tout cas, quoi. Et il y a des lutteurs qui lui ont dit « Je suis sûr que t'oserais pas mettre ton écureuil dans ton pantalon pendant 60 secondes. Et Sid a accepté. Et l'écureuil a fait exactement ce que Sid et n'importe qui pouvait craindre. Attends, de quel côté dans la culotte il l'a mis, l'écureuil? Devant ou derrière? D'après toi. Je vais pas vous faire un dessin, c'est exactement ce à quoi vous pensez. Moi, je pense plutôt à cette espèce de pratique sexuelle dégueu, des gens qui se font rentrer des rats dans le cul, mais après, je sais pas si avec un écureuil ça marche. Non, c'est non, plus non. Gros, c'était quoi. Dans son pantalon. Dans son pantalon. Qu'est-ce qu'il y a, Rabi? T'as jamais fait ça? Non, pardon, t'as jamais entendu parler? Oups, oulala. Non. Non, je connais pas. Non, c'est plutôt des souris, parce que des rats, c'est un peu exagéré. Une girafe. Remarque, à Bordeaux, on est bien servi. Hein. On peut s'en mettre dans le cul quand on veut, des rats. Hein. Ah ouais, non, mais moi j'ai eu des souris là pendant un moment. Là, c'était l'enfer. Hein. Je suis toujours complètement paranoïaque avec ça d'ailleurs. Hein. Donc bref, est-ce que Sid Vicious s'est fait bouffer les couilles? C'est ça qu'on veut savoir. Ah, grosso modo, il a dû aller aux urgences juste après. Ouais. Il a pas tenu les 60 secondes, n'ont pas été tenues. Il est juif? Non, il est pas juif, Sid Vicious. On n'est pas la moindre idée. Bon, d'accord. Ah, j'espère pas. Pourquoi la honte sur ton héritage, Rabi? C'est ça que tu veux dire? Alors. Bien, dites-nous qui a gagné le débat sur le chat YouTube. Là, je vois un Sturi, un Rabi. Rabi sans contexte, Sturabi, ça c'est toujours drôle ça. Ah, Sturi, Rabi, Sturi, c'est Sturi hein, qui a gagné ce débat en termes de nombre de voix. C'est moi. Non, je t'assure, c'est Sturi. Ça compte pas pour les points pour l'instant. Avant de vous expliquer ce qu'est la Reverse Battle Royale, accrochez-vous, hashtag Feuille en Live avec Sturi, merci beaucoup. Je suis en train de recharger tout ça parce que j'ai un petit problème, c'est resté sur les 36 dernières minutes. Si c'est bon, j'arrive. Un message de Lux Divina. Je connais pas. Il nous dit on salue Divino. Thury, j'adore ta chaîne et ce que tu fais. Cœur sur toi et au bordelais trop rigolo. Ce sont des hamsters, Norbert Padera. Ah, c'est des hamsters, d'accord. Ludivine qui est bien, ouais, c'est vrai. Voilà. J'aurais bien aimé avoir cette discussion avec Ludivine à propos des hamsters, ouais. On embrasse Ludivine, on lui fait des gros bisous, cœur sur elle également. On retrouvera mercredi, bien entendu, pour désormais votre nouveau rendez-vous lors des hashtag 3CFM, la FAQ Ludivine, voilà, où Ludivine répond à toutes vos questions.
sans aucun filtre. FAQ, t'as dit? Elle fait un FAQ. Non, non. J'ai compris FAQ, ça, des mille phases là, je pensais. Bon, bref, vas-y, continue. FAQ. Bizarre, ça. Non. Bref. Gour, qui nous dit, Sturi, est-ce que tu nous refais une nouvelle... ne nous refais pas une nouvelle Rabbitada, Rabbitada, s'il te plaît. C'est quoi la Rabbitada? C'est parce que t'es revenu la dernière fois? On a égalité. On met le suspense pour le moment, on fait le beau jeu. Hugo. C'est vrai. Hugo qui nous dit Sturi contre Rabi sur WWE 2K20 avec Norbert en Rabbit Space Eye, je paierai pour ça. Bah déjà, il faudra payer, je pense, un 2K20 à parce que je pense qu'il a été méga hypé pour l'acheter, Rabi. Hein, je me trompe? Ah, ben, Day One. J'ai pris l'édition de luxe, tu penses bien? Non, oui, non, j'achète pas ça. Il faut me donner des sous pour. Avec tout le respect que j'ai pour 2K. Hein. Ah, super ville, le 2K. Faut... Très belle ville. Mais non, mais que, oui, quand ils font BioShock, oui, voilà. Ça, c'est ou NBA 2K, voilà, c'est bien. Je sais pas si j'ai dit conneries, j'ai vu des news comme quoi ils perdaient même la licence BioShock. Enfin, il y a certaines licences qui ont été perdues par 2K récemment. Ah ouais? Ouais, ça m'est réel ou pas. Après, ça a un rapport avec le prix, quoi. Avec la pandémie, le prix de licence a chuté, quoi. Ah, c'est joli. Merci. Bon mec. Oui, très beau mec. Arrêtez de l'encourager. Arrête de dire ça, Rabi, c'est ce que mon père a dit toute ma vie. Viandor qui nous dit souvenir de Graveline, Sturi, annonceur d'un show ECTA qui organise un concours de câble entre Tristan Archer et Gleblanc Christianium, Cormac Hamilton et deux autres catcheurs, je sais plus qui c'est. Tout ça le jour de mon anniversaire. Ça, c'est un souvenir de Graveline. Merci, Viandox, pour ce souvenir incroyable. Tiens. Et une pensée, bien entendu, à Pascal Vanu, le père. Ouais, on salue la mémoire de Pascal. Et trivia, quel catcheur télévisé est un ancien champion chez ECTA. Marty Scurll ? Non. Il a catché pour ECTA. Il a catché, mais je crois pas qu'il était champion ECTA, Marty Scurll. Un champion ECTA ? Oui, il y a quelqu'un qui a été champion chez ECTA qui est à la télé aujourd'hui. Un catcheur. Je savais même pas qu'il y avait un championnat. Bah, Amal ? Ah, elle est pas à la télé. Oui, si tu considères Alexis UK comme la télé, oui. Peut-être qu'elle a été championne, mais je vais vous le dire. Hein, quand on va pas réfléchir à Milan pour ça. C'est Kip Sabian. Kip Sabian, c'est vrai. Kip Sabian, ouais. Autre chose sur le hashtag, Sturi. Yes, Franck Freux, random, qui nous dit vrai, et pas mieux que mais mieux que WCW. Donc il disait vrai par rapport à le truc de Rabi, là, qui a dit vrai, mais mieux que WCW. Donc, il prend des détours pour ne rien dire, mon cher Franck Random. Vous pouvez vous rebaptiser Franck Rabivolution. Oh putain. La paire, tous les deux. Dark Naito Uchiwa qui nous dit cette année, ça fait 6 ans que Christian a pris sa retraite. Son dernier match était un Fatal 4-Way gagné pour devenir le challenger numéro 1 au titre intercontinental de Biggie. Alors, je pense que tout le monde aime bien Christian, mais est-ce que tout le monde s'en branle pas un petit peu de plus le voir à la télé? Rien à foutre. Et pourtant, je suis le premier à le trouver sympa. Hein, j'adore et Christian. A vraiment bien aimé son travail, hein, mais. Cette nostalgie de cette storyline avec Randy Orton qui était exceptionnelle. Ouais. Qui est vraiment de nulle part pour le coup. Ah, le match à Money in the Bank, à SummerSlam, pardon. Le match à SummerSlam était excellent. Hein. Ouais, imaginez parce que... si c'était Christian qui revenait au Royal Rumble et pas Edge. Bah, ça aurait été des crickets. En fait, un peu comme d'habitude, quoi. C'est terrible, hein, Christian. Je sais pas ce qu'il a. Le Factor X. Je pense qu'il manquait le Factor X parce que c'était quand même un excellent catcher. Très certainement meilleur que Edge en plus, in ring. Je pense. Alors, spoiler pour la prochaine vidéo de TEW qui va sortir sur la chaîne C'est ça le catch demain. Comme ça, je fais de l'auto. C'est demain ? Cool. Nouvel épisode, épisode numéro 32. Ça va faire plaisir à Rabi. Spoiler, les amis. Spoiler important. J'ai fait un match solo avec Christian qui a fait une note de plus de 80. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pas contre un Mysterio. Et on a plus de réactions sur le hashtag Feuilleur Live. Norbert, je te laisse la parole. Merci à nouveau. Merci à tous pour réagir. Merci à tous pour votre soutien sur le chat YouTube et votre amour à C7-4. Vous êtes 943 et je vois que 149 likes sur cette vidéo. Il en faut plus, les amis. Plus. Référencez les lives où on joue, on parle de catch, on s'amuse tous ensemble. C'est très important. La Reverse Battle Royale en 2006. Alors, il y en a eu deux. Il y en a eu une en 2006 et il y en a eu une en 2007. Et ça, je crois que je l'apprends. Oui, la deuxième, c'est avec Rikishi. C'est avec... Ah bon ? Tu vois ça où, toi ?
La deuxième, je sais, je l'ai vu. Il y a Eric Young, il y a Rikishi, il y a... Junior Fatou, c'est Rikishi, c'est ça. Ok. Tout à fait, ouais. Alors, la Reverse Battle Royale, c'est très compliqué, les copains. C'est le petit point FHA de la soirée, d'accord? Alors, restez concentrés. Parce que d'abord, la Reverse Battle Royale, ce n'est que la première partie d'un grand tournoi qui va couronner un aspirant numéro 1, ok? Le tournoi, il est en trois parties. La Reverse Battle Royale, il y a un tournoi, style King of the Ring, qui se finit en triple threat. Donc, trois matchs, les trois vainqueurs s'affrontent. Et le vainqueur du tournoi... Alors, j'ai déjà du mal. Bon, il y a la Reverse Battle Royale. Je vous expliquerai les règles dans un instant. Le vainqueur affronte le vainqueur d'autre chose, à savoir un mini-tournoi de six catcheurs qui s'affrontent un contre un, un contre un, un contre un en single. Les trois vainqueurs s'affrontent en triple threat. Le vainqueur de ce triple threat affronte le vainqueur de la Reverse Battle Royale pour avoir un combat de championnat. C'est hallucinant. La Reverse Battle Royale. Alors, ça commence à l'extérieur du ring. Il y a un certain nombre de catcheurs. Je vais tous vous les citer. Ok. Oh. Ron Killings, donc Artruth. Chris Sabine. Chris Daniels. Bobby Roode. AJ Styles. Sonjay Dutt. Jay Lethal. Eric Young. Abyss. Senshi, donc Loki, Kazarian, Raven, Spike Dudley, Devon Dudley, Billy Gunn, James Storm, Christian, ils s'affrontent, ils commencent à l'extérieur de ring. Ellen Sarcher, je ne sais pas si je l'ai dit. Ils commencent... Ah, attends, ça c'est tous les participants, hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'est tous. Mais les ça a tellement de la gueule. C'est tous les participants, c'est, ouais. C'est très mid-card, mais ça a de la gueule. Ouais, ouais, ouais. Alors il y a Tony The Boo qui nous dit c'est l'un des meilleurs moments de la FHA. Oui, ça doit être le FHA sur Vince Russo. C'est Rabi qui avait dû expliquer ça. Alors, tous ces catcheurs-là commencent à l'extérieur du ring. Ok. Il faut que... Alors, je sais pas combien ils sont, j'ai pas compté. Mais en gros, 1, 2, 3, 4... Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ils commencent tous à l'extérieur du ring et ils brawlent. Le but du jeu, c'est d'arriver dans le ring. Ok ? Il faut qu'il y ait 7 catcheurs dans le ring. À partir du moment où il y a 7 catcheurs dans le ring, tous les autres sont éliminés. Donc, dans le ring, on a trouvé Lance Archer, Abyss, Ron Killings, Sabine, Daniels, Robert Roode et Jay Styles. Eux, ils sont dans le ring. Je me permets une petite précision, Norbert. Oui. Ils doivent rentrer dans le ring, mais au-dessus de la troisième corde. Ah, je ne savais pas. D'accord. Ok. Autant pour moi. Ils doivent passer au-dessus de la troisième corde. Donc, maintenant, il y a 7 catcheurs dans le ring. Tous les autres sont éliminés. Alors, il y a Tony qui dit non, c'est par en dessous la première corde. Bon, bref, peu importe. Ouais, celle que j'ai regardée. Moi, j'ai vu que celle de 2007. Celle de 2006, okay. Je ne l'ai pas vue. Et celle de 2007, c'est au-dessus de la troisième corde. Ok. Donc, il y a 7 catcheurs dans le ring. Ça devient une vraie Battle Royale où on élimine les adversaires en les faisant passer par-dessus la troisième corde. À l'issue de cette Battle Royale, il va rester 2 catcheurs à un moment donné. Ok. Donc, on va en éliminer 5. Et les deux restants, ils s'affrontent en single match. Et donc, ça fait Abyss contre Lance Archer. Et ça, c'est gagné par Abyss. Donc, Abyss gagne la Reverse Battle Royale. Les six catchers qui sont restés avant la victoire d'Abyss, donc Lance Archer, Artruth, Edge Styles, Chris Sabine, Robert Roode, Daniels, eux, ils font le tournoi d'après. Donc, après, il y a Lance Archer contre Ron Killings, Edge Styles contre Chris Sabine, Bobby Roode contre Chris Daniels. Les trois vainqueurs, donc Artruth, Edge Styles, Robert Roode, s'affrontent en triple threat. C'est AJ Styles qui gagne et donc il va affronter Abyss après pour se mériter une chance au championnat TNA. Et c'est Abyss qui a gagné. Ça, c'est la Reverse Battle Royale nominée et vainqueur d'ailleurs de la pire, du pire combat pour le Wrestling Observer en 2006. C'est hallucinant. Rabi, un petit mot sur la Reverse Battle Royale. Bah, moi, j'en reviens pas que Vince Russo soit encore interviewé aujourd'hui, quoi. Franchement, il y a encore des gens pour venir dire oui, il a fait des choses de bien dans. Non, mais à expliquer, c'est quand même. C'est l'enfer. Non, mais le pauvre garçon, quoi. Le pauvre garçon. Des idées comme ça, quoi. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le genre d'idée qu'on aurait pu avoir avec Feuillant à 4h du matin, en train, à moitié endormi sur le comptoir d'un bar. Et on aurait quand même eu la lucidité de dire non, c'est de la merde. Remercie pour ça, vraiment. Pour ce genre de truc qui vieillit si. Enfin, c'est cool, c'est marrant d'en parler 15 ans plus tard. Et c'est Kazarian qui a remporté la deuxième, le deuxième tournoi. Eric Young a remporté la Reverse Battle Royale de 2007 et il a affronté Kazarian
en finale. Ouais, okay. Arian gagne le truc à la fin. Il faut savoir, Progress Wrestling, pour son show numéro 100, donc qui est intervenu en fin d'année 2019, a organisé une Reverse Battle Royale, mais pas avec les mêmes règles. Là, on avait juste, je crois, 8 catcheurs, si je dis pas de bêtises. Déjà, non, utiliser, même. Utiliser le nom, c'est quand même déjà suicidaire, quoi. On fait une Reverse Battle Royale, et là, le but du match, c'était simplement de mettre les mecs à l'intérieur du ring, et quand ils étaient à l'intérieur du ring, ils étaient éliminés. Celui qui restait le seul à l'extérieur gagnait le match. Ça reste une idée de merde, hein. Et parmi les catcheurs, alors là, il y a des beaux noms, hein, du circuit indépendant. Il y a des mecs comme Scotty Davis. Il me semble qu'il y a Scotty Davis. Il y a également Chris Ridgeway qui est dedans. Donc il y a du beau monde, il y a des beaux noms du circuit indie UK. Il y a Damien Dunn, le frère de Pete Dunn, qui est dedans. Il y a El Ligero qui est dedans. Voilà, il y a quelques noms sympas. Et Gene Muni qui est génial. Gene Muni. Pour le Strong Style 16 2020 qu'on verra pas probablement. Et imaginez, on fait une reverse battle royale. Tu commences dans le ring, mais il faut pas éliminer les catcheurs. Hein, le gagnant, c'est celui qui meurt pas de faim à la fin, tu vois. C'est une reverse battle royale. Excellent. Le vainqueur, c'est celui qui réussit à sortir du ring. Génial. Une reverse battle royale pour. Dans le ring, le vainqueur est celui qui arrive à sortir du ring. Et pour que ça soit équitable, les mecs sont obligés de commencer, de tous commencer en se donnant la main. Les mecs dans le ring, ils se donnent tous la main et leur but c'est d'essayer de sortir du ring et ils tirent comme ça. Voilà. Et ils tirent, allez, ouais. Et le but c'est de se défaire des mains des mecs et c'est Michael Nakazawa qui va remporter la première parce qu'il s'est enduit d'huile. Voilà, donc il a pu glisser, il s'est brisé la scène. Et il a pu sortir du ring le premier. Il va bravo, Mike John Moxley, Kazawa, c'est beau. Nouveau champion de l'Elite Wrestling grâce à ça. Impeccable. Très bien. Norbert Invitational, on reprend. Il y a deux partout, les amis. Fais-nous un petit point Discord, s'il te plaît, Sturie, avant de passer à la Reverse Battle Royale. Au Norbert Invitational. Parle-nous un peu de Discord. Ouais, le Discord de la chaîne CSL Catch est réouvert. Et justement, si on prévoit avec Norbert et grâce à la complicité de Firzel Live. Qui veut organiser un tournoi de Lanny Poffo entre vous tous pour que les vainqueurs viennent nous affronter sur le chat, pas sur le chat, mais sur le live, d'un feuillant live qu'on ferait tous ensemble, et ben c'est actuellement en place et ça se mettra, je pense, bien entendu, en place sur le Discord. Donc on ne sait pas encore exactement, enfin moi personnellement, je ne sais pas comment ça va s'organiser. Il va falloir vous rapprocher de Fearzel Live, il y a des annonces qui vont tomber. Donc j'ai posté tout à l'heure sur le chat. Le lien pour intégrer le Discord, pour l'instant, les entrées sont limitées au Discord. Parce que comme il est nouveau, on prend le temps, voilà, que tout s'organise bien, qu'on n'ait pas une équipe de modération qui se retrouve débordée par plus d'un millier de membres. Voilà, là, j'ai distribué, je vais vous mettre un lien, il y a 100 invitations dessus. Je ne sais pas combien de personnes ont déjà cliqué dessus, mais n'hésitez pas à cliquer, à nous rejoindre. Prochainement, tournoi de Lanny Poffo qui sera organisé. Voilà, soyez mignons aussi hein, dans les commentaires. Gros bisous à la commu du Discord qui se modère et qui s'autogère et surtout aux personnes chargées de la modération qui font un énorme taf. Je pense notamment à Decarion, CTR, Trafalgar. Merci les mecs, en tout cas, notamment vous. Après, il y a Camrochi qui a rejoint la modération aussi récemment. Mais voilà, les trois premiers noms que je vous ai cités, c'est vraiment grâce à eux que je. Le nouveau Discord a pu ouvrir avec autant de salons et pas mal de fonctionnalités. Merci à tous les mecs. Alors, sur le chat, on nous propose un reverse Lanny Poffo. Comment ça marche ? C'est Joe Pardy. Oui, d'ailleurs, il y aura une question Joe Pardy dans le Foyer Invitational. Là, de Norbert Invitational. Voilà. Un point de plus. On va passer au Norbert. Je sais, j'arrive jamais à dire Feuillant ou Norbert Invitational. Bon, c'est la même personne de toute façon. Norbert Feuillant. Okay. Mais tu dis Norbert Feuillant Invitational. Le Norbert Feuillant. C'est hashtag Norbert Invitational. Mais c'est hashtag Feuillant Live hein, pour réagir. Très bien. Rabi, le dernier à avoir gagné, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ou tu laisses la main ? Putain, c'est vrai que c'était flamboyant. Deux partout. Mais je prends la main. Voilà. Hein ? Très bien. Rabi, on parle d'une statistique en cours. Okay. J'adore. Okay. Aujourd'hui, au 29 mars 2020, alors si vous nous écoutez dans le futur, les copains, on ne va pas dire le méchant mot, on est le 29 mars 2020. Si vous nous écoutez dans 15 ans, regardez ce qui se passait à l'époque en France, c'est de la merde.
les amis. On est content d'être avec vous quand même. On espère que tout le monde va bien à la maison, vos proches vont bien, votre famille va bien. Question numéro 4 donc, du Norbert Invitational. C'est une statistique en cours Rabhi. Aujourd'hui, il est le 11e le mieux classé de tous les temps. De qui parlons-nous et de quelle statistique parlons-nous? Il me faut les deux informations. Aujourd'hui, il est le 11e mieux classé de tous les temps. De qui parlons-nous et de quelle stat parlons-nous? C'est en cours actuellement, Rabhi. Allez, Roman Reigns, pourcentage de victoire en pay-per-view? Non, Rabhi. Merci pour le point. Ouais, merde. Non, pas du tout. Ça peut pas marcher à chaque fois. On attend Sturi. Il est le plus long. L'AVC là, mince. Ah merde, fais chier, encore un AVC. Ah non. C'est Brock Lesnar. Et on parle de son nombre de jours cumulés de champion WWE. Non. C'est pas un pourcentage. J'ai jamais dit que c'était un pourcentage. Statistique. Ah, t'as dit statistique. Pour moi, c'est un pourcentage. C'est pas un pourcentage, c'est une statistique. Donc, très bien. Alors, il est le 11e. Et tu veux savoir qui et pourquoi? Oui, c'est ça. J'ai au moins compris la question. Eh bien, très bien. Eh bien, je vais te le dire. Moi, je vais te le dire, mon petit Norbert. C'est le colonel Moutarde dans le petit salon avec la clé anglaise. Non, mais bien sûr que non. C'est Bret the Hitman Hart sur le nombre de jours cumulés en étant champion WWF. Et bien sûr que non, vu qu'il n'y a eu aucune réaction sur la gueule de Norbert. Non, aucune. Aucune. Non, non. Donc non. Non, c'est pas ça. Et ouais, t'es con. Voilà. C'est bien. Norbert. C'est moi. Tu dois répondre à oui ou des non. Est-ce que cette information concerne Brock Lesnar? Non. Ah, toi aussi t'as eu le doute, parce que quand t'as dit Brock Lesnar, Norbert il a fait une face genre « Eh !» C'était sa face du « Eh !» J'essaie de le cacher. Alors, pas regarder l'image de Norbert, je tourne la tête là à l'écran. Oh, il en moi, profite là, pour KV, passer moi, une pommade contre, de ouais. « Je suis un beau mec », tu vois, Sturi. Alors, c'est le 11... Robert, t'es si beau, excuse-moi. J'ose pas. Bon, alors, c'est une statistique sur un titre. Oui. Très bien, ok. Ok, très bien. Ok. Ok. Actuellement 11e. Mm-hmm. C'est facile. Moi, je l'ai là. Dépêche-toi. Hein. Il est actuellement 11e et c'est une 11e. Ouais, j'entends. T'as un teint. J'ai un teint. Il y a d'amour pour le roi. Roi Enoch, la drogue, le magnum. Spécial dédicace à Vanessa Paradis. Toute beauté. Je suis fanatique. Est-ce que ça concerne un championnat par équipe? Non, monsieur Rick Hale. Enfin. Alors. Il est 11e. Oh! Attends. Est-ce que c'est un rapport avec la newsletter à Meltzer? Non, mais on va revenir au sujet, je pense, que tu évoques dans l'émission. Ah! Excellent. Est-ce que ça concerne un champion actuel de WWE? Non. D'accord. Non. Là, pour l'instant, je suis pas fils depuis le début, j'aurais dû poser cette question dès le départ. Bah oui. Alors, je dois avouer quand même, Norbert, c'est un peu vague. Hein. Il est 11e trouvé sur quoi et qui c'est, il y a quelqu'un sur le chat qui l'a trouvé. Déjà qui l'a trouvé, je dirais, à 90% la bonne réponse. Ouais, mais il a internet. C'est qui? Quête. Dis-moi. Toujours, faut que j'arrête cette blague, j'en ai marre de dire ça. Mais c'est qui le pseudo? Non. C'est non. Ah bah, ouais. Alors. On est chez WWE. F-E. Non. Ah! Sturi. Est-ce qu'on parle d'un championnat du monde reconnu? Oui. Sturi.
Je peux faire une proposition? Tu peux faire une proposition. Eh, tu peux prendre plus ton temps entre ta question et la proposition? Histoire qu'on soit pas couché avant mardi? C'est les règles, Rabbi, excuse-moi, mais je respecte les règles. Est-ce qu'on parle de jours détenus de champion NWA de Nick Aldis? Exactement, exactement, Sturi. Ouais. Aujourd'hui, Nick Aldis est le 11e du classement du plus grand nombre de jours cumulés en tant que champion NWA. Bravo à Sturi. Qui. Oui, bah quoi, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Arby? Comment il trouve ça? On commence à me dire qu'il n'y a pas eu de triche là. Arrêtez. 3 à 2. Attends, dans sa question, on sent que c'est un champion actuel. C'est juste que c'est pas un champion actuel WWE. J'ai dit 8 mais on fois, parle la statistique actuel. Est en cours hein, quand même. Voilà, parce que la statistique est en cours et il a bien précisé au début qu'on est le 29 et que forcément donc, son règne va se poursuivre. Quoi? Tu vois, ça c'est du sous-texte, Rabi. Ça, tu n'arrives pas à comprendre le sous-texte et je pense que tu ne connais pas suffisamment bien Norbert. Avec tout le respect que j'ai pour toi, bien sûr. Mais j'ai bien compris qu'il parlait d'un champion actuel. Quand on est sorti de WWE, pour moi, je me suis dit, ok, est-ce qu'il parle du autre compagnie? Et là, je me suis dit, mais que regarde Norbert? Norbert, regardez un peu Ring of Honor, New Japan, All Elite Wrestling, et il s'intéresse aussi à NWA parce qu'il aime bien Nick Aldis. C'est vrai, toi. J'adore Nick Aldis. J'adore Nick Aldis. Et il y a le CMLL, oui. De temps en temps, quand ils font pas trop les cons là avec les luchas de Apuestas et tout ça. Non, c'est super, c'est le meilleur truc de CMLL, les luchas de Apuestas. Les luchas de Apuestas, c'est ce qu'il y a. Tu connais bien Norbert, mais, hein. Mais qui est con, quand, hein. quand je lui ai dit les championnats du monde reconnus. Eh ben, t'enlèves tout. Quoi? T'enlèves tout. Mais quoi, t'enlèves tout? Mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux pas dire que t'allais chercher sur Google? C'est bon, dis-le, c'est pas grave. Ah non! AJ Styles, est-ce que son règne, est-ce que IWGP Heavyweight est reconnu comme. Mais par qui? Non, mais comme un championnat du monde reconnu. Est-ce que le New Japan est reconnu comme un championnat du monde reconnu? Bah, quand même, excuse-moi. Eh oui! Ah, je sais pas, mais j'ai pensé à NWA direct en fait. Mais très bien. Et donc c'est. Et ton explication, elle est foireuse. Franchement, moi j'ai envie d'enlever le point. Oh là là. Titre de ta sextape, Rabi. Ouais. Non, alors par contre, cela dit, je tiens à dire officiellement et on the record que je n'aurais jamais trouvé. Voilà. Bien, très bien. Carton bleu pour Rabi. Beau carton bleu. Aucun regret, mais alors l'explication de sac de Sturi me fout quand même les nerfs, alors que j'aurais jamais trouvé. Oh, Rabi, j'ai trop réfléchi à une bonne réponse et malheureusement j'ai donné ma bonne réponse et voilà, ce qui fait que j'ai désormais 3 points et toi tu n'en as que 2 parce que la question c'était, elle concernait Nick Aldis et que Nick Aldis et tout ça. Oh là là, est-ce que vous passez un bon moment? Bonjour, je suis un robot, comment allez-vous? Rabi, 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 alerte Rabi, alerte Rabi. Le seum est présent. Ouh là là, ça sent le seum, Rabi. Ça sent le seum à plein nez. Qu'est-ce qui se passe, Rabi? Rabi, ne pleure pas. Je pleure, je suis Rabi, aïe aïe aïe. Je pleure, je vais pas m'en sortir. Je vais malheureusement perdre ce soir au Lanip au feu, Norbert Invitational, parce que, ouh là là, ouh là là, Sturi est tout seul. Rabi, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est Rabi. Je suis seul. Personne ne croit en moi. Personne ne pense que je vais gagner ce soir au Lanip au feu, Norbert Invitational. J'espère en tout cas que Sturi ne va pas me mettre une fessée trop fort devant tout le monde. Ouh là là. Allez, rentre chez vous, là, c'est terminé, là, tout le monde rentre chez soi, là, on va laisser Norbert et Rabi continuer leurs affaires. Si tu veux gagner, on peut arrêter les jeux, là, on va juste faire le débat pour la fin de la soirée. Tout va bien se passer, je répète, tout va bien se passer. Voilà, est-ce que ça va? C'était un message qui était délivré par le... Là, je suis dégoûté parce que ma copine, elle a raté le meilleur moment de l'émission, elle n'avait pas les écouteurs. Ah, attends, Rabi, j'ai quelqu'un pour toi. Allô, ouais. Allô, allô, allô. Ouais. Salut Rabi, c'est Sturi à l'appareil. Apparemment, t'es en PLS, c'est vrai? En PLS de quoi? Attends, parce qu'il a même, dit ça. Mais même le chat l'a dit que t'avais triché. Arrête. Et franchement, arrête. Parce que là, c'est en train de m'énerver. En plus, je vois Norbert fumer. Moi, je peux pas fumer. C'est très dur pour moi, là. Ok? Bien. Ok? On va continuer avec le Norbert Invitational. Cinquième question. Ok. Sturi, tu gardes ou tu prends? Tu mènes 3-2, je te rappelle. Ok. Je garde la main. Bien sûr.
Et ça étonne qui ? Personne. Qu'est-ce que Rey Mysterio, Fit Finlay, John Cena et Chris Benoit sont les seuls catcheurs à avoir fait ? Je répète, Sturi. Qu'est-ce que Rey Mysterio, Fit Finlay, j'ai oublié, Rey Mysterio, Fit Finlay, John Cena et Chris Benoit sont les seuls à avoir fait ? Est-ce que c'est en lien avec Booker T ? Non, monsieur. Est-ce que tu peux répéter les noms des catcheurs ? John Cena. Oui. Rey Mysterio, Fit Finlay et Chris Benoit. John Cena, Rey Mysterio, Fit Finlay et Chris Benoit. Eh ben. Putain. Ça s'est passé chez WWE. Oui. Mais en même temps, je suis trop con. Il y a John Cena, il a catché où ? Bon, on l'oublie cette question. Voilà, non, c'est non, bon. Non, ça se tue. Non, mais si, si, non, mais elle compte. Mais je ne l'ai jamais posée. Non, mais alors. Bon, très bien. Oh putain. Ce sont les quatre adversaires solo de John Bradshaw Letfield à WrestleMania. Bravo, Sturi. Quel point extraordinaire. Ah, bravo. Bravo. Incroyable. Oh la vache. Oh, ce sont les quatre seuls catcheurs à avoir affronté JBL en single à WrestleMania. Sturi mène 4-2. Quel point incroyable. Ça a été trouvé bien avant, direct par Samy sur YouTube. Bravo à Samy. Un gros bravo à Sturi. 4-2. Extraordinaire. J'en viens pas. Rabi, ça va ? Ça ira mieux dans quelques instants. Ouais. Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur le hashtag Feuillant Live, mon Sturi, s'il te plaît, avant de continuer ? Alors, je suis désolé, mon Rabin. Cette victoire. Vraiment. Quelle victoire ? Rabin est parti. Hein. Quel point, pardon ? Rabin, il est parti prendre... Ah oui, non, mais alors celle-là... Ah oui. J'étais là, je me disais, mais... On a parlé en plus il n'y a pas longtemps, tu avais reparlé de ce match entre Chris Benoit et John Bradshaw Letfield qui m'avait totalement échappé à WrestleMania. On en a parlé la semaine passée, oui. On en a parlé la semaine passée et j'étais autour du championnat des États-Unis et j'ai pensé justement à Chris Benoit pour ça. Et John Cena, c'était l'élément qu'il n'y avait pas. Parce que John Cena, il n'a pas affronté JBL pour le championnat des États-Unis. Non. Mais ils se sont tous affrontés à WrestleMania avec JBL. C'est arrivé un petit peu comme ça de brick et de broc. J'ai un bon coup de chat quand même. Ah oui, là, c'est beau. Se remettre bien en place. Désolé, mon Rabin. 4-2. Courage pour la suite. Hashtag Feuillant Live, s'il te plaît, Sturi. Hashtag Feuillant Live. On a des trucs. Hashtag Feuillant Live. Est-ce qu'on a des choses ? Feuillant Live, meilleure émission ever, nous dit Loulou Montoya. Est-ce qu'il a raison ? Oui, je pense que c'est une de nos meilleures émissions. Oui. Ouais. Gourou nous dit, Sturi, n'arrête jamais tes changements de voix, s'il te plaît. Il n'y a aucun changement de voix. Je fais tout moi-même, comme ça. Très bien. Hugo qui nous dit, il y a clairement tricherie. Hashtag Feuillant Live, 100% soutien Rabi Menteur. Alors là, mais de toute façon, tous les gens, quand tu gagnes, les supporters de Rabi disent que tu triches et inversement, tu sais. C'est ça. C'est dur. Mais Rabi va revenir, hein, vous inquiétez pas. Il va y avoir remontada. Là, il est parti puiser de la force en lui et il va l'avoir, cette force. Je crois en lui, je crois en Rabi. Il y a Ed Kua qui nous demande quelle année JBL Finlay. C'était à WrestleMania 24. C'était l'opener du show c'est principal. Ouais. Pas mal du tout. Non, j'aime bien, moi. Avec, j'aime bien. C'était un match hardcore. Oui, exactement. Ouais, ouais. Ah, c'était une Belfast Brawl, un truc du genre. Oui, un truc du genre, ouais. Et, c'est le moment où JBL balance la poubelle sur Hornswoggle, ouais. Depuis le ring à l'extérieur, ouais. Mathieu Perry qui nous dit « Salut, mon anniversaire, c'était jeudi, j'ai pas pu vraiment le fêter, je vous remercie de nous faire rester fort. » Bon anniversaire, très bon anniversaire. Pour ceux qui ont leur anniversaire dans ces périodes pas simples et qui peuvent pas voir leurs potes, comme ils l'aimeraient probablement, donc bon courage à toutes et à tous. Hugo qui nous dit « J'ai mal à la tête, aussi. » Très bien. Attention, hein, pas de fièvre, pas de tout, fais attention. Fox hein. Melzer qui nous dit, pour l'anecdote, en décembre 2019, le chapter 100 de Progress Wrestling, c'était le dernier show, bien entendu, de Jim Smallman en tant qu'annonceur. Ils nous ont fait une reverse battle royale en hommage à cette stipulation totalement incroyable, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai. Hugo, malgré tout, qui a prédit il y a 25 minutes une victoire de Rabi par KO. Bon, Rabi qui nous rejoint. Rabi, comment ça va ?
Ah ben beaucoup mieux et bravo. Très honnêtement, bravo, c'était un superbe point. On a 4 à 2, attention, Sturi est à 3 points de la victoire. C'est le moment de passer à notre prochain Lani Pofo. Sturi, c'est à toi, on t'écoute pour l'intro. Ah ouais, pour l'intro, alors attends. Intro Lani Pofo. C'est l'heure de retrouver l'introduction du Lani Pofo, un jeu créé par Norbert Feuillant et Rabbi Mentor. À 18 grammes d'alcool dans le sang pour chacun d'entre eux, ils ont inventé ce jeu fantastique. Les règles s'affichent devant vous à l'écran, et Norbert va peut-être encore une fois les répéter, mais non, parce qu'on les a déjà dit un petit peu plus tôt dans l'émission. Rabbi contre Sturi, c'est parti pour le Lani Pofo, 4 à 2, tout le monde reste fort. Sturi, tu prends ou tu laisses la main? Je laisse la main. Nous t'écoutons, Rabbi. Actif. Non. Il est passé. Attends. Ces dernières années, je sais pas, mais il y a 2 ans, il l'était toujours, apparemment. Voilà. Alors. Il est passé par le Japon. Oui. WWF. Alors, c'est une bonne question. WWF. Oui. Oui, il bien a catché... sûr, bien sûr, oui. Pardonnez-moi. Il a déjà catché en Europe. C'est pas notoire. Sur une tournée d'une grosse promotion, oui, sans doute. Mais au sein d'une promotion européenne, je ne crois pas. Très bien. WCW. Non, monsieur. Donc, il y a bien... alors, je vais dire WWE après 2005. Eh bien, oui. Le plus gros de sa carrière, ça a été chez WWF. Tu fais une différence entre WWF et WWE ? Oui. Non. Très bien. Il a catché à la ECW, pas original. Non. Laisse-moi vérifier, mais ça ne me dit rien. Non. Donc, le plus gros de sa carrière, ça a été chez WWE. Oui. En termes de... Oui. En termes de longueur... Alors, je parle en termes de durée. Oui, en termes de durée, oui. Yep. Il a introduit quelqu'un au Hall of Fame. Non. Alors, il commence sa carrière chez WWE. Non. Est-ce qu'il a un lien avec NXT ? Aucun. Est-ce qu'il a un lien avec Ring of Honor ? Aucun. Ah. Il a catché au Japon sans être chez WWE ? Oui. Ok. C'est un fils de... De pas quelqu'un de connu. Oui. Non, c'est pas un fils de, non. Il a remporté un championnat dans une compagnie japonaise. Il y a de fortes chances que oui. Je regarde. Je te laisse vérifier. Ouais. Ça, parce que ça, je le sais pas. Oui. Chez WWE, c'était un mid-carder. Oui. Chez WWE, c'était un mid-carder. Ok. Il a été managé par une femme ? Il me semble.
Il me semble. Le... Si j'étais toi, j'essaierais de le mettre de côté pour l'instant. Il me semble que oui. Mais oui. J'ai un souvenir. Ouais, si. Ok, merci. Si, bien sûr. Oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ça m'est revenu sans que je regarde en plus. Mais ça tombe bien parce que j'ai vraiment aucune idée. Est-ce que il arrive chez WWE au milieu des années 2000? Non. Je vois la tête de Rabi qui sait pas du tout ce qu'il est en train de chercher. Je suis États-Unis. Non. Très bien. On attend le rabbin. Ah oui, fait... pardon. Je suis, j'ai été d'abord chez WWE avant d'aller au Japon. Non. J'ai bossé chez New Japan Pro Wrestling. Non. Merde. Ah si, pardon. Si. Autant pour moi. Ah bon. Et je le savais pas. Ah oui. Oh, dis donc. Eh bien oui. Oula. Ah oui, quand même. Ah, et puis pas qu'un peu, hein. D'accord. Mais non, j'avais complètement oublié ça. Eh oui. Si. Ça, c'est pas ça. Je vais pas faire de proposition maintenant. Parce que je vais beaucoup compter sur la question que va poser Rabi maintenant. Ah. Voilà. Eh bien alors. Je vais lui mettre un peu de seum aussi. Tu vas me mettre un peu de seum. Eh bien c'est super. Je faisais partie d'un clan chez WWE. Non, pas spécialement, non. Eh ben très bien. Enfin. Ah. Ah oui ou non. Alors je vais vous donner un gros indice. À une époque, tu faisais forcément à l'époque où il était. Il y a eu une époque où il était là, où tu étais obligé de faire partie d'un clan. Obligé. Merde, c'est peut-être pas le catcheur auquel oui, je pense. Tu étais obligé de faire partie d'un clan. Alors ça. J'ai fait équipe avec un Canadien. Ça me dit rien. C'est pas lui alors. Si je me trompe, pardonnez-moi, mais ça me dit rien. Pas de façon hyper notoire en tout cas, si c'est le cas. Je fais ma proposition, tant pis, elle sera paumée comme ça. Kenzo Suzuki ? Non, monsieur. Ah oui, tu pensais à René Dupré ? Oui, bien sûr. Ouais, non, c'est pas ça. Non, une proposition pour Sturie. Pas grave. Alors, très bien. Alors. Parce que là, il y a eu quelque chose d'intéressant qui a été dit. Il y a quelque chose de fascinant qui est censé éliminer Kento Suzuki, auquel je pensais aussi, mais je voyais pas très bien le lien avec une meuf en équipe. Ils n'avaient pas Tori Wilson avec eux à un moment ? Mais alors, je pense qu'on est amis. Enfin, je confonds avec pas... la Jiri, merde. Moi, je pense qu'on n'y est pas du tout là. Si on était obligé d'être en clan, c'est que est-ce que et maintenant il faut juste que je trouve. Mais il y a Raw contre SmackDown aussi, c'est il y a toujours des clans à un moment. Ça c'est de la chiasse. Non, c'est de la chiasse. Donc je suis. Attends, on a le droit de demander la nationalité, hein. Oui, bien sûr. Oui. C'est juste qu'il n'est pas américain. C'est une des failles du Lanipofo, en effet. Je suis japonais. Oui, monsieur. Alors, il y a un truc sur ce Lanipofo là, précisément ce qu'on est en train de faire, qui est hallucinant. Moi qui me tue. C'est incroyable. Je vous expliquerai après. Alors, attends, je peux... Putain, je l'ai, c'est bon.
Ah merde. Bah attends, faut... attends, alors je vais essayer de proposer quelque chose. Ouais, sauf qu'en fait... Non, j'ai rien, je vais pas faire le sac, j'ai rien. Norbert ? Oui ? Je sais ce qui te tue. C'est hallucinant. ECW original ? Bah oui, évidemment. Oui, mais Tajiri. Bah Tajiri, bah oui, une victoire de Sturi, 5-2 pour Tajiri. Mais les gars, il n'y en a pas un qui demande, est-ce qu'il fait partie de l'ECW original ? C'est quand même votre question culte. Ma question culte, ah mais oui, pour une fois, je ne l'ai pas posée pour semer le trouble. C'est le plus facile de la soirée en plus, hein, les gars. 5-2 pour Sturi Rabi, c'est chaud là. Hein. Et j'ai bien fait de ne pas la poser, je pense. Ben ouais, mais en fait, le plus gros de la carrière chez WWE, moi, c'est ça qui m'a troublé. Parce qu'en fait, pour moi, après l'invasion, il était plus over. Ben ouais, mais il était là. Hein. Mais je sais. Il a été champion par équipe avec William Regal au Japon, énorme pop et compagnie. Mais j'oublie toujours que Tajiri a fait quelque chose chez WWE post-2001. Quoi. On est bien d'accord, ça fait 5-2. Alors c'est attends. Bon. Oui, 5-2. Ok, bah, Sturi, bravo. Un petit commentaire sur... Ah, tu t'envoles, hein, Sturi. Hein. 3 buts d'écart, c'est quand même chaud pour moi, ben, ça. On était à combien la dernière fois ? 5-2 ou 5-3 ? 5-3. Ah, là, je fais un plus gros écart que la dernière fois. Ah oui. Rabi ? Vu que je te vois et que les auditeurs te voient pas, je lis un peu de seum sur ton visage. Mais au milieu de ce seum, je vois une étoile. Une étoile qui brille dans les yeux d'une fille, comme le chantait Hélène Rollès à l'époque. Ah oui, dans bon, les ça. Yeux ouais. de Rabi, il y a toujours une étoile qui brille pour mettre une branlée à Sturi. Allez, Rabi, je pense que tu vas revenir. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi, j'ai 5-2, mais j'ai envie de t'encourager parce que je sais qu'on va livrer une belle bataille pour la fin. Excusez-moi, ouais, il a fait 2 ans de New Japan quand même. Il a, Tajiri, il a fait le Climax 2009 quand même. Il fait un super J1 Climax 2009. Il y a un excellent match contre Masato Tanaka. D'accord. Au Climax 2009. Et il se fait disqualifier à chaque fois comme un con pour le Green Mist. C'est un très très bon Climax le 2009. Excellent. Makabe. Makabe à la fin, bien sûr, oui. Togi Makabe. Il a été partenaire avec Tanahashi aussi dans une tag league, il me semble. Je crois que c'était en 2010, oui. Peut-être. Bien. Bon, Rabi, ça va ? On se lance ? Je sais pas. Tu sais pas ? Il faut que je me remette là. Ah bah oui, il faut que tu te remettes là. On va passer un petit peu d'invitational là. Hein ? Oh là là. Direct là. Après, on reviendra à quelques petites questions d'actu. Il y a un vrai ou faux qui m'a été suggéré par un de mes followers sur Insta l'autre jour pendant mon Q&A feuillant invité de type Chanel. Sturi, tu prends ou tu laisses la main ? Je vais laisser la main à Rabi. Parce que t'as pitié, franchement, c'est triste. C'est pas parce que j'ai pitié. Un peu. Rabi. C'est que j'ai envie de t'écouter un peu. Rabi. C'est gentil. Attention. T'embrasse, Rabin. Quelle chose banale, finalement devenue historique, a réalisé, a fait, on devrait dire, je vais reprendre. Quelle chose banale, finalement devenue historique, a fait Brian Blair, vous vous souvenez des Killer Bees, hein, le 10 août 1977. Rabi. Vous pouvez le trouver, ça fait peur comme ça, mais ça se trouve. Quelle chose banale, finalement historique, a fait Brian Blair le 10 août 1977. Il a battu Hulk Hogan. Eh bien, c'est une victoire. La vache ! Je vais l'accorder à Rabi. Je vais l'accorder à Rabi, c'est le premier match d'Hulk Hogan. Le premier match d'Hulk Hogan. Le 10 août 1977 face à Brian Blair. Alors ça... Alors celle-là, elle est belle. On est d'accord, on lui accorde Sturi quand même. Parce que je lui donne. Là, arrivé tout de suite à Hogan quand même, 5-3. Pour Rabi, Rabi, c'était un coup de chat ou c'est... Non, c'est que je tape très vite sur Google. Non, non, en fait, c'est le banal mais historique, quoi. Ouais. 77, bon, voilà. Oh, dis donc. Je pense que t'allais pas parler de San Martino spécialement, le truc comme ça, donc bon, Hogan, quoi. Voilà. Putain, ce vieux Rabi qui nous sort des stats sur 1977, quoi.
Brian Blair, le meilleur ami de l'Iron Chic. Ils n'arrêtent pas de s'en mettre plein la gueule, Brian ouais. Blair et l'Iron Chic. Il le déteste, c'est un truc de fou. Chicky Baby. Qu'est-ce qu'il a fait, Brian Blair, au Chic? Je sais même pas d'ailleurs. Je sais même pas pourquoi ils s'en veulent à ce point-là. J'en ai sacrément aucune idée. Hein. Voilà. Et Brian Blair et le Chic, c'est une grande histoire d'amour. Bravo! Bravo, allez. Il y a le chat YouTube qui est bien frais pour toi, mon cher Abby. Hein. Allez, ce que tu mérites, 5-3, la remontada, les gens qui avaient mis de l'argent sont en train de recroire en toi. C'est joli, c'est très joli, un beau 5-3. Ça fait quand même, c'est ma deuxième réponse où je réponds direct. C'est vrai. Direct. C'est vrai. En fait, c'est je sers à rien pendant les 90% de l'émission, mais tu vois, c'est ce genre de joueur qui est plutôt moyen sur un terrain de foot, mais qui va marquer des buts de 35 mètres. Mais c'est tout moi. Voilà. Putain, il y avait un bon tireur de coup franc à l'époque en championnat anglais. Mec avec un bon pied gauche, j'ai oublié son nom. Ouais, c'est pas le roi, il n'y avait pas un le roi qui jouait à ce moment-là. Championnat anglais, bon pied gauche, tirait des coups francs, Je sais pas, il y avait Graham Le Saut, mais je sais pas s'il tirait des coups francs. Parce que j'aime bien ce nom. Je crois que c'est Le Saut. Bon, bref, je sais pas. Il joue à Newcastle, un Français. Laurent Robert. Laurent Robert, bah, je cherchais pas le. Laurent Robert, voilà. Joueur moyen, mais capable de te mettre une frappe des 35, ouais. Oui. Oui, mais après, il avait joué au PSG, il avait fait Montpellier, PSG, Newcastle, je crois, un truc comme ça à l'époque, où Newcastle allait. Acheter tous les joueurs français, plutôt moyen. Ouais. Tu es Giroud, Rabi. Alors, merci Vicious Goldino, je suis Giroud, quoi. Alors, sur le chat, il y a deux écoles. Hein. Il y a des gens qui disent que ça devrait valoir 2 points, ce qu'on vient de voir. Ou il y a des gens qui pensent, comme Sully Perfecten, par exemple, que le point est généreux. Bon, ben, c'est comme ça. Hein. Eh ben, pour balancer Hogan, généreux. Non, franchement, on peut pas faire quoi que ce soit après. Il a mis la piste Hogan. Et dans les yeux de Norbert, ça aurait été ingérable. Donc, vaut mieux lui donner là maintenant. Dans cette situation-là où c'est 5. Et c'est 5-3. Le New Story Order, là, les supporters de Story sur le chat. 5-2, 5-3, ça change quoi? Vraiment. Tout. Je parle pas à Rabi et à Norbert. Là. Ça change quoi, les mecs? Bien, ça va. C'est pas la mort. Bon, allez. Hein. 5-3, on lui fait plaisir. On le laisse revenir un petit peu dans c'est le jeu. C'est pas beau, ça. C'est bon. Pas beau, Story. C'est pas beau. Je vous ai dit de pas m'écouter. Oh. Bien. Vas-y, encore Norbert, invitation. Ouais, Norbert, invitation, 7e question. Rabi, tu laisses ou tu prends la main? Je prends. Alors, je crois que la formulation. Ok. Une belle formulation. Un record de 14 ans a pris fin. En 2017, de quoi parlons-nous, Rabi? Je suis toujours là, hein. Je réfléchis juste. Un record de 14 ans oui. En 2017, donc 2003. Le record datait de 2003. Très bien. Record qui datait de 2003. Alors, est-ce qu'on est chez WWE? Oui. Story. Est-ce que c'est un record qui concerne des femmes? Non, Story. Donc, on va partir. C'est le record. On nous demande le score, je rappelle qu'il est de 5 à 3 pour Story. C'est un record dans le pourcentage de victoires télévisuelles. Non. Et donc, mais je propose quand même. Bon. Vas-y, fais ton plaisir. Non, je propose pas, hein, je suis pas fou. Bon, à vous, monsieur Philippe. Un record de 14 ans qui prend fin en 2017. Est-ce que c'est une stat qui incombe à un championnat de WWE? Oui, Story. Tu fais quoi?
Sturie, tu fais quoi? Je pense que il va falloir que je remette bien les stats en ordre, mais je crois, Rabi. Quoi? J'ai une de ces passes décisives à te faire. Mm-hmm. Tu sais quoi, je vais te la faire. Bah, parce que je sais de quoi on parle. On parle. Non, je ne vais pas faire de proposition derrière, je vais poser une autre question. Mais je sais de quoi on parle. C'est extrêmement frustrant parce que je ne saurais pas dire avec précision. Pas de proposition? Pas de proposition. Rabi. C'est le New Day qui bat le record de mes couilles. Ok, non, c'était le record de Demolition, non? Non, c'est pas ça. Ouais, non, c'est pas ça. Oui, non, mais voilà, donc j'y étais pas. Donc en 2017, je sais pas. Non. Donc tu vois, pas de passe d'ess. Moi, j'étais sur New Day qui avait eu le record de championnat par équipe et une semaine plus tard, il avait perdu à Raw. C'était juste histoire de leur faire le record et puis après, bon, c'est bon. Ça saoule. Donc voilà, autant pour moi. Mais je sais plus les années là, depuis 3 ans, je sais plus. À vous, Sturie. Ouais. Norbert, est-ce que ce record est inhérent à un championnat et à un pay-per-view du Big Four? Non. Ah d'accord. Pas de proposition. Alors moi déjà inhérent. qu'est-ce que c'est que ce mot? Alors, très bien. Oh putain, je l'ai. Bah, tu te calmes. tu m'as fait gagner peur là déjà. Oh, je pense l'avoir. Le problème, c'est 2007, c'est pas 2003. Hein. Ah, non, enfin 2017, pardon. 2017. Oh la vache. Qu'est-ce qui s'est passé en 2017, quoi? Rabi, te loupe. Mais alors, je me loupe pas. Ah, il s'est passé pour toi un gros truc, hein. Ouais, c'est problème. En 2017. Ah ouais. Chez WWE, il s'est passé un gros truc en 2017. Ah oui, là, quand même, ouais. Ah ouais. Ah oui. Attends. Est-ce que c'est un truc à voir avec WrestleMania? Et non, mais je dois beaucoup à cet événement, moi. D'ailleurs. Ah bon? Tu dois beaucoup à quoi? Ah oui, quand même. Ce truc-là qui s'est passé en 2017. Tu dois beaucoup à cet événement? Ah oui. Ok. Rabi, t'as une proposition à faire? T'as entendu ma question ou pas? Non, je l'ai pas entendu, excuse-moi. Ah, est-ce que c'est un rapport avec WrestleMania? Non, pardon, non, pas rapport avec WrestleMania. Non, mais je sais pas. Non. Qu'est-ce que Norbert, il devra à cet événement? Mais j'en sais rien, j'essaye de me rappeler en fait, 2017, attends, c'était quoi, WrestleMania 33? C'est ça? C'est le 33, ouais. Norbert? Oui. Tu dois beaucoup, c'est parce que t'as créé le Norbert Feuillant is not amused à partir de ça? Exactement. Ok. 14 années, c'est le nombre d'années qui sépare deux règnes. Oui. De champion du monde WWE. Oui. Et on parle des règnes de monsieur Bill Goldberg. Quel beau point par Sturie, bravo Sturie qui touche du doigt la victoire 6-3. C'est le record du plus grand écart entre deux règnes de champion du monde chez WWE pour un catcheur, Bill Goldberg. J'ai fait la réalité économique après cette victoire et c'est de ça que sont nés les Norbert Feuillant is not amused. Oula, je vois la tête de Sturie, il a l'air dégoûté pour Rabi, quoi. Aïe, 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 ça le gêne d'avoir gagné, Sturie. Désolé, le gêne. Je peux même pas faire « Oh là là, Rabi, tout ça ». Non, je me sentirais mal de le faire. Donc, je vais même pas le faire. Alors après, par contre, après, cela dit, c'était le record, il est tombé en 2000. Il datait de 2003? Non, non, c'est-à-dire, en fait, c'est parce que la question, j'ai pas compris la question, alors. Le plus long écart entre deux règnes de champion du monde. Oui, mais la question, c'était quoi? La question, c'est... Repose ta question, Norbert, parce qu'avant, c'était Hogan, hein, on est d'accord. Un record de 14 ans qui a pris fin en 2017, de quoi parlons-nous? Parce que l'ancien détenteur du record, c'était...
C'était Hulk Hogan. Ça, j'en sais rien. Il y a Backlund qui est pas loin aussi. Hein. Backlund doit pas être loin non plus. Ouais, il y a Backlund qui est pas loin. Mais c'est l'écart entre les deux règnes. La question, vas-y, repasse ta question, Norbert, quand même. La question, c'était, un record de 14 ans a pris fin en 2017. De quoi parlons-nous? Il a pas pris fin. Bah, il s'arrête, quoi. Enfin, voilà. Un record qui a pris fin. Je suis d'accord, ça fait qu'il y a un record qui a pris fin. Mais c'est pas un record de 14 ans. Parce que le record précédent, il faisait pas 14 ans. Bah là, c'est le plus grand écart. C'est le record des écarts, quoi. Donc, c'est pas un record de 14 ans. Bah, c'est le nouveau record, c'est 14 ans, mais le record n'est le report qui a pris. Ah, le record qui a pris fin n'est pas de 14 ans. J'ai peut-être mal formulé. Et je plus sois sur Rabi là-dessus. Mais Rabi, il a figé là, il est plus là. Rabi, il a figé ou il réfléchit? J'ai l'impression qu'il a figé. Parce que s'il réfléchit, le mec respire pas quand même quand il réfléchit, quoi. Oh, monsieur. Rabi est pas là. Est-ce que vous êtes figé, est-ce que vous êtes plus là? Rabi, oui, d'accord. Oui, on t'a, allô, on t'a oui, plus ou moins donné raison, que Rabi. Qu'est-ce qu'on fait sur ce point-là alors? J'ai rien entendu. Moi, j'ai rien entendu. J'ai posé ma question. Oui, oui, et mon Skype, il a fait fuck oui, it. En gros, ma question était sans doute mal formulée. Donc, vous allez décider, vous, si on annule le point ou si on le garde. La question est peut-être mal formulée, selon moi. Rabi. Moi, j'étais parti sur un record qui datait de 2003 et qui s'est pété en 2017. Je pensais pas que c'était un truc comme ça. Mais après, si Sturie a trouvé, c'est peut-être que je suis un peu con-con. J'ai trouvé avec une question mal formulée. Ma question n'était pas hyper bien formulée. En revanche, Thury l'a trouvé. Donc. Bah, c'est ça. Mais après, je sais pas. C'est vous qui décidez. Et tu sais quoi? On laisse décider le chat. Je fais un sondage parce que le chat, je peux pas compter. Donc, je vais faire un sondage sur mon Twitter, @NorbertFeuillant. Et je vais partager le lien du Twitter pour les gens. Ouais. Je vais faire un sondage. Le hashtag Feuillant. Annule-t-on le point remporté par Sturie? Je suis d'accord avec toi, Rabi. Parce qu'on est d'accord qu'en 2003, il n'y a pas de record. Non, il n'y a pas de record. Enfin, si, le record. Il commence, quoi, voilà. Il commence, voilà, c'est ça. Il commence, tu vois, c'est parce que. Mais le précédent, par contre, c'est une bonne question. Est-ce que c'est Backlund? Backlund, il perd contre quand? Contre le Iron Sheik? C'est en 84, 83? 84, il attend 10 ans, donc. Il attend un peu plus de 10 ans. Il le reprend en 94. Ouais, mais cela dit, il est champion. Parce que si on. Alors, Mark Goldberg, il le gagne et il le perd dans la même année, oui. Ouais, mais donc il parce dure. Parce que si on parle de gagner, par contre, il le gagne quand? En 79? La défaite? Entre deux règnes, en fait. Ah, par contre, ouais, c'est 79 à 85. Si, je pense que c'est l'écart entre. T'as pas été champion pendant cette période-là. Ouais. Ok, le sondage est sur Twitter, @NorbertFeuillant, j'ai oublié de mettre le hashtag Feuillant Live, c'est @NorbertFeuillant. Annule-t-on le point remporté par Sturie Kane sur la question peut-être mal formulée du Norbert Invitational? Vous avez oui ou non? Oui, on annule le point de Sturie, non, on garde le point de Sturie. Vous avez 15 minutes avant qu'on revienne au Norbert Invitational. Si on annule pas le point, c'est 6-3 pour Sturie. Ouais, c'est mal barré si on annule pas le point, mais cela dit, ouais, j'ai vraiment pas compris la question. Bien! Mais cela dit, si Sturie a trouvé, yeah, mais il a trouvé avec ton Norbert Is Not Amused là. Moi, je me rappelais plus, moi, que c'était ça. Je me suis dit, putain, merde, attends, oui, j'ai écouté et tout. C'était quoi le premier? Putain, je me rappelle pas. Quelle chiasse. @NorbertFeuillant pour voter. Vous avez 14 minutes. Bien! Il y a Meltzer qui a sorti sur le Wrestling Observer la liste des meilleurs. Enfin, il a compilé et fait des stats avec un système de points sur les catcheurs de la décennie 2010-2019. Ah oui, j'ai vu. Ouais. On va pas. Bon, alors je sais Okada et Tanahashi hein, qui raflent absolument tout. Mais il y a un catcheur qui est bien classé, c'est CM Punk. Qui est très bien classé, 9e, alors je vais ouvrir la boîte de Pandore, hein, je vais parler de CM Punk, hein, c'est un truc quoi. Hein. Classé 9e sur le Ric Flair Lutez Award, donc de meilleur catcheur de la décennie, 9e. Selon le système de points et les votes, c'est 10 années en question. Il est également bien classé pour le Most Outstanding Wrestler, donc le meilleur catcheur dans le ring, à
la 12e place, c'est pas mal du tout. Catégorie remportée par Kazuchika Okada. Il est bien classé pour le Best Box Office Draw, il est 14e, donc meilleure attraction. Et il est bien classé aussi pour le meilleur en interview, puisqu'il est 3e derrière Conor McGregor et Paul Heyman. Et dans les plus charismatiques, il est 9e. Tanahashi et Nakamura sont les deux premiers. Il y a un de mes followers sur Instagram, parce que je fais des Q&A récemment, mon Insta c'est Norbert Feuillant, je fais des Q&A régulièrement, pardonnez-moi, qui me demande, alors c'est mon vrai ou faux, hein, c'est Rabi qui va répondre en premier, répondez sur le chat également. Alors il avait dit, dans sa question, si on enlève son règne d'un an, je ne vais pas enlever son règne d'un an de la question, je vais vous poser la question suivante, la carrière de CM Punk chez WWE est surcotée, Rabi, vrai ou faux? Faux. Sturi, la carrière de CM Punk chez WWE est surcotée. Vrai ou faux? Faux. Très bien. Rabi. Donc tout le monde est d'accord. Dites-moi sur le chat si vous trouvez c'est vrai ou faux. Rabi. Après, surcoté, je sais pas. En fait, sa carrière chez WWE n'est peut-être pas surcotée, mais son impact dans le monde du catch l'est peut-être. Très ça, bien. Par contre. Oui, on t'écoute. C'était, il n'est pas mort, hein, mais ça fait quand même ça fait plus de 6 ans qu'on n'a pas vu catcher, il me semble. C'était Royal Rumble 2014, c'est ça? C'est ça. Il se barre, hein, ouais. Il a été très mal utilisé, je trouve, quand même par WWE. Avec du recul, ils auraient pu faire beaucoup plus en 2011. Ils ont peut-être gâché un sous Steve Austin. Je dis pas qu'il aurait atteint les sommets d'Austin, mais il aurait pu faire quand même beaucoup mieux. Mais je pense qu'on, par exemple, le meilleur en promo, troisième, c'est ça? Il est troisième sur les promos? Oui, derrière Heyman et McGregor. Faut être sérieux quand même. Après, c'est toujours subjectif, hein. Mais c'était un excellent promo guy. Mais Jericho, il a quand même. Je suis étonné de ne pas voir Jericho justement dans le ouais. Je vais vous dire où Jericho. Il est Jericho. Je vais vous dire où il est. Jericho, par exemple, il a enterré CM Punk. Je veux dire, CM Punk, on se rappelle pour la shoot. Il l'a surtout fait cette année, hein, entre 2010 et 2019. Jericho, c'est après la storyline avec Michaels, par exemple. Hein. Non, mais même en interview, son segment avec Kevin Owens, ses interviews, elles ont toujours été cool. Même pendant son programme avec CM Punk, qui était un petit peu bizarre, avec le truc de l'alcool et de l'alphabet à l'envers, et trucs comme ça, ça valait ce que ça valait. Jericho, il a toujours été solide en promo. Il a réussi toujours à se réinventer avec le hit. Avec le Stupid Idiot, avec la liste de Jericho, en promo, il a toujours été divertissant, je trouve, peut-être plus que CM Punk, où on se rappelle effectivement des signatures de contrat avec Vince McMahon, peut-être avec Triple H et trucs comme ça. On se rappelle de la shoot, entre guillemets. La pipe bombe, oui. Voilà, la pipe bombe. Mais cela dit, après, il était très correct, mais. Il est peut-être surestimé parce que, comme on dit en anglais, « absence makes the heart grow fonder ». C'est moins tu vois les gens, plus tu les aimes et plus tu as des souvenirs, tu vois, tout d'un coup. Tu vois, je sais pas, par exemple, si tu vois pas Kevin Nash pendant 5 ans, tu vas te dire « il n'était pas non plus un catcheur si horrible que ça ». Et cela dit, je trouve pas que ce soit le pire catcheur de tous les temps non plus, Kevin Nash. Alors le classement, pardon Arabi, excuse-moi, je crois que tu avais fini. Non, mais tu vas avoir un match de Kevin Nash et finalement tu vas faire. C'est bien ce que je pensais. Ouais, deux. Voilà, deux. Avant de donner la parole à Philippe. Le classement pour les best en interviews. Donc, en fait, il a pris les vainqueurs, les 10 premiers chaque année de 2010 à 2019. Il a donné. Il a fait un système de points, voilà. Parce qu'il voulait récompenser Meltzer. Autant les gens. Parce qu'il trouvait ça, il a raison. Plus prodigieux d'être 10 fois dans le top 10 sur 10 ans plutôt qu'être deuxième une fois, par exemple. Donc sur le classement établi, on a Cena en 10, John Moxley en 9, c'est étonnant, il n'y a que 5 points d'écart entre les deux. Daniel Bryan en 8, alors c'est des votes de fans qui ont duré 10 ans, là, comme ça, parce que là tu dis lol, mais il y a un gros point lol après. Daniel Bryan en 8, le Miz en 7.
Ça, c'est encore toujours un mystère pour moi. Enfin, bon, bref, ça n'engage que moi. Cherche pas, Talking Smack. Ouais, mais moi, je te jure. Alors, après, le Miz n'a remporté jamais cette catégorie de 2010 à 2019. Daniel Bryan l'a remporté une fois. Cena, 0 fois. Moxley, 0 fois. Le Miz, 0 fois. Daniel Bryan, une fois. En 6, c'est Chael Sonnen de l'UFC que j'adore. Hein. Lui mérite même d'être plus haut, je pense. Il a remporté une fois cette catégorie-là. Kevin Owens, en 5. Bon, et Jericho en 4, puis Punk, McGregor et Paul Heyman. Voilà, Rabi, la réponse que tu attendais. Stewie, est-ce que la carrière de CM Punk est surcotée chez WWE? Tu as dit faux. Attends, John Cena est où? 10e. Oh, ça me choque par contre. Ouais, John Cena 10e, 44 points. John Moxley 9e, 49 points. Daniel Bryan 8e, 55. Et le Miz 59, 7e. Non, mais c'est là où tu vois, excuse-moi Sturie, je dis juste ça, c'est là où tu vois que John Cena quand même a subi son manque d'amour vis-à-vis des fans pendant une bonne partie de la décennie. Attention, il a été absent quand même pas mal en fin de décennie. Il a été absent pas mal en fin de décennie. Alors ça explique pas que Moxley soit devant lui, mais ça explique que lui soit peut-être 10e, hein, John Cena. Parce que par exemple, t'as The Rock qui est quand même là, hein, en 11e derrière John Cena, à un point de Cena. Bon, après, c'est parce que lui, il marche sur tout le monde. Il est là une année, il est meilleur que tout le monde dans la décennie, presque. Mais franchement, John Cena en 10, Moxley et même Bryan, avec tout l'amour que j'ai pour Daniel Bryan, même pour Daniel Bryan. John Cena, il a été souvent pas terrible en promo, mais quand même, 10e. Ça reste rude. C'est un promo guy, hein, Bryan, Cena. Il est quand même capable, tu vois, de donner le ton, de donner l'énergie, de donner la force dans ses trucs. Il a toujours une délivrée assez chouette. Après, c'est sûr qu'il n'a pas l'acting, mais il en faisait des caisses. Le mec avait un mauvais acting, mais volontairement dans le catch. C'est ça aussi qui fait un peu son côté kitschouille et son côté super-héros à la Hulk Hogan des années 90, quoi. Ouais. Alors, donc, Punk est combien, t'as dit ? CM Punk, il est troisième. Troisième. Derrière, alors, je parle en. Là, je te parle des promos. Hein, ouais. Des promos et en overall, donc catcheur de l'année, tout ça. CM Punk, il est 12e, je crois, ce qui est pas mal, franchement. En 1, c'est Tana. En 2, c'est Okada. En 3, John Cena. En 4, AJ Styles. En 5, Kenny Omega. En 6, Shinsuke Nakamura. En 7, Jericho. En 8, Daniel Bryan. En 9, Punk. Pardon, en 9e. 9e, c'est beau, hein. Et en 10, Kento Miyahara. Je trouve que c'est un beau classement. Je trouve que c'est un classement plutôt logique. Hein, qui est plutôt pas mal. En overall, CM Punk est 9e. En outstanding, donc meilleur catcher in-ring, il est 12e. C'est Okada qui est numéro 1. En promo, on vient de le dire, il est 3e. Et en attraction, box-office draw, 14e. Mais il est quand même présent beaucoup. Hein, CM Punk, après, il y a une autre stat, moi, qui me fascine. Dans ce classement, on n'y reviendra pas, juste le dire, je trouve ça étonnant. Dans le meilleur brawler, donc c'est Ishii en 1, aucune surprise. Hein. En 2, c'est Kevin Owens. Kevin Steen, voilà. Et en 3, Shibata. C'est quand même étonnant. Bon bref, est-ce que la carrière de CM Punk est surcotée chez WWE? Sturi, c'était la question. Tu as dit non. Non, absolument pas. Parce que même avant toutes ces histoires de pipe bomb et compagnie... Je trouve qu'il a toujours été correctement évalué. C'est sûr que tu arrives à un effet où Punk venait de terminer cette année où il avait feudé avec Rey Mysterio super bien. C'est juste avant la blessure, tu vois, où il met les jackets et qui va commenter NXT et qui se fait renverser son Pepsi, tout ça juste avant de prendre la Nexus. Voilà. Je vais mettre avant là, avant qu'il crée la nouvelle Nexus, toute son année auparavant. On était dans un CM Punk qui venait de se faire raser le crâne, qui était en feud avec le Big Show, tout ça. Mais CM Punk, il en était déjà arrivé à un point dans sa carrière où tu as peu de catcheurs que tu peux mettre dans cette catégorie. Le mec peut perdre des matchs sans que ça gâche quoi que ce soit à son momentum et à qui il est, tu vois, dans le milieu. Et il en était à ce stade-là, CM Punk. Il pouvait perdre des matchs, il pouvait perdre des rivalités. On s'en foutait, ça n'allait pas l'heurter, ça n'allait pas frapper son image. C'était un très solide upper mid-carder. À un moment, en effet, il y a eu ce stop, il y a eu ce ras-le-bol, il y a eu cet effet aussi des fans qui ont été aussi vocaux à son sujet parce qu'ils en avaient bien conscience que Punk était le meilleur à plein de domaines, qui voulaient le voir gagner des matchs, justement, et ça fait le super surf sur lequel ils ont dit « j'ai pas signé mon contrat, je fais mon chantage, et hop, on va lancer quelque chose de nouveau dans le milieu ».
Mais même juste avant ça, je trouve que le mec est déjà très très bon, très établi au sein de WWE. C'est une superbe main. Alors en effet, on sait backstage, on sait qu'en dehors des caméras, le mec était dans une position où il était méga frustré d'être le meilleur heel de la compagnie et de se voir prendre son spot par le Miz à WrestleMania 27. Ça aurait dû être Punk à WrestleMania 27. C'était lui le plus gros heel. Le Miz était devant lui sans être le même bosseur que, qu'était Punk. On a peut-être raté quelque chose à ce moment-là et c'est peut-être ça qui a créé cette espèce de frustration, mais pour moi, pas du tout. Dire qu'il est surcoté, ce serait dire qu'il était que finalement Punk est un overachiever. Rabi, tu soutiens ce truc de Sturie, pas ce truc de Sturie, pardon, c'est Sturie qui l'a évoqué. Est-ce que tu soutiens Punk? On en a déjà parlé beaucoup dans nos émissions par le passé. C'est un sujet, évidemment, c'est la boîte de Pandore, comme je le dis. Que c'est lui qui aurait dû être à la place du Miz, avec le recul là, maintenant en 2020. Ouais, il y a 12 000 personnes qui auraient dû être à la place du Miz. En 2011, faut être sérieux. C'est-à-dire que tu aurais même foutu Kofi Kingston, c'est, à l'époque, ça aurait été plus... Je veux dire, quand t'as le choix entre CM Punk et The Miz et que tu prends The Miz, c'est qu'il y a... Il y a quand même un énorme souci dans ta promotion. Et encore une fois, j'ai rien contre The Miz. Mais faut être sérieux. C'est... Voilà. CM Punk ou The Miz, c'est même pas qu'il y en a un à préférer ou pas, c'est qu'il y en a un qui fait des meilleurs promos, qui fait des meilleurs matchs. Après, il y en a un qui est plus corporate que l'autre. Voilà. Donc après, il faut juste voir où vont les priorités de WWE, encore une fois. j'en reviens à Sami Zayn, une fois n'est pas coutume, mais Sami Zayn, au niveau des promos, c'est un des meilleurs de la compagnie. Au niveau des matchs, c'est un des meilleurs de la compagnie. Au niveau de la psychologie, dans tout, c'est un des meilleurs de la compagnie. Mais bon, bah, il est roux, il a la barbe et puis il a une gueule qui est... Voilà. Et à côté de ça, et j'adore Roman Reigns. Je serai toujours un grand défenseur de Roman Reigns parce que je trouve que c'est vraiment un bon catcheur WWE, un très bon catcheur WWE. Et je serais curieux d'ailleurs de le voir dans d'autres promotions. Mais quand t'as Roman Reigns d'un côté et que t'as Sami Zayn de l'autre, bah oui. Eh ben, il y en a un qui a les cheveux longs, qui est beau, qui a les beaux yeux, qui se met des petites lentilles, qui a la jolie barbe, qui a un gros tatou, voilà, il est glamour. Et puis, t'as l'autre roux juif, là, le juif arabe roux, Sami Zayn, le truc, tu comprends pas, québécois en plus, là, tu fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, voilà, ça a toujours été comme ça. Je pense que The Miz, il passait mieux à la télé, dans les talk shows et les trucs comme ça, que CM Punk. Il faut se rappeler de la... Et je finis juste là-dessus. Il faut se rappeler de la promo de Triple H à l'époque où DX était en feud avec la Strategy Society, mais viteuf, juste viteuf, il y a un truc comme ça, où Triple H avait dit à CM Punk à l'époque qu'il avait ses poils sur la poitrine et sa grande barbe, que c'était l'heure d'aller prendre une douche peut-être. Donc en fait, quand t'as Triple H qui fait une blague comme ça, comme quoi t'as pas une hygiène hyper cool, t'as une idée de ce que les grands pontes WWE pensent de toi. Si Triple H vient dire un truc comme ça, c'est que c'est assez représentatif que, bon, ben t'as pas la gueule pour représenter WWE dans les médias, quoi. Et The Miz, ben bon, ben, faut croire qu'il passe mieux. Après, moi, c'est un choix que j'ai jamais compris. Hein. 2010-2011, The Miz à WrestleMania, c'est un truc qui est toujours. 9 ans après, c'est un truc... Mais bon, ils ont essayé au moins. J'ai un peu... Ça. Ouais, le Jacob Friedman, hein, c'est pour ça que pour moi, dans l'idée, on les compare un petit peu. Tu sens que le mec est un peu parvenu, qui chope des championnats, il a des victoires, il agace facilement, et c'est un heel old school arrogant, tout simplement. Les résultats sont tombés, les copains, je me permets un petit instant d'interrompre. Les résultats sont tombés. Je sens que ça va être honteux. C'est très serré, 52% à 48%. Le point remporté par Sturie Kane sur la question peut-être mal formulée du Norbert Invitational, le peuple a parlé. Ah, alors, on me dit résultat définitif, mais ça vient de se resserrer encore. Je pense que Twitter continue. Ah, ça revient à 52-48. Bon, et ça marque résultat définitif, mais ça change quand même. Dans tous les cas, la question n'est pas annulée. Le peuple a parlé. On a 52% de non sur annule-t-on le point remporté par Sturie Kane, qui mène donc 6 à 3. Incroyable. Bravo le peuple.
Le PEL de Flo va pas trop mal. La femme et l'enfant d'audiovisuel vont un peu moins bien. Et 330 votes, hein, 329 votes, c'est pas un vieux. Ah, mais y a même ma compagne, tu as voté quoi? Tu as voté. Ah, elle a voté. Oh la vache. Ah, Rabi va pas être content, elle a voté non. Ah mince, c'est un bulletin secret, on n'était pas obligé de dire ça peut-être. Bon. Mais c'est incroyable. Après, je sais pas, c'est les gens qui n'ont pas écouté l'émission qui ont voté ou quoi? Alors moi, je reconnais que ma question était formulée un peu à la bouffe-moi le zob, mais que tu aurais trouvé la réponse tout de même. Oui, avec ton Norbert is not amused. C'est honteux. Hey, Dark Knight Uchiwa, c'est honteux. Bravo. C'est scandaleux, mais bien sûr, c'est scandaleux. Après, c'est pas grave. Hey, tu sais quoi, c'est pas grave. Ça me donnera une bonne excuse de sac si je perds. Voilà, c'est très bien. Story. Pardon. Ouais, je disais, j'aurais même pu vous mettre juge d'un truc. Hein. Je peux partager mon écran actuel parce que je vous fais une partage d'écran sur Skype, les amis. Vous allez pouvoir voir de vos propres yeux que j'ai voté oui à la question. Mais bravo. Non, mais ça, Sturi, de toute façon, dès qu'il y a un vote où il est dedans, il vote contre lui. Systématiquement. Il vote toujours contre lui. Systématiquement. Votez oui, parce que moi, je trouve le point un peu. Voilà, je trouve qu'il n'est pas juste si Rabi avait pas compris la question comme je l'ai comprise. Après, c'est le normal. Peuple. Après, Rabi, je suis désolé. Après, le peuple a voté, je peux plus rien faire. Voilà. Ouais, mais le peuple. Bon, le peuple, ça c'est pour ça, une bonne dictature du prolétariat, ça fait pas de mal. Très bien. Enfin. On va. On y... tous confinés chez nous, on n'a pas le droit de sortir. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je déconne. Bah, non, on va avoir des problèmes. J'ai rien dit. Hashtag feuille en live, Sturi, s'il te plaît. Et après, on a notre invité spécial dans un tout petit instant. Sturi. Le partage d'écran de ce fait. Oui, bonjour. Alors, attends. Enlève l'écran. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est bon, il est parti. Il est parti. Il est parti. Hashtag feuille en live. Alors, hashtag feuille en live. J'essaie de tout récupérer. J'ai eu le petit message de notre ami Rabi qui s'est affiché sur notre petit écran. Oui. Hop, hashtag feuillant live, puisque du coup, je l'avais enlevé. Voilà, il est reviendu. Hashtag feuillant live, vous pouvez réagir bien entendu toute la soirée à cette grande soirée. Il est quasiment 23h. Hugo nous dit, quelle honte. Quelle honte, clairement. Hugo, je voulais voir Rabi gagner. Il va peut-être gagner Rabi, hein. Non, mais il faut qu'il en mette 4 d'affilée, c'est chaud quand même là. Il peut le faire. Il faut qu'il mette 4 buts d'affilée quand même. Prends-lui, il n'y a que moi qui pourrais croire en lui, je suis son adversaire. Il suffit qu'on tombe mal volontairement pour qu'il revienne et qu'on crée le suspense et que je fasse ah là là, parce que je suis un bon worker. Moi, ça m'aurait un peu arrangé qu'on ait eu le point parce qu'imagine, on arrive à un match nul. Et là, c'est beau là. Ouais, c'est beau, mais tu aurais fait une belle histoire. Question pour faire, mais non, j'ai une question. L'Aniposo. J'ai toujours 3 ou 4 questions subsidiaires, de toute façon, au cas où, mais non. Je me serais dit, là, un petit match nul pour l'histoire, c'est bien. Tu vois. C'est vrai. Trafalgar qui nous dit, j'ai tendance à penser qu'à l'époque, le Miz était un peu le Baron Corbin de ces dernières années. Le bon soldat de Tonton Vince, qui peut utiliser comme bon lui semble, plus facilement que d'autres, tout au moins. Je trouve que la comparaison n'est pas inintéressante, en effet. Mm-hmm. Oui, après, il était très décrié par beaucoup de gens. Hein. De Miz, il a toujours eu sa petite clique de défenseur. Mais je prends largement le mise à Baron Corbin. Pour moi, c'est cette association incroyable avec Daniel Bryan à NXT qui le fait décoller parce que ça se suit un peu pour lui. Après, il va perdre le championnat des États-Unis pour s'envoler vers le titre majeur, quoi, avec le Money in the Bank et tout ça, quoi. Moi, je maintiens que le retour de Bryan, ça a été une catastrophe avec le mise. Hein. Je vous avais prévenu. Hein. Je me dis, ça va être pourri, et c'était pourri. Ah, oui. 2000 de là récemment. Oui, récemment, ouais. Ouais. Ok. En 2010, quand il revient à partir de SummerSlam et qu'il refute derrière, c'est très bien, moi je trouve. Mais tu vois, Miz, Bryan, super. Moi, la promo de Talking Smack, c'est une de mes promos préférées ever. Je la trouve géniale. J'adore. Mais je vois que ça. Enfin, moi, j'adorais le Miz. Il y a une année où je l'avais mis numéro 2. C'est cette année-là, je crois, de mon classement WWE de l'année. Il a fait une bonne année pour moi. C'était cette année-là. Je crois que c'est 2016. 2017. Où il est champion intercontinental et qu'il s'accroche à plein de trucs. Ouais. Il y a des mecs autour de lui, c'est intéressant. Mais c'est tout. Bon, je vois que ça dans Demiz. Et avant qu'il devienne ce qu'on connaît de lui, les débuts de son équipe avec Morrison, c'était sympa aussi. Il vient travailler en toussant. Bon, on va faire ça. Ouais. Est-ce qu'il vient en toussant la chatte à la voisine? Ah, toi qui voulais tousser. Exactement. Tousse dans ton coude. Voilà. Hashtag feuillant live.
Damien de Pessemier qui nous dit « La plupart des fans oublient trop souvent CM Punk avant sa paille bombe, puisqu'en 2009, avec son deuxième règne de champion WWE World Heavyweight, il était le meilleur catcheur 2009 de l'année chez WWE. » Avec je sais pas si on... Oui, moi, je sais pas si on peut dire ça quand il y a Shawn Michaels et Chris Jericho à l'époque, quoi. C'est compliqué. Moi, je pense qu'on n'y est pas des masses, là, hein, sur le coup. C'était un bon catcheur en 2009, mais... non. En fait, non, parce que Jericho, il était au-dessus. CM Punk, c'est vraiment 2011-2013. Hein. Oui, clairement. Alors, Hugo, qui soutient donc de se faire rabiller dans sa peine, nous dit « Pour moi, CM Punk est surcoté. Il a été à la WWE depuis 6 ans et encore. » Alors, je pense qu'il voulait dire « Il n'a plus été à la WWE depuis 6 ans et encore. » Et je trouve que les gens le prennent trop pour une légende alors qu'il y a beaucoup de talent sous-côté. C'était sa justification. Ouais. Mmh. Gourou, qui nous dit « Vis-à-vis du point, il faut demander à la VAR. » Alors, on n'a pas la VAR, malheureusement. On n'a que le CID. Ouais. On n'a que le CID. Voilà. Le bourgeois gentilhomme, mais on n'a pas la VAR. On n'a pas la VAR, on n'a pas le CID. Sauf que c'est Corneille le CID, enfin bon, bref, peu importe. Mais après, cela dit, on sait que le VAR, ça ne sert à rien. C'est un joli département. La plupart des décisions prises avec le VAR, elles sont pourries. Hein, donc, On dit le VAR ou la VAR ? C'est le VAR, logiquement. C'est quoi il veut dire quoi le sigle ? Video Assistant Referee. Ah, c'est le referee, en fait. Ouais, c'est l'arbitre, c'est pas la vidéo. Okay. Enfin, refereeing, peut-être, je sais pas. Mais ouais. On devrait dire le VAR, en effet. Sturie. Ah, parce qu'il n'y a pas eu de sigle français, l'arbitre vidéo assistant. Enfin, ce soir, tout ça pour dire, le VAR a encore servi à rien. Voilà. Toi, t'es anti-VAR plutôt ? Pardon ? T'es plutôt anti-VAR ? Ah, ben c'est-à-dire, quand c'est des sacs à merde qui regardent la vidéo, c'est compliqué aussi. Quoi. En fait, si tu veux, les arbitres en général, ils sont aussi mauvais sur le terrain que devant une télé. Donc, c'est des trucs qui sont très étonnants. Et je parle même pas pour Bordeaux, parce que Bordeaux a souvent été avantagé avec le VAR. Mais c'est le VAR, c'est problématique dans le football. Tu perds un temps fou. Enfin, j'imagine pour l'année dernière, Manchester City Tottenham. Où Manchester City est la 90e croix se qualifier, t'as tout le stade qui exulte, et qu'en fait t'as l'arbitre qui fait hop 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 hop, attends, je vais regarder la télé deux secondes. Fumer une clope, peinard. Le mec, il t'a mis une clim à 60 000 personnes en disant ah non, mais il y avait hors jeu. Non, ouais, c'est compliqué la vidéo. Ouais. C'est bâtard de ouf. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui ! Je voulais profiter aussi de cette petite incartade pour remercier Sébastien qui a fait un don et la semaine dernière aussi via le PayPal. Donc il n'y a pas les alertes, mais merci Sébastien pour ton soutien. Il nous disait là, salut les Boomers et la team FHCA, merci pour votre retour, vous êtes géniaux. Merci beaucoup Sébastien. Bien, c'est vrai. Alors on va clore cette soirée avec le reste du jeu. Trois questions de la NIP, de Invitational. Un, la NIP de type OFO. Hein. La NIP de type OFO. Sturi, tu as un point de la victoire. Rabi, faut que t'en mettes 4 d'affilée. Bah, ça va être chaud. Et j'ai la main. Et tu as la main, Sturi. Pense que vous êtes un peu fatigués, vous allez tous aller vous coucher, je prends la main. En haut de quelle statistique trône Undertaker, Triple H et Randy Orton? En haut de quelle statistique trône Undertaker, HHH et Randy Orton? Juste deux. Juste trois, pardon. Undertaker, Triple H et Randy Orton. En haut de quelle statistique trône Undertaker, Triple H et Randy Orton? Il y en a d'autres, mais en haut, c'est eux trois. En haut de quel classement, si tu préfères? Est-ce que ce classement est en lien avec un pay-per-view? Non. D'accord. Ce sont les trois catcheurs qui ont disputé le plus grand nombre de matchs en pay-per-view.
Non. C'est WWE. Non. Mais c'est pas loin, hein, on est d'accord. Il y a un truc qui... Un demi-point. Est-ce que le quatrième de ce classement est John Cena? Non, je... On s'en fout. Non, non, je crois, mais moi, je crois, là... Mais je crois savoir qui c'est, en plus. Et c'est, la réponse est étonnante. Mais c'est pas John Cena, non. D'accord, la réponse est étonnante, ok. On dirait des titres de vidéos YouTube putassiers. Vous n'en croirez pas vos yeux. Le sixième m'a étonné. Alors, The Undertaker, Triple H, Randy Orton. Dans cet ordre. Très bien. Non, en fait, le quatrième n'est pas du tout étonnant. Hein. Non. Mais, et généralement, les vidéos YouTube, c'est ça, en fait. Ils te disent, le quatrième m'a troué le cul. Et tu regardes, tu fais, bah non. En fait, ouais, on s'en doutait. Ouais. Alors, moi, j'ai dit le nombre de victoires en pay-per-view, c'est ça? En premier, c'est ce que j'ai dit. Oui, je crois que c'est ce que tu as dit. Tu as dit un truc dans oui, ce style-là. Tu, ouais. tu t'en rappelles même pas. C'est-à-dire que tu ne me regardes plus, alors, tu ne m'écoutes plus. Non, c'est carrément faux, quoi. Non, mais moi, je suis. Ah, c'est terrible ce qui m'arrive ce soir. Donc. Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Attends. En fait, la question est pas bonne. Non, 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 mais je suis sur un truc wiki là, ça a été trollé par quelqu'un là, c'est sûr. Ouais, ok, c'est bon, des petits malins. Ouais, ouais bon, ça se pourrait. Bon, vas-y. Bah, Rabi. Bon. C'est. Écoute-moi bien, Norbert. Regarde-moi. Oui. Je te vois. C'est le nombre. C'est le nombre de pay-per-view disputés d'affilée. Non. Putain, c'est pas loin. Hein. Pas parce que Taker, c'est un false flag, c'est un écran de fumée, Taker. Du coup. Mais et moins un pour ça, putain. Mais le nombre de conneries non, alors qui sont débitées à la seconde. C'est quoi. Absolument pas un écran de fumée, le nombre de Taker. Eh ouais, putain, c'est incroyable. Quoi. On t'attend, Sturie. C'est le nombre de victoires à WrestleMania? Non. Non, pas du tout. Le mec qui se pose la question, il dit non dans la foulée, quoi. Ça a pas. Attends, est-ce que j'ai bien demandé si ça avait pas un rapport avec un pay-per-view en particulier? Non. On a dit non à ça déjà. Je vais poser cette question. Voilà. Moi, je l'ai posé cette question. Oui. Et c'est pour ça qu'après, tu demandes le nombre de victoires à WrestleMania. Moi. Excuse-moi. C'est vrai. Aucun sens. C'est aucun vrai. Sens. Non, mais c'est honteux. Bon, allez, c'est pas grave, je continue. Je continue l'art de rien. Alors, c'est... Putain, c'est quoi? C'est... On joue tellement l'apéro, là, on a l'impression que c'est chaud. Non, et moi, si je gagne pas, je perds, là. Donc, à un moment donné, je joue un peu ma vie, là, quand même, ce soir. Si je gagne pas, je perds. Christophe non. Ayem, 29 mars 2020. Non, non, non. Si je gagne pas ce... Alors, allez, on va dire bien. Si je gagne pas ce point, je perds la partie. Oh, enculé. Il faut toujours rien aller. Donc, Undertaker, Triple H, Randy Orton, c'est dans le... cet ordre. Le nombre de personnes qui ont fait un pay-per-view par an minimum d'affilée. Non. Et c'est pas loin. Non, c'est loin. C'est loin. C'est loin. Putain. Si c'est pas en lien avec un pay-per-view, est-ce que c'est en lien avec un type de match? Oui, Sturie. Ah, très bien. Ah, putain, oui. Je fais une proposition? Oui, vas-y. Le nombre de Hell in a Cell? Ouais, c'est ça. C'est Sturie qui remporte cette soirée numéro 2 des Boomers du Catch. C'est le plus grand nombre de participations au Hell in a Cell. 7-3 pour le moment. Rabi peut revenir peut-être à 7-6 avec les questions qui restent. Parce que ce sera... à quoi ça sert? Ce sera... Ça sert à rien, c'est humiliant. C'est humiliant. Ben non, mais non, ah, écoute, non, c'est mieux de perdre. Non, tu vas pas, tu vas pas rester à 7-3 perdu, quand tu perds. Attends, on va pas arrêter là quand même. Non, on va les continuer. On va faire les questions pour le mur. Mais on compte plus les points, c'est bon. Si, on va j'ai compter perdu les points, 7-3. On va compter les non, 7-3, c'est perdu. Non, mais à un moment donné, non, attends. T'as peur de prendre 10-3. Tu peux dire que t'as peur de prendre 10-3. Peu importe, j'ai déjà perdu 7-3. Au bout de 10 questions, j'ai déjà perdu. C'est déjà humiliant. Attends, qu'on arrête le live là? Mais non. Ah mais bon ça, ça, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai perdu. Les points,
C'est ben. Oui, mais les gens, ils peuvent quand même les compter eux-mêmes, les points. Enfin, ils vont voir que peut-être tu vas prendre 10-3, peut-être tu vas faire 7-6. Mais les gens, ils ont dit que la question, elle valait. Il y a deux questions. Si donc, j'ai à besoin, un moment donné, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Si j'ai besoin de faire une stat à un moment donné et de nombre de points remportés sur tous les boomers du catch, comment on fait? Mais là, ça vaut plus rien. Non, mais. Il y a Trafalgar, il va faire des stats. Il va reprendre tous les vieux SKO sur tous les Lanipofo, tous les trucs. Et je suis vraiment désolé pour audiovisuel. En tout cas, c'est une grosse. Il a perdu sa femme et son gamin, quoi. Dans tous les cas, c'est chaud. Même si on continue avec Krabira à 7-6, on peut féliciter Sturi qui va nous dire un petit mot. At Sturi Kane, le vainqueur, il a pris sa revanche déjà sur Rabi. 7-3 pour le moment. Bravo Sturi, un petit mot. Merci le soutien, merci à moi-même, parce que je me suis surpris quand même moi-même sur quelques trucs. Je dois vous l'avouer, avec. Voilà, je dois vous l'avouer, je sais pas, j'allais dire quelque chose derrière, mais je me suis surpris moi-même. J'étais peut-être face à un Rabi un peu moins bon, un peu moins concentré, plus défaitiste que d'habitude. Un peu plus, voilà, moins bien dans ses... Mais c'est pas grave. Rabi, il va y avoir des revanches. Il va déjà y avoir la trois petites manches pour te remettre un petit peu d'aplomb. Non, on va être obligé de le faire, parce que si je pose des questions pour rien, moi ça m'arrange pas, parce que je galère à trouver des questions, c'est pas simple hein, quand même. Hein. Oui, mais on va le faire, il y a le chat aussi qui va jouer, bien entendu. Et... Est-ce que, Norbert, toi qui as les yeux sur le chat, oui. Il y a des gens qui trouvent tout ça avant nous. Hein. Il y en a quelques-uns, pas systématiquement, mais il y a eu deux ou trois questions où il y a des gens qui ont trouvé ça avant nous, avant vous. Et ben, les joies de Google. Hein, quoi mais non, je pense qu'il y a des gens qui trouvent les trucs avant nous, bien entendu. Pas du tout. Les rabus. Mais arrêtez un petit peu, si nous on trouve pas, personne trop. Arrêtez un petit peu de venir dire des choses pareilles, crochot. Alors, il y a quand même 40 Elinocel, hein, c'est fou, hein, c'est un truc hallucinant. Bon, bref. Avec Couillon, depuis qu'il y a un putain de pay-per-view qui a le nom, forcément. C'est vrai, ouais. C'est compliqué. C'est les Sporkle aussi qui étaient. Tu sais, j'aime bien, moi, c'est aller sur Sporkle et des fois faire les défis sur Sporkle. Où tu dois remplir, par exemple, les 40 Elinocel, tu dois mettre tous les participants à tous les Elinocel. Et tu as 10 minutes pour tous les noter, par exemple. C'est bien ça. Oui, Sporkle, on en faisait chez toi pas mal, oui. Sporkle, on en faisait souvent. On en met chacun prenait un ordinateur sur Sporkle et qui en trouvait le plus sur le temps imparti. Il y en a un qui est incroyable, c'est les mecs qui ont le plus de matchs entre eux, je crois, 2000. Parce que la stat n'a jamais été mise à jour. Je crois que c'est entre 2001 et 2009, un truc du genre. Et c'est incroyable à jouer, ça. Ça, c'est incroyable, parce qu'il faut trouver 100 catcheurs. Et c'est un truc de malade, quoi. Il y a plein, même tous les champions intercontinentaux, tu vois. C'est pas simple à faire. Hein. Il y a toujours un mec qui va te manquer. Hein. Même si Sturi a déjà gagné, je suis plutôt partisan pour qu'on continue. Je rappelle que pour me suivre, c'est @NorbertFeuillant sur Twitter, c'est également @NorbertFeuillant sur Instagram, sur Facebook, Rabi, c'est @RabiMentor sur Twitter, Sturi est sur Insta et Twitter, @SturiKane. Je rappelle également que pour AEW sur Toonami, c'est mardi 19h15, les deux derniers épisodes seront diffusés d'affilée à 19h15 sur Toonami. Ces deux épisodes seront en replay, donc on parle des deux épisodes à huis clos de Dynamite depuis le début des mesures gouvernementales et aux États-Unis. Concernant la pandémie, donc on vous rediffusera en replay voilà, sur YouTube le lundi 6, puis le mardi 7, premier épisode, mardi, lundi 6, deuxième épisode, mardi 7 avec le docteur. On était à distance, je suis à Bordeaux, il était à Strasbourg, notre ingé son à Paris. Ce sera pas parfait, merci de votre indulgence les copains, mais on est content de vous retrouver pour vous diffuser AEW Dynamite en VF. Sur Toonami, puis sur YouTube, le 6 et le 7 pour YouTube, et c'est ce mardi dans deux jours sur Toonami. À 19h15. Merci à tous pour votre soutien d'ailleurs depuis le début de cette aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux au moins à nous suivre en replay. On sait que ça marche bien sur Toonami également et c'est bien normal. Merci à tous. Bien. Rabi. Honteux. Il y a Patrick l'étoile de merde qui est venu dire d'ailleurs que les réponses dès la première tentative devraient compter double et qu'à partir de ce moment-là, il y avait 7-5. Et je veux dire, il a raison. Allez, on va continuer, les copains. Rabi, tu peux resserrer. Tout le monde s'en branle. Non, mais c'est incroyable. C'est une très, très bonne règle, je trouve. Si tu trouves à la première tentative, t'as deux points. Je trouve que c'est très bien. N'empêche que j'ai quand même gagné. Écoutez, est-ce que vous voulez qu'on mette en place cette règle pour la prochaine fois? À quelle heure t'as gagné? Il y aura 7-5. Il reste combien de questions? Il reste 3 questions. 2 Invitational, 1 Danny Pofo. Il y a 7. Il y a 7-3.
Est-ce que vous voulez que la fois d'après, on mette en place le double point pour la première réponse tout de suite bonne? Ouais, le problème, c'est que j'en trouverai plus. Là, j'ai eu Gaël Chat, c'est tout. Mais après, le problème, c'est que ça risque de déterminer le vainqueur beaucoup plus tôt. Non, mais je suis d'accord. Là, ça aurait été bon ce soir parce que c'était pour moi, mais après, ça ne m'arrange pas. Donc, non. Feuillant Invitational, question 9. Un géopardi, je vous donne une réponse, il faut trouver la question. Vas-y. Allez, Story. Géopardi, géopard devant, géopard derrière. Je turne. Tu prends ou tu gardes? Je laisse la main. La réponse est... C'est Sensational Sherry qui était la première. Rabbi. Quelle est la question de cette réponse? C'est Sensational Sherry qui était la première. Facile. C'était la première à chanter le thème de Shawn Michaels. Alors, c'est vrai, mais c'est pas ça que j'attends. Ah! Mais de mieux en mieux. Ce soir, c'est même plus une carotte, c'est un jardin, quoi. Un jardin. C'est un jardin que je me prends dans l'oignon, quoi. C'est incroyable. Shawn Michaels ne chante pas en premier, d'ailleurs, et c'est pas... Non, c'est Sherry qui chante le premier Sexy Boy. Et tiens, Sturi, toi qui es si fort, ouais. Est-ce que tu sais qui fait les chœurs Sexy Boy sur le thème qu'on connaît aujourd'hui de Shawn Michaels? J'allais dire Liliane Garcia. Non, mais le thème, il date de 1993. Moins 4 Incroyable. Il date de 93. Rabbi, tu le sais, ça, toi? Oui, mais je vais laisser Sturil le dire. Non, je attends. Sais pas. Ouais, moi, je sais pas. Non, c'est Jimmy Hart, voilà, je vous le dis. C'est Jimmy Hart qui fait Sexy Boy. Oui, mais... Ah, oui. Mais je savais pas que c'était lui qui fait les cœurs, quoi. Si, c'est lui qui fait les cœurs. C'est lui. Merde alors. Bien. Sensational Sherry. C'est Sensational Sherry qui était la première. Sturi, ta question. Ou ta proposition. Bah, de toute façon, c'est une question la réponse. Oh, Inception. C'est Sensational Sherry qui était la première. Qui a été la première manageuse à participer à un WrestleMania? Non, mais t'as lancé un mot important. Ah oui, manager, bien sûr, elle a fait sa life. Quoi. Attention, Sturi, ne va pas trouver ton besoin. Rabbi. Ouais, qui a été la première manager d'un champion? Non. Masculin, enfin, c'est quelqu'un qui a eu un titre. Mais si, c'est ça. Non. Tu le sais que c'est ça. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Sturi. Qui a été la première femme à apparaître à WrestleMania? Non. Ok. Ah, j'ai oublié notre invité spécial, on le fera juste après. Rabbi. Qui sont les Snorky. Qui a été... Attends. Qui a été là? Jusque-là, c'est bon. Moi, j'aime bien. Oui, pour l'instant, c'est bien. Voilà. Qui a été la première... Mais qu'est-ce qu'elle a fait en premier? Qui a été la première catcheuse manageuse? Qui a été la première mais non, elle n'a pas catché à WrestleMania. Ou alors, qui a été la première personne à catcher et manager à WrestleMania? Je ne sais pas si elle a catché. Non, je pense non, pas non, tu te perds, tu te perds, mais... Sturi. Je me perds. C'est dur, ça. C'est très, très dur. Qui a été la première manageuse? Non. Ah, mais attends. Non. Essayez au moins. Rabbi. Rabbi laisse un blanc. Vous n'êtes pas déconnecté.
Rabi a frisé, je pense que Rabi il a frisé tout simplement. Ah, il a figé, il est en train de sourire. Ah, là, il a figé, ouais, là, ouais, je tourne la tête vers l'ordi et je vois, je vois sourire bêtement, donc je pense qu'il était plus là, Rabi. Mais bien sûr que j'étais plus là, c'est pourri Skype. ça fait 7 fois que ça me déconnecte ce soir. Et après, on se demande pourquoi je perds. Hein. Bon, alors, Rabi. Le nouveau son de Mano, là, on va se calmer. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qui a été dit pendant que j'étais pas là ? Un gros bisou à Mr. Moonlight sur le chat. Oui, on a eu ton message, Moonlight. T'inquiète pas. On y pense, on t'appelle. Pas de soucis. Ouais, à voir, hein, parce que moi, je suis vénère. Sturi a dit qui a été la première manageuse ? J'ai dit non, je l'ai coupé en pleine phrase. C'est pas ça, là, au début de la question. Pra ! Allez ! Alors. Rabi. Qui ? Et ça, c'est déjà bien. Qui a été la première ? Je répète, qui a été la première catcheuse ? Oui. Ah. Qui a été... Je reprends. Pour ceux qui m'ont pas entendu depuis le début. Oh, le relou ! Non. Parce que je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent tout de suite et qui n'ont pas bien compris ce que j'ai dit. Je reprends. Qui a été la première catcheuse à être championne chez... Non. Eh putain, j'ai pas fini, mais c'était pas ça. Donc, qui a été la première catcheuse à être... On en est là pour l'instant, Sturi. D'accord. Très bon. Norbert Feuillant. Oui. Vous-même. Moi-même. Est-ce que vous pouvez redonner la proposition pour laquelle nous cherchons la question ? C'est Sensational Sherry qui était la première. Là, vous avez bon pour l'instant à qui ? Qui a été la première catcheuse à être ? À être. Wow. Intronisée au Hall of Fame. Non. Ouais, moins 7. Rabi. Ouais, parce que Moula était avant. La grosse Moula, ouais. Moula, la grosse Moula qui a été la première. Fabulous Moulaga. Elle est où la Fabulous Moula ? Fabulous Moula. Rabi. Je reprends. Qui a été la première catcheuse ? Je répète, catcheuse. Mm-hmm. À faire. Non. Bah, on peut remplacer catcheuse par personne. Ah, très bon. Qui a été la première personne à être... Attends. Excuse-moi Norbert, oui. Mais comme par hasard, quand c'est à Sturi de faire une proposition, on donne un indice. Ah non, parce que moi j'ai dit longtemps la première manageuse et c'est d'un coup qu'il m'a dit faux. En tout cas, la réponse n'a rien à voir avec son genre. Ah d'accord, non, son statut on va dire, pas son genre. N'a rien à voir avec son genre, c'est la première personne à... Avoir ah, été... c'est la première personne à avoir fait ça. À avoir été quelque chose ou quelqu'un. Ah ouais. Oui. Sturi. C'est la première personne à avoir. Ah, c'est bon jusque-là. Ah, oui, mais sauf que t'as pas tout bon pour l'instant de tout ce qu'on a dit. C'est la première personne à avoir été. On était là. Avoir été... projeté à travers un miroir, j'en sais rien. Non. Il y a eu Marty Jannetty avant. C'était pas un miroir, mais bon, bref. Ouais, c'est vrai. Rabi. C'est la première personne à avoir deux gimmicks en même temps. Non. Bah, elle a fait Sherry et la blondasse là, avec les lunettes de soleil. Là, non, avec c'est le... C'était avec qui qu'elle faisait ça déjà, ce gimmick là ? Je sais pas de quoi tu parles. J'ai pas l'info. De danser là. Avec. Merde. Je vois la gueule de du truc. C'était avec Rhythm and Blues ? Non. Peut-être, ouais. C'est possible que c'était avec Rhythm and Blues, ouais. Bon, c'était pas ça, mais pourtant, alors, c'était une bonne réponse. Plus simple. N'oubliez pas un truc sur lequel vous avez commencé qui est dans la réponse, mais qui ne concerne pas Sherry. En fait, il y a quelqu'un d'autre qui est impliqué dans cette réponse. Il vous manque quelqu'un. Ah. Sturi. Ah. Sully Perfecten, merci. A été la première
Elle a été la première. Et puis là, c'est pas manager, donc c'est ça qui. Ah, mais il y a ça dans la réponse. Elle a été la première à avoir managé un catcheur en particulier. Non. Rabi. Ça a été. Alors, chérie, ça a été la première à avoir été catcheuse et manager. Non. Non. Mais non, puisqu'on s'en branle du genre, tu l'as dit. Pardon, Sturie. Elle a été la première catcheuse à avoir été managée. Ça me suffit pas. Rabi. Punaise, oui. Non, mais attends, je laisse Sturie finir, à la limite. Parce que moi, de toute façon, je sais pas. Donc. Sturie. Je sais pas. C'est un peu con par contre ce que je vais dire. Ça a été la première catcheuse à avoir été managée par le catcheur qu'elle manage. Non, 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 plus simple, plus simple. Oui. Rabi. C'est. Très bien. C'est la première catcheuse à avoir été managée par. Par qui elle a été managée, Thierry ? Je sais pas par qui elle a été managée, Thierry, par elle-même ? Non. Alors, je sais bien que c'est pas ça, hein, mais je n'ai strictement aucune idée. S'il faut du name dropping, je sais pas du tout. Sturi. Je parle à Rabi. Rabi ? Oui, oui, c'est moi. Elle a managé qui, Thierry ? Elle a managé Savage, elle a managé DiBiase. Michaels, elle a managé DiBiase, mais je pense qu'elle a été managée par quelqu'un. On est en 1982. Voilà. Et voilà, elle est managée par Captain Lou Albano à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Non, Sturie, Rabi. Elle est managée par, je sais pas moi, par qui ? Je veux la phrase en entier. Sensational Sherry était la première. Sensational Sherry a été la première catcheuse à avoir été managée par Paul Heyman. Non. Je sais pas, vous dire des trucs. Par Paul Heyman en 82. Eh ben, il avait 14 ans et alors. Il faisait les photos. Et alors. Donc c'est chez AWR. La première catcheuse à avoir été managée par un homme. Oui, mais je veux quelqu'un en particulier. Captain Lou Albano. Non. Rabi. Ça fait deux fois qu'il donne la même réponse quand même, il a toujours pas compris. Moins deux. Donc. Mais, parce que tout à l'heure, j'ai peut-être mal prononcé. Non, t'avais très bien dit, Lou Albano. Mais si tu veux, je peux reproposer, on sait jamais. T'as les managers de 82. Putain, je l'ai en plus ce con. Non. C'est Rabi de proposer un truc. Sensational Sherry était la première personne à être managée. Par. Jimmy Hart. Non. Sturie. Là, ça va être du bol, là. Oui, non, mais ça va être juste du name dropping. Ça a été la première personne à être managée par Jim Cornette. Par Jim Cornette. C'est la première personne que Jim Cornette a managée en 1982. Non, pas la première catcheuse, c'est la première personne. C'est la première personne. Et c'est chaud. Eh oui. Bien, dernière question du Norbert Invitational. Après, on va plier boutique dans pas longtemps, les copains. Alors, ça, c'est dur. Moi, je pensais que c'était. Attends, Norbert. 8-3, oui. Oui, voilà, merci. Après, il y a Lenny Poffo. Une question à Lenny Poffo. Bravo, Sturie. Ah bah, t'as déjà gagné. T'as déjà gagné. Bravo, Sturie. Ah bon, merci. Ah, bravo, Sturie. Hein. Merci, Rabi. Alors, vraiment, c'était un joli point en plus. Hein, de notre... Que ce soit moi ou toi qui gagne, c'était vraiment un superbe point. Je pense que c'est le pire point de l'histoire du Norbert Invitational. C'est clair. On n'a pas, pas gratté du tout. Quoi. On n'a pas fait pitié. Hein. Ah non, on a fait grave. Est-ce que le chat l'avait? Oui, mais sur la fin. D'accord, okay. Ouais, sur le name dropping. Je crois qu'ils avaient fait une belle recherche Google. Et arrêtez, c'est sale. Une énigme. Arrêtez tout de suite. Deux victoires et zéro défaite chez WWE. Ah ouais. Mais six fois champion du monde. De qui parlons-nous ? Alors attends, redonne le truc. Deux victoires et zéro défaite chez WWE en tout. Mais six fois champion du monde. De qui parlons-nous ? Sturie, tu prends, tu laisses, comme tu veux. J'ai oublié. Bah, t'as posé la question avant, donc je vais dire que je prends. Mmh.
2 victoires, 0 défaite chez WWE. Et 6 fois champion du monde. Oui. Alors là, il faut dégraisser, là. Il faut déblayer, là. Il faut élaguer. Deux victoires, zéro défaite, et pourtant aussi. Donc ça, c'est une stat qui dure encore aujourd'hui, hein. Qui est toujours, oui, qui dure aujourd'hui. Toujours valide. Oui. Je vais faire une passe décisive à Rabi. Est-ce que les championnats du monde en question sont les championnats NWA? Oui. Ok, je fais de tentative. Oui. Est-ce qu'il a fait plus de matchs? Dan Severn? Non. Il a fait plus de matchs, oui, que ça chez WWE. Oui. Il en a perdu aussi. Oui, oui. Donc, t'as percé une partie du mystère, Thury. Rabi. Ouais. C'est bien aimable. Merci beaucoup. Est-ce que je fais partie d'une famille? Non. Très bien. Bah oui, sans doute, mais bon, pas de... Oui, non, mais pas une famille de catcheurs. Alors, une famille de catcheurs. Thury. Est-ce que c'est Colt Cabana? Non. Même plus de questions, quoi. Vraiment la condescendance absolue, quoi. C'est-à-dire non, mais... qu'on s'en bat tellement les couilles, on pose plus de questions, quoi. Parce que je sais qu'il a... je pense qu'il les a perdus, ces matchs, c'était contre Brian Kendrick. Oui, c'est contre Brian Kendrick et il perd, donc c'est... Il n'a pas fait beaucoup de matchs pour WWE. Non, mais c'était pas ça, on s'en fout. Ouais. Non, mais c'est honteux, quoi. C'était pas mal, c'était tenté, ça aurait pu être joli. Bon, allez, je vais donner un indice pour qu'on aille plus vite. Il y a deux réponses à cette question. Ah, il y a deux? Ah bon? Il y a deux catcheurs qui ont cette stat? Ouais, Rabi. Incroyable. Ouais. Et les deux, c'est vis-à-vis d'NWA. Oui. Merde alors. Eh ben. Elle est pas sorti d'errance. Non, mais c'est pas si dur, en vrai. Maintenant, vous avez percé le... Je propose une merde. Nick Bockwinkle et... Et quelqu'un d'autre. Non. Bon, très bien. Thury. Est-ce qu'on parle de deux catcheurs qui ont obtenu ces championnats NWA avant les années 90? Non. Ouais, là. Alors, est-ce que le championnat NWA TNA, enfin NWA TNA, compte ou pas? Oui. Bah, c'est NWA, quoi. Ouais. Non. Attends, mais 2-0, c'est un mec qui a apparu deux fois chez WWE et qui en plus est venu deux fois pour gagner. Ouais. Il a dû être traité. Non, je rappelle qu'ils sont deux. Non, mais surtout, il y en a deux, quoi. Ils n'ont pas dû être traités comme de la merde s'ils ont fait ça, quoi. Ouh, méfie-toi quand même. Non, mais ils sont dus pour gagner des matchs. Non, mais ça pue les matchs à Metal ou à Jacked ou un truc dans le genre, là. C'est ce qui est étonnant, en fait. Deux victoires, zéro défaite chez WWE, mais 6 fois champion du monde. De qui parlons-nous? 6 fois champion NWA, quoi. Putain, mais... Alors moi, par contre, les champions NWA post-84... Il y a deux réponses à cette question. Putain, enculé, je pense savoir. Mais vas-y. C'est qu'on n'a pas depuis le début des champions du monde. Est-ce que c'est des champions du monde par équipe? Oui, c'est des champions du monde par équipe. C'est qui ces mecs? Champion par équipe NWA. Je sais pas. On a quelqu'un qui a une des deux réponses sur le chat. Une des deux réponses. Ouais. Des champions par équipe NWA. Ils sont venus deux fois chez et ils ont droppé par deux fois le truc. Ils ont gagné deux fois. Ils ont gagné deux fois. Ils sont venus deux fois chez WWE. Alors, deux fois... ils sont venus deux fois chez WWE, mais ça représente quatre matchs. Chaque catcheur est venu deux fois. C'est pareil. Chaque catcheur est venu deux fois. Donc, ah oui, donc c'est pas une équipe qui est venue deux fois. Eh bien si, mais ils sont venus séparément. Donc ils n'ont pas catché en équipe. Chez WWE. Là,
Ah, c'est très bâtard. Waouh. Vous les connaissez tous les deux, hein, sans problème. Il y en a un, je l'ai. Je pense l'avoir. Ouais, oui, moi aussi. Ouais. Obligé, je l'ai. C'est Arabi, hein. C'est Arabi de répondre. Il faut que je trouve le deuxième. Non, mais sinon, si vous avez un, vous avez l'autre. C'est obligé. Alors, mais sauf qu'en fait, moi, les champions NWA, je les connais pas par équipe. J'ai aucune idée des équipes qu'il y a pu avoir chez NWA. Quoi. C'est trouvé sur le chat. Ouais. Très bien. Je sais rien, moi, avec Shelly et Chris Sibyl. Non. Sturie. Est-ce que dans les deux, il y a James Storm? Oui. Putain, mais qui va être le deuxième? Non, mais... Ah, mais tu vas pas me dire, Chris Harris, il a pas fait que deux matchs qu'il a gagné chez WWE? Eh ben si. Arden Walker, bah, il a deux matchs gagnés? Bah oui. Ah, mais je pensais qu'il avait jobé, quoi. Non. Il a deux victoires chez WWE. Eh oui. Braden Walker. Eh oui. Le Braden Walker. Le Braden Walker. Parlait à Matardi backstage en mettant les mains sur les hanches. C'est ça. La carrière en triple DVD de Braden Walker. Ça, 15 minutes chez WWE. Et c'est encore une victoire de Sturie. C'est America's Most Wanted. Ouais, 6 fois champion NWA par équipe. Pardon ? Vache. James Storm, ok, mais Braden Walker, je pensais qu'il avait jobé chez WWE, clairement. Eh oui. Deux fois, il y a des périodes différentes. James Storm vient deux fois à NXT où il fait deux victoires avant de pas revenir du tout. Et Braden Walker, je pensais que c'était faux parce que James Storm, je pensais que c'était de se faire des crans de fumée. Je voudrais m'excuser auprès de notre invité spécial que j'ai oublié de présenter. Je pense qu'il est de mauvais poil. Est-ce qu'il est avec nous, notre invité aujourd'hui? Pour les gens qui nous ont suivis, vous êtes encore 750 après 3h30 de live, une victoire pliée depuis une bonne demi-heure. Salut Barbe Blondin qui est avec nous. Ah! Mesdames, messieurs, ici Marc Bidou, à mes côtés, Babi, qui est en train de pleurer dans les boilettes. À 9-3. Hein. 9-3, mais après, alors cela dit, j'ai écouté l'émission, quand même des questions qui sont... Bref, écoutez, très bien, très heureux de vous retrouver. Le confinement se passe on ne peut plus mal. Babi est insupportable au jour le jour, au jour d'aujourd'hui. Babi est infernal. Infernal, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il joue à Doom et il a fini Doom aujourd'hui, mesdames, messieurs. T'as l'air d'avoir une patate, Marc Blondin, aujourd'hui. Ah, j'en peux plus là, de l'entendre râler devant son jeu pourri. Voilà, et puis là, bon, de le voir. Il a déjà cassé deux assiettes hein, ce soir, mesdames, messieurs. Déçu d'avoir perdu contre Pturi. Bonsoir, Borbert. Salut, Marc. Bonsoir, Pturi. Bonsoir, Marc. Et bien évidemment, donc, Babi, très mauvais joueur. Hein, là, il est en train... Ah oui. Il est en train de pleurer, mesdames, messieurs. C'est terrible. C'est une humiliation en public. Mais après, bon, moi... Personnellement, si on enlève le fait que Babi soit un fiefé connard, comme on dit, ça se passe bien. Hein. Et je suis très heureux de vous retrouver, bien évidemment, mesdames, messieurs. Et je tiens à dire à Pturi que c'est une victoire écrasante et formidable, bien évidemment. Ah, c'est pas bravo beaucoup. À toi, Pturi. Ah, c'est rare. Hein. C'est rare pour souligner, Bark. On te demande où t'en es dans Animal Crossing, Bark. Oui. Alors, bien évidemment, je me suis créé un compte sur la Switch de Babi. Et donc, j'ai créé le Tourneur City. Comment il va? Tout se passe. Oh là là, le pauvre Dieu et son âme. Il est mort? Il est mort? Pas encore. Mais il est en train de souffrir terriblement. Puisqu'il essaye d'attraper présentement des tarentules. Je peux vous montrer, hein, vous voyez hein, l'image, hop. Regardez donc, là on essaye d'attraper des tarentules, n'est-ce pas? C'est Michel, Michel qui tente d'attraper des tarentules. Des quoi, des tarentules? Des tarentules, parce qu'il y a des tarentules dans Animal Crossing, et Michel a une peur bleue des tarentules. Et donc, des tarentules?
bah, il se fait dessus et puis il m'appelle juste après. Et donc, bon, tout se passe bien. Écoutez, moi, je suis très content hein, de parler avec vous oui. ce soir. Présente. Tu veux, Bark, tu veux pas m'affronter moi plutôt, Krabi? Rien d'autre. Moi, tu sais, si on ne parle pas de WCW ou de André le Géant en 1988, je connais la peau du zob. Hein, donc, On a une question WCW pour Bark. Je vais peut-être essayer de le prendre, moi, Bark, sur la WCW. Ah ben écoute, par contre, si tu espères me prendre, comme tu dis, je pense que c'est ce soir ou jamais, vu que quand même, il faut dire que ce soir, t'as de la chatte comme jamais, Maître Gims est sapé comme jamais, toi t'es cocu comme jamais ce soir. C'est incroyable la chatte que tu peux avoir. On voit plus moi, sur le alors, chat, un peu peur. Alors, excuse-moi, je ne suis pas spécialement partisan de Bobby, hein, mais c'est un vol. Tu préfères le billard, quoi. Tu préfères le billard. Il n'a pas compris. Le Bobby foot. C'est un vol. J'ai l'impression d'être devant Barcelone PSG il y a quelques années, la remontada de Barcelone avec trois coups francs qui n'existent pas. Un pénalty qui n'existe pas. Il est terrain à Tulle. Des terrains à Tulle qui n'existent pas. Est-ce que Michel existe? Je suis en train de me poser la question. Est-ce que Michel existe vraiment en vrai? Dans ma tête, oui. Hein. Attends. Est-ce que t'es sous, Bark? Bark, est-ce que tu serais pas un peu rebou quand même? Est-ce que t'es pas un peu forcé sur la liqueur d'érable? Alors, moi je vais te dire quelque chose. Est sous ce con. Il peut être 20, Bark. Parce que si tu bois autant en Heineken que Rabi en a bu, je pense que t'es bien là. Barber, écoute-moi bien. Pour tenir le coup contre satané virus, il faut se donner des anticorps et sentir bien. Et on fait ce qu'on peut pour sentir bien. Et donc, si ce soir, je peux affronter Pturi, balance-moi une question WCW. Improvise, Barber. Qui? Putain, s'il y en a une, vraiment, quoi. A été le premier. Ah, attends. Ah oui. J'ai une question, Bark. Très bien. À part Mortis. Oh putain. C'est son domaine. À part Mortis, qui était dans le ring quand Ernest Miller est venu mettre un coup de pied dans la gueule de Mortis à ses débuts à la WCW? Le glacier. Le glacier, une bonne réponse. Eh bien voilà. Il a la main. J'ai crié la dernière. Mais moi, je suis invité, hein, Pturi. Bon, voilà, tout ça pour dire que ça vous prouve quand même que la victoire de Pturi était une fluke, comme on dit. Une quick et fluke. Fluke et... et donc, voilà, bon, le glacier, le glaçon, d'ailleurs, Dieu et son âme. Il est mort? Pas encore, mais il se sent vraiment pas très, très bien. Il reste plus grand-chose. Hein. C'est un glaçonné, hein. Un tout petit glaçonné. Bon, je vais rendre la parole à Babi, qui est... Ouais, ça va. Bon, oh là là. Et tout à l'heure, tu as entendu peut-être Rabi qui disait que c'était pas une carotte, c'était un jardin. Et si... enfin, ça. Parce qu'on connaît des catcheurs qui sont forts en jardin, quand même. Très honnêtement, et ça me fait penser un petit peu à ce qui s'était passé il y a quelques années sur ce tournoi, sur le jeu vidéo, le video game de Beauty. WWE, 2K, whatever, où il y avait eu la main de Batista. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la main de Batista sous les cordes. Pour Rabi, oui. Ben si, quand on avait fait tout ce grand tournoi WWE 2K chez le Hurricane, et que Babi s'était fait enfiler la nouille avec la main de Batista. T'as pas saisi ma perche, Bark, sur le jardinage, quand même. Oh, très bien. Mais par contre... D'ailleurs, Rabi affrontait Pierre. Oui. Et Pierre Rabi, c'est un mec qui cultive des trucs aussi. Donc, quand on parle de jardinage, tout ça. Je sais pas si vous connaissez Pierre Rabi. Oui, si, bien sûr. Il y a que lui qui va comprendre sur le chat YouTube.
tout ce que je voulais vous dire avant de rendre la parole à Rabbi, c'est qu'à un moment donné, c'est bien gentil tout ça. Hein. Mais il n'y a pas de culture de la victoire chez Sturi. C'est-à-dire? Est-ce que tu connais la différence? Oui. Non, c'est pas ça. Merde. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu peux me rappeler? Oui. Le terme exact que je suis censé dire tout de suite. Est-ce absolument que, pas. Est-ce que non, tu sais pourquoi? Non, c'est là, Norbert là. Est-ce que tu sais pourquoi? Oh. Est-ce que tu sais pourquoi? Ah, oui. Hulk Hogan. Ah, très bien. Alors, Sturi, tiens. Oui, oui. Et pour, question. Pour un point bonus. Allez. C'est un point bonus pour qui? Pour toi ou pour... Pour Rabbi, bien sûr. Si tu réponds juste, c'est un point pour Rabbi. Si tu réponds mal, c'est un point pour Rabbi. Est-ce que tu connais... Est-ce que tu sais... Pardon. Ouais, c'est pourquoi... Tu sais, la question, c'est tu sais. Est-ce que la tu différence. Sais... Quelle est la différence? Non, 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 non. Est-ce que pourquoi? Tu sais pourquoi Hollywood Hogan ah oui. est un agriculteur? Attends. Attends, je réfléchis. Je t'en prie. Hein. Parce que tout réfléchis ce qui sucre, donc, hein. Parce que tout ce qui sucre, c'est les fraises. Réfléchis, attends deux secondes. C'est pas ça, c'est pas ça. Du suspense, les mecs. Non, je sais pas. Je sais pas, dis-nous tout. Il a frisé. Il a frisé, il est plus en ligne avec nous, Bark. Ah. On le saura jamais. On le saura jamais. On le saura jamais, il est plus là, il est plus avec nous. Bon, sinon, tu mènes 9 à 3 quand même. Hein. Ouais, mais punaise, mais pourquoi c'est un agriculteur, Hulk Hogan? Je sais pas, je sais pas. Tu sais, toi? Non. Est-ce que vous savez sur le chat pourquoi Hulk Hogan est un agriculteur? Rabbi revient. Non, c'est pas Rabbi, c'est Bark. Bark! T'es revenu. Oui, mais c'est la connexion de Rabbi, c'est la connexion de Rabbi. J'ai répondu glacier, mais je crois que j'ai faux. Alors, est-ce que tu sais pourquoi Hollywood Hogan est un agriculteur et donc tu me réponds glacier? Eh bien, pas loin. Pas loin, mon cher Pturi, puisque ah, c'est pas ça. Ah mince. Mais figure-toi que la vraie réponse, c'est pourquoi oui. est-ce que Hollywood Hogan est un agriculteur? Eh bien, c'est parce que tous les films qu'il fait sont des navets. Bravo, Bark. Mais ça nous a fait... Bark, ça nous a fait plaisir de Depuis, il y en a eu des agriculteurs dans le catch. Oui. John Cena, c'en est un beau aussi. Hein. Oui. tu connais John Cena? Qui ça? John Cena. Ah non. Allez, merci Marc en tout cas. T'en as au plaisir. Je vais retourner dans ma ville. Prends de un petit Tarantil. Tarantil City. Tarantil City Beach de Animal Crossing. Et prends un petit peu de paracétamol avant de te coucher quand même. Ça, tu très bien. Allez, rabite avec nous. Oui, j'ai eu du mal à reprendre le micro. Oui. Allez, c'est le dernier Lanipofo. Allez, fais voir. Lourd ce con. Ouais, 9... Allez, on se dépêche. Allez, on fait vite. Fais 9-4 et pas 10-3, quoi. Ouais. Non, mais on s'en branle, j'ai envie de fumer. Sturi, jingle Lanipofo, s'il te plaît. Jingle Lanipofo. Ce soir. Et pour le Lanipofo, avec Norbert et Rabbi, c'est Sturi contre Rabbi. Ça fait déjà 9-3. On va jouer pour le 9-4 ou pour le 10-3. Vous êtes tous avec nous. Gros bisous à tous. Lanipofo, présenté par Norbert Feuillant. Sturi, prends la main, garde la main. Non, rends la main, pardon. Donne la main. Sturi, donne la main. Rabbi, nous t'écoutons. Très bien, je viens quand même de me rendre compte que je me fais humilier ce soir. Ça vient juste de m'arriver comme ça dans la gueule, c'est une grande humiliation. Je me sens pas bien là tout d'un coup. Là. Est-ce actif? Non. ECW original, allez, on va faire la connerie cette fois-ci. Non. Bon, je garde le chat, hein, vous m'en voudrez pas parce que... WWF. Oui. Ah, voilà. Bien évidemment, c'est le dernier.
WWF avant 1990. Oui. Très bon. Ah, ça c'est pour Rabi, c'est de ton âge là, c'est l'EHPAD. Non, t'as vraiment besoin de dire ça là. Le retour de l'EHPAD Bolo. Non, on en est à 9-3 et t'es vraiment obligé de dire que je suis un vieillard quoi. Bah, t'es plus à l'aise en tout cas. J'ai déjà remarqué que t'étais plus à l'aise avec les catcheurs qu'on fréquentait Superstar Billy Graham. Oh putain, j'ai eu une vanne à faire. Oh là là là. Voilà. Oula. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, j'ai failli faire une vanne atroce sur le catch, mais c'est pas grave. Rabi, à toi. D'accord, ok. Moi, je l'ai connu, moi. Rabi, enchaîne. Enchaîne. Rabi, non, c'est... non, alors en plus, non, ça n'avait rien à voir avec ça. Ça n'avait rien à voir avec ça. Non, non, c'était pas moi... ça. Non, non. Alors, je vais poser une question. Non. WCW. Viteuf, mais ça va pas vous aider. Oh, on s'en fout. Hein. Est-ce que tu es en train de réfléchir, Rabi? Je te vois à la webcam à finir l'émission allongée. Non, 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 non. Non. Mais j'aurais dû, hein. Franchement, hein, dimanche prochain, je suis allongé en pyjama, il n'y a aucun souci. J'avais dit que j'avais pas mon pyjama porte-bonheur. Norbert. C'est moi, toujours. Est-ce que ce catcheur, et je pense connaître la réponse, a lutté la plus grosse partie de sa carrière en slip? Non. Ah. Ah mais j'aurais dit oui moi. Ah ouais. Eh ouais. Alors. Attends. C'était quoi les premières réponses là parce que. Toujours actif. Non. Slip. Non. 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 Avant 80. Et... Avant quelle année t'avais dit Sturi? Avant 90. Oui. WWF avant 90. Et WCW Viteuf qui va pas t'aider. Attends. Et donc le mec. Avant 90, chez WWF, il n'était pas en slip. Ça réduit quand même. Ça réduit, ça fait un beau champ de réduction. Hein, absolument. Donc, il a été champion chez WWF. Oui, monsieur. Très bien. Sturi. Il a participé à des Jeux Olympiques. Non. Tant pis. Alors, il a participé à une partie de Rami chez ses grands-parents. Chez ses grands-parents, je sais pas, mais là, il en fait sans doute avec ses potes, oui. Oui. Ah, très bien. Attends, c'était ta question. Pardon ? Rami, c'était ta question ? Oui. Ok. Bon, tu sais, à 9-3, hein, on peut poser des questions plus détendues. Là, c'est très détendu, là. Ouais. Il a fait une famille en or. J'en sais rien, peut-être. Je sais pas, ça m'étonnerait. Peut-être, t'as vu ? Pas mal. Est-ce qu'il a déjà mangé chez Patrice Lafont ? Non. Vous avez vu cette vidéo de la GIF qui met à Passepartout ? Oui, elle est incroyable. Ou à Passe-temps, je sais plus quelle est. Non, c'est à Passepartout. Hein. Super. Quel connard, ce Patrice Lafont. Oui. Allez, Pépita. Allez, Asturie, dépêchez-vous, on est un peu sérieux. Là. J'ai faim, Asturie, faut que tu fumes une clope. Rabi, faut que tu fumes une clope. Là, je pense qu'il a des points communs avec Vince McMahon sur quelques endroits. C'est une vraie question. Ils ont un karma similaire. Pose ta question, Sturie, s'il te plaît. Non, non, mais oui, je pose ma question. Ma question est la suivante. Est-ce que il est états-unien? Oui. D'accord. Okay. Ah, ben voilà. Ça va m'aider, ça. Alors. Alors. Donc, il a catché en pantalon dans les années 80 chez WWF. C'est donc. Mais il doit y en avoir deux. Franchement, il y en a deux. C'est David Boy Smith. Non. Est-ce qu'il a une gimmick de ninja? Non. Ça aurait été génial. Quand vous saurez qui c'est là, mais. Un ninja aux Jeux Olympiques, alors, vous verrez quand vous saurez qui c'est. Il a été champion chez WWF solo. Oui. La vache. Putain, il a été champion WWF solo. Il n'y avait pas 10 000 des titres en plus à cette époque-là. Et il n'était pas en slip, le con. Non. Franchement, on doit en avoir 4. Hein. C'est...
faut juste les trouver. Hein. Il porte la moustache ? Non. Est-ce que c'est pré-années 80 ? Non. Très bien. S'il y a quelque chose au Japon ? Je vois pas qui veut bien vouloir de ce con au Japon. Non. Non, évidemment non. Ok, donc on a un work rate en dessous de 10. Autour de 10. Bon, ah non, je dirais autour de 20. Allez. Allez, soyons sympas. Entre 10 et 20. Putain, mais... Sturi. Oh la vache. Est-ce qu'il a de la famille dans le catch ? Oui. Désolé, Ravi. Ben, vas-y. La messe est dite. Et le 10-3 est acquis. C'est le Honky Tonk Man. C'est le Honky Tonk Man, absolument. 10 à 3. Quelle incroyable soirée pour le... Je te laisse le dire, pour ton clan. Quelle incroyable soirée pour le... 10-3, Rabi. Le Honky Tonk Man. Je pense pas qu'il est frisé, là. Je pense qu'il est toujours connecté parce que je vois les yeux bouger. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, cette fois-ci, il est bien avec nous. Le cousin de Jerry Lawler, ouais. Ouais. Cousin, si on compte le cousin dans la famille maintenant, c'est bon, on en sort plus, quoi. Non, mais franchement. Tu l'imagines en ninja et faire les Jeux Olympiques ? Non, mais franchement, ça a été la soirée de la carotte absolue, quoi. Non, parce ce que là, soir, non, c'est juste pas possible. Si même s'il y a contestation sur deux points, tu perds 8-3. Laisse-moi faire ma promo de mauvaise foi. entre les questions posées, bizarrement, entre les liens de famille qui n'existent pas, cousin, quand on est cousin, on n'est pas de la même famille, faut être sérieux. C'est bon. Mais voilà, si. Merci. Mais pas du Jerry Lawler. Mais Jerry Lawler, rien du tout. C'est pas parce que c'est deux sacs à merde qui sont forcément de la même famille. Sinon, tout le catch est de la même famille. Faut arrêter. Mais cela dit, il faut savoir. Pas tout du nord de la France, merde. Et dans le Médoc, ça existe aussi, hein, je te rassure tout de suite. Vous n'avez pas le monopole. D'accord, excusez-moi. Vous n'avez pas le monopole du poil dans les oreilles. Mais à un moment donné, il faut rendre à Sturie ce qui appartient à Sturie. Et c'est une magnifique victoire. Même s'il y a des points. Mais dans l'absolu. Non, mais avec ou sans les points doubles sur les trucs comme ça, j'aurais perdu ce soir. C'était pas ma soirée, c'était la belle soirée du Sturie Kane. Un partout, une branlasse. Alors par contre, sur le coup, une branlasse sans nom. Hein. Je pense que c'est le plus grand écart qu'il y ait eu. Le seul plus grand, c'est celui de Jean-Claude Van Damme. C'est sur une soirée, parce qu'on fait beaucoup de jeux. Mais je repense à comment j'étais moi, quand il y a eu la streak des Lanny Poffo, sur plusieurs SKO de suite. On en est même été à jusqu'à 7, à un moment, t'étais à 7-0. Je gagnais plus une soirée de Lanny Poffo. Ouais, mais ça te regarde. Après, moi, là, sur une soirée, franchement, c'est. Moi, c'est rude. Je suis pas habitué, moi, à des choses pareilles. Mais cela dit. Oui. Bien, ouais. Voilà, à un moment donné, je peux pas me réfugier que derrière la mauvaise foi, même si j'aimerais beaucoup. Franchement. Mais après, non, bien, ouais. Et ça n'empêche que c'était super cool. Rabi, la bonne super nouvelle, c'est qu'on va pas se retrouver dans une semaine, mais on va se retrouver plus tôt pour s'affronter. Ouais. Donc, tu auras l'occasion de te venger plus vite. Pourquoi on va se retrouver plus tôt ? On va se retirer un feuillet en live avant, ouais, dans la semaine. Feuillet en live va être avancé. On va probablement l'avancer à... Ce qui m'arrangerait, moi, ce serait peut-être vendredi. On va voir. On verra. Je vais voir de mon côté aussi avec les gens qui partagent ma vie. Hein, c'est-à-dire ma copine et tous les esprits dans ma tête. Et Rabi, je pense à nouveau prisé, ouais. Là, sur une image incroyable. On va attendre que Rabi revienne. Je vais quand même dire merci à tous les copains de nous avoir suivis. Vous êtes encore là en fin d'émission. Vous êtes près de 700, vous êtes 650 avec nous en live. Merci à tous. Bravo à Sturie pour cette écrasante victoire. 10 à 3 pour la deuxième édition des Boomers du Catch. On se retrouvera dans la semaine, peut-être vendredi, c'est à confirmer. Rien n'est sûr. AEW sur Toonami, mardi 19h15. Les deux épisodes à huis clos d'affilée en replay lundi 6, puis mardi 7 sur la chaîne
YouTube officielle de Toonami. Bisous à Alain Mistrangelo, bisous à Fred, notre ingé son à Paris qui a fait des miracles avec Alain au téléphone pour la première émission et la deuxième depuis sa salle de bain. Vous verrez, c'est quelque chose. En tout cas, on est content de vous retrouver, aussi content que je l'étais ce soir d'être avec vous pour hashtag Feuillant Live, les boomers du catch, deuxième édition. Je suis Norbert Feuillant, at Norbert Feuillant sur Twitter, Instagram et Facebook. Rabi, merci beaucoup. Je suis désolé pour cette mauvaise soirée en ce qui te concerne. À Rabi Mentor pour te suivre sur Twitter. Je t'embrasse, mon lapin. Tu sais, l'important, c'est pas de gagner, c'est de participer. Non, ça, c'est pour les losers. Je suis dégoûté. c'est vrai, franchement, mais après, bon, bah, il faut savoir reconnaître quand tu te prends une... Ça arrive. Je veux dire qu'à un moment donné, Bordeaux, l'année avant d'être champion de France en 2008-2009, s'est pris un 5-0 à Caen. À Caen. On dirait que tu parles à Netflix, là. À Caen. Ouais, non, mais voilà, bon... Les branlés, ça arrive. J'espère que c'était un accident. À voir dans la semaine, quand on sera à front. Si je me reprends un deuxième 10-3, c'est qu'il va falloir se remettre en question et peut-être aller en Asie mineure vraiment sur le coup. Là. Parce que sinon, ça va être chaud. Mais en tout cas, super soirée. Bravo Asturie. Merci à toi, Norbert. Et puis, ben, on se retrouve très vite, les amis. En tout cas, vous étiez encore plus nombreux que la semaine dernière. Ça fait super plaisir. Avant de filer la parole à Asturie, débrief de ou preview, je ne sais pas. Vous allez parler, Asturie, de WrestleMania et samedi et dimanche avec Rabi. Je n'en serai pas. C'est Asturie Kane pour te suivre, bien sûr, sur Twitter, également sur Insta et bien sûr la chaîne. C'est ça le catch sur laquelle vous êtes, les amis. Asturie, bravo pour ta victoire ce soir. Merci mon cher Norbert, merci à Rabi également, comme je le disais un petit peu plus tôt dans l'émission. Il y a le bon catch où c'est chouette de perdre devant un public, et Rabi l'a bien fait, et je l'ai très bien fait pour lui aussi il y a une semaine. En revanche, ça fait un partout, il a une manche au premier retour des Boomers du catch, j'ai une manche aussi, donc pour moi, ce n'est pas encore une victoire acquise et définitive, donc je travaillerai Rabi, je continuerai de travailler, de potasser, de faire en sorte d'avoir de la chatte jusqu'à la prochaine émission, jusqu'au prochain rendez-vous des Boomers du Catch. On se retrouvera pour se mettre le seum tous ensemble pour une prochaine édition des Boomers du Catch. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Et j'aimerais vraiment, dans le chat YouTube, les amis, maintenant, tout de suite, là, maintenant, beaucoup, 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 beaucoup d'amour pour Norbert Feuillant qui a animé cette soirée d'une main de maître et qui nous a proposé un cocktail de questions particulièrement épicé et qui a tenu cette soirée avec vous pendant 4 heures à vous l'animer, à vous la produire. Je veux beaucoup d'amour pour lui. Merci Norbert. Merci Asturie, merci Arabi, merci à tous les auditeurs pour cette nouvelle saga des Boomers du Catch. Tout le temps qu'il y aura du caca autour de nous dans le monde, on sera avec vous toutes les semaines. Je pense qu'on peut le dire. En tout cas, on a le titre pour la prochaine fois, c'est un partout sur des soirées complètes. Les Boomers du Catch, la belle... Peut-être vendredi. Restez avec nous, at Norbert Feuillant, Asturie Kane, notre ami mentor, et sur la chaîne C'est ça le catch pour avoir des détails très vite. Les copains, c'est un plaisir d'être avec vous. Ne courez pas dans les escaliers. Et d'ici la prochaine fois, soyez mignons. Adios. Bye bye.